J'imagine que ça vous avait manqué. Ah ouais, plus de 10 jours sans Football Manager. Poulouloulouloulou. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Petit récapitulatif, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Football Manager. Voilà, c'est le jeu de l'addiction, hein, vous le savez. Moi, en ce moment, je me tue à ça. Mais en même temps, on a quand même écrit une belle histoire. Avec le Racing Club de Lens, pour l'instant, vos premières saisons, on était monté en Ligue 1 avec une victoire en Ligue 2. Et deuxième saison, on est déjà à 28 matchs. Il nous reste 10 matchs avant la fin de saison et on est 7ème. 7ème, c'est très beau. 7ème, c'est 7ème, c'est inouï. L'enfer, cette chaise qui grince. Ah, c'est horrible. J'en peux plus. Ok. Très décevant, encore une fois. Mais c'est pas grave. Du coup, 7ème veut dire à une place de potentiellement la Ligue Europa. On verra ce qui se passe, mais il va falloir se qualifier. Comme vous pouvez le voir, on est à 42 points. Il y a Bordeaux à 42 points. Il y a Toulouse et Guingamp, 44 points. Donc, il y a vraiment une fourchette ici. 4 points d'écart entre le 5ème et le 10ème. Et il nous reste seulement 10 matchs. Et les 10 matchs, on va les faire maintenant. C'est possible d'obtenir le jeu légalement. Ah bah oui, il suffit de sortir son portefeuille, sa CB, et ensuite de rentrer son code sur Steam, hein, tu verras, c'est assez rapide hein, d'ailleurs, hein, c'est pas con, hein, c'est pas con ce qu'ils ont fait. Guingamp 6, ouais, Guingamp 6, un peu étonnant, mais pourquoi pas, quoi. Même les chaises à bascule dans les films d'horreur font moins de bruit. Ah mais moi, c'est ils l'ont mis bien, quoi. Je te suggère ce son. Non mais là, j'ai déjà une playlist, c'est gentil, c'est gentil. Putain, mais depuis quand Marseille est chaud? Bah écoute, là, cette saison, en tout cas, ça s'est bien passé, mais parce que il y a eu du prêt, ils ont pris un petit Borja Mayoral et tout. Vous le savez, bien sûr, c'est pas forcément la réalité, on part d'une réalité dans Football Manager, et ensuite, on fait sa propre histoire, l'histoire qu'on aimerait pour son club. Voilà, c'est ça qui est beau avec Football Manager, et c'est ça qui fait rêver autant de gens, plus de 2 millions de ventes, d'ailleurs, FM. C'est, non mais t'as foutu en l'air le championnat. Bah là, c'est vrai qu'avec Dijon, Toulouse, Guingamp, tu te demandes un peu ce qui se passe. Mais en même temps, il reste 10 matchs. Et en 10 matchs, on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses. Et on va essayer que ça se passe bien. Parce que là, c'était difficile. Là, depuis le match contre Lyon, contre l'équipe aimée, on se fait souiller la gueule. On a perdu 3-0 contre Lyon. Normal. En plus, il y a eu un petit Moussa Dembélé qui a mis 2 buts. Comme dans la vraie vie. Meilleur buteur de Ligue 1. Je fous le col ici. Moussa. Qu'est-ce que je kiffe sa tête. Ses gros yeux, là. Il me tue à chaque fois qu'il bouge sur le terrain et tout. Attendez, déjà, on vient équiper, hein. On vient équiper. J'ai les deux étoiles. C'est ma copine qui me l'a offert pour mon anniversaire. Elle m'a offert les deux étoiles. Elle voulait me l'offrir avant, mais elle a pas pu l'avoir. Équiper, c'est un faux. Bande d'enfoirés. Les gars, les deux étoiles, 90 heures. Arrêtez, c'est ruiné quand même. Pour... S'il vous plaît, dites stylé, qu'est-ce qui vous arrive là? Dans 30 minutes, le bouton il saute. Mais en fait, c'est un bouton un peu nul. Parce que c'est un bouton. Aïe, déjà qu'il te nique les doigts. Et tu sais qui. Concrètement. Ah, si, en fait, c'est pour le bleu, blanc, rouge ici. Bouton de style. Floqué. Non, il est pas floqué. Mais j'irai peut-être le floquer. Je sais pas. Mais j'irai peut-être. Y a qui derrière? Y a rien, parce que c'est ma copine, et c'est pas trop, tu vois, elle connaît pas de ouf. Mais bref, attendez, parce que là, je commence à raconter ma vie. Du coup, on a perdu un premier match à Lyon, on a gagné contre Angers, donc positif. On a perdu 3-0 contre Montpellier, étonnant, parce que Montpellier 17ème. Donc là, ça va pas. On fait match nul contre Caen, et on se fait sortir de la Coupe de France avec Lille, qui nous sort en plus dans le derby, donc c'est terrible. La reprise, oh mon Jérém, j'espère que tu vas bien. Longtemps que je t'ai pas vu. Donc là, il nous reste 10 matchs. 10 matchs parmi lesquels on va devoir aller jouer au Vélodrome. On va recevoir Monaco. Donc on a quand même des équipes. On a aussi Saint-Etienne, Guingamp. Donc c'est que des équipes. Tu vois, là, on joue Reims, Bordeaux, Guingamp. Qui sont normalement, si je dis pas de conneries, dans notre Bordeaux, Reims, Guingamp, Saint-Etienne. Tu vois, qui sont vraiment dans un mouchoir de poche. Voilà. Je dirais vraiment cette expression. Parce que je pense que c'est ce qu'on attendait, quoi. Avec Titouan derrière. Quoi Titouan? Défaite contre Lille. Ouais, je suis des. Eh, mais en championnat, on leur a pissé dessus. Hein. Ça, je vous le dis, mes petits potes. Hein. On a représenté quand même. Donc voilà un peu ce qui se passe. Ce qui se passait récemment. Parce que aujourd'hui, j'ai quand même lancé le jeu. Vous savez, genre, je prépare mieux mes live Football Manager que mes OP. Formed by One Kenobi. De Twitch, un nom de parfum quoi. Mais bienvenue, merci pour le Prime. Des nouvelles de Titouan. Putain, je me souviens pas de Titouan. Il a oublié Titouan. Titouan, ton avenir. Titouan. Oh, Titouan! Le jeune là! Titouan Royer!
Ah bah ouais, lui, là. Oh putain, c'est vrai qu'il y avait Titouan. Oh, j'avais oublié, je suis désolé, j'avais oublié Titou. Oh, j'avais oublié Titou. Putain, vous êtes des vrais fans, vous êtes des vrais supporters et tout. Hein. Oh là là, mais non, Titou. Ah ouais, il y a Titou, mais Titou, c'est pour plus tard. Titou, il vient d'avoir 16 ans, là, il y a 2 mois. Donc, il faut que tu gagnes tous les matchs importants. Toi, ça m'étonnerait pas si t'étais un coach, toi. Hein. Parce que là, on sent tout de suite que t'as le pif. Hein. T'as l'œil, non, mais tout de suite, on l'a senti. Hein. C'est... Clac, t'as capté ce qu'il fallait faire et tout. C'est l'important, c'est les 3 points. Non, mais 13 buts par match de Titou, bah, un classique. Non, du coup, on avait pas mal de galères. Notamment, un petit souci... Parce que j'avais refait des tactiques et tout. J'avais tout rechangé là cet après-midi et j'allais vous expliquer justement ce qui se passait. Notre vrai souci en fait c'est que ça marche très très bien au milieu de terrain, ça cartonne. Milieu de terrain, on est vachement bien, ça tourne bien, l'équipe est bien. Le souci en fait c'est qu'en attaque, ils reçoivent pas de ballon. Ils reçoivent pas de ballon, ce qui fait que ça fait très longtemps que Kun et Kin n'ont pas marqué. Ah, pourquoi il me l'affiche comme ça maintenant lui là? Mon petit Kun. Kun, voilà, Kun, on l'aime hein, Kun. Mais Kun, il marque plus. Et Kun, il est tout petit. Il est tout petit, Kun. Du coup, comme il est tout petit, bon, c'est un peu la merde, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que on a revu un peu. J'ai demandé conseil à des gens un peu de FM de ce qui pouvait se passer. On s'est rendu compte qu'on avait un souci majoritaire. Parce que ça, on avait tenté attaquant avancé. Mais attendez, parce que je vais juste charger. Je recharge ce que j'avais fait. Voilà. Comme ça va être beaucoup plus simple. Déjà. On a changé Thiago Mendes. Thiago Mendes, il était meneur de jeu défense. Le souci, c'est que c'est bien beau, meneur de jeu défense, sauf qu'au bout d'un moment, on crée jamais de jeu, on va jamais vers l'avant. On se porte jamais vers l'avant, donc c'est toujours problématique. Donc là, on le passe de défense à soutien, ce qui va faire qu'il va créer un petit peu plus de jeu. Il va permettre justement de changer en soutien. Le fait de le passer en soutien va faire que les deux attaquants intérieurs, on les passe aussi en attaque intérieure. Le truc, c'est que ni Kin, moi j'ai envie de jouer avec Kun et Kin. Et pour jouer avec Kun et Kin, on va mettre Kin à gauche. Et Kun en pointe. Et ça, c'est beau. Où est Tonelli? Bah Tonelli, il est sur le banc, mais c'est possible qu'on le fasse jouer, parce qu'on va mettre 2 stoppers. On a monté le bloc d'un cran, pour justement vraiment avoir un contrôle total. Qu'est-ce qu'il y a? Pas grand-chose à changer, on met juste centre à ras de terre, justement, parce que le pauvre petit Kun, le souci, c'est que dans tous les matchs, si tu veux, on a regardé un peu, typiquement, je te prends quoi? Je vais te prendre l'exemple contre Montpellier, je crois. Contre Montpellier, tu vois... Le petit Kun, non parce que ça a bossé, hein, croyez pas, hein, moi vous partez en vacances, moi je... Non, c'était pas, en l'occurrence, c'est pas ce match. Merde. Contre Malherbe. Contre Caen. Ouais, là. 10 ballons de la tête qui se sont envoyés. 10 ballons de la tête qui se sont envoyés sur Kun, il en a eu 0. 0%. Le mec, en même temps, il fait 1m66. Donc il a fallu revoir un petit peu le dispositif parce qu'il y avait des trucs comme ça, un petit peu illogique, un petit peu bête. Du coup, on les passe attaquants, nos attaquants intérieurs, pour avoir plus d'impact, essayer de percuter un peu plus, toujours passer dans les espaces, jouer le ballon dans la surface, ça change pas. On passe en un peu plus direct parce qu'on a eu beaucoup de matchs où au final on finit à 60% de possession. Je crois que c'est contre Lille qu'on fait ça. 63% de possession, mais au final, si c'est pour pas gagner, ça sert à rien. Y a pas d'intérêt, donc il faut pouvoir, voilà. Essayer d'aller un peu plus vite, percuter un peu plus, c'est ce qui nous manque. Et surtout, l'attaque voilà, va nous permettre aux attaquants intérieurs de rentrer un peu plus et de ne pas avoir cet attaquant avancé, esselé, qui ne pourra pas faire grand-chose. Tom Sra, merci pour le Prime, bienvenue à toi. Donc voilà un peu ce qui se passe à ce niveau. Les latéraux offensifs, on les met en complet, on les passe en soutien, donc un peu moins offensif. Parce qu'on m'a expliqué justement qu'en fait, latéraux offensifs tout court, c'était un poste qui était un peu fait, justement, les offensifs tout court. Principalement quand en fait t'avais pas de, il y avait pas d'ailier, enfin il y a pas d'ailier. Donc le complet va te permettre justement, on les met pas en attaque, on les met en soutien, qu'ils soient un peu derrière, mais voilà pour combiner. Donc ça peut être bien. Ben, si tu veux devenir belle, c'est le bon plan la possesse. Mais comme dirait Giroud, l'important c'est le principal. Donc voilà, sinon on les met en stopper, attaquant avancé ici. Pas grand chose qui a changé, comme je vous dis, on a augmenté d'un cran la ligne de défense. Pour ça qu'on les met en stopper, parce qu'il va vite falloir surgir sur le ballon. Parce qu'au final, notre technique de couverture est bien, mais bégaye un peu. On a Fortes qui panique un peu justement ces derniers matchs. On a Mauricio qui a, sur les 5 derniers matchs, 6,58 de moyenne. D'où l'intérêt peut-être, parce que Robay, moi ça me fait trop mal. Robay les Bombay. Quand je vois dans le vrai foot ce qu'il a donné, il a fait une passe D le match précédent. Il a fait un but, une passe D, je crois, le match là. Donc,
Mais bon, deux box-to-box, j'étais pas chaud de base, et désolé d'avoir fait chier avec ça, avec les streams d'avant, j'avais tort. Bah en fait, deux box-to-box, c'est pas ouf, mais comme on a un petit Thiago Mendes qui organise le jeu derrière, ça va. Donc ça va. Les plus grands prophètes ont dit « C'est bien pour un attaquant de marquer des buts, Paga 2019. » On te le souhaite. En tout cas, on te le souhaite. Très mauvais, très très mauvais. Mais c'est pas grave. Donc voilà, on va mettre un petit Kenny TT à droite aussi. Sinon, bah voilà, pas grand chose de plus. On va devoir bouger comme ça. On va devoir bouger à Bordeaux. Reims, Guingamp. On a déjà trois matchs clés. Hein. Si on perd les trois prochains matchs, avec Bordeaux, Guingamp et Reims, sont où? Ah, Reims, c'est là, 9e. Honnêtement, si on gagne les trois prochains, c'est bien. Mais sinon, ça va être très très chaud. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Il est pas mal ton Paga, il m'a bien fait rire avec sa petite voix là. Ça correspond quoi à les liens verts? Oh, ça c'est des gens qui ont pas l'habitude, ça j'aime bien, tu vois, parce que on est quand même des puristes sur FM, mais il faut accepter que les gens how was the feeling of the match? Non, très mauvais, comment il parle? Parce qu'en fait il sait pas parler anglais, du coup toujours il prend une autre voix là. Mais du coup en fait les liens, c'est juste l'habitude qu'ils ont, donc plus ils ont des liens. Ah merde, c'est Mauricio. Il a des liens avec Mauricio, mais je crois que Roba et Aïdara ont peut-être. Ouais, voilà. Lien vert, ça veut dire qu'ils affichent une très bonne entente, donc ça veut dire que ça va combiner. C'est comme si ça leur donnait un petit boost, en gros. Voilà. Tout simplement. Pour gagner Farinas dans les cages. Eh ! D'ailleurs, j'ai vu un article. J'allais vous le trouver sur mon s'en bat les couilles, sur Google. Mais. Parce que Farinas, il vient de Millonarios, qui est donc un club qui appartient au président de Lens aussi, ou qui a des fonds dedans, je sais pas quoi. Et Farinas a failli venir à Lens. Mais Montagnier, l'entraîneur, a bloqué. C'est marrant quand même. Coach Bizou a décidé de pas bloquer. Bon, on verra. L'Eka a été bon, je crois, là, récemment, en Ligue 2. On verra si on grette ou pas. Voilà. Hein. J'ai envie de crier, ça fait longtemps que j'ai pas live aussi. Hein. Donc c'est possible qu'on crie un peu. Attendez, je vous mets du Cahuzac, je vous mets tout ça. On a l'équipe, je vous mets un petit... non, on est bon. Hein. On est bon, je crois qu'il va falloir y aller, hein. 7ème en Ligue 1, on est tombé un peu. Non mais attends, on vient de monter en Ligue 1, mon pote. Hein. Après, Montagnier, c'est pas une référence, clairement. Clairement, les joueurs du RC Lens se sont inclinés lors de la dernière confrontation face à Bordeaux. Les joueurs sont impatients. Là, les gars, va falloir rentrer. Hein. Attention à la voisine. Non mais il est 21h, les gars, tranquille, la voisine, elle nous kiffe maintenant. Leader d'équipe. Satisfait des propos de coach Bizot. Pff, toi, t'es vraiment Yanou. Hein. Toi, t'es vraiment du Yanou. Hein. J'ai vu dans le vrai foot aussi Mesloub qui a pas été dingue, je crois. Ça va être João Silva qui s'entraîne bien, Arthur Gomis, Thiago Mendes qui s'entraîne pas trop. Bon, Farinhas aussi qui s'entraîne bien. Ça, c'est très bien. Bon, là, le premier match, va falloir percuter. Hein. Va falloir... Attends, je vais dire à Thiago Mendes, qu'est-ce que tu fous, là? Avertir joueur. Il est prêté, là. Entraîne-toi. Voilà, c'est bien. Lens joue en ce moment contre 3. Ouais, j'ai vu, il a mis l'équipe B, un peu. Enfin, non, il y a quand même des joueurs, mais... Il y a du Mendy à gauche et tout. Parce que maintenant, je suis dans le vrai foot. Hein, ça rigole plus, là. But de Titou. Non, on l'a plus, là. Il pue sa mère, Mesloub. Bah, il est calme, quoi. Hein, tu sens que le gars est... Il est assez chill dans l'ensemble. Bonsoir, la légende. Ah, carrément. Il y a du respect. Merci beaucoup, mec. Enfin, bonsoir, plutôt, parce que merci beaucoup. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a embrouille. Oh, mécontent de l'accord de prêt de Tonelli. À l'origine, Tonelli devait être utilisé comme titulaire régulière. Bah on va le faire jouer. Bon, on va le faire jouer maintenant, Tonelli. Comme ça va être parfait. Bon, là, on va à Bordeaux. Hein. Les potes, là, j'espère qu'il y a un quart qui vient. Hein. Parce que sinon, on va être dans la merde. Hein. Nevarem, merci pour le 6e mois aussi. In-game, Dybala qui négocie avec le PSG. Non, mais c'est pas si loin de la réalité. Hein. Attendez, je mets des petites playlists, là. Boum, boum, boum. Boum. Doum, 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 clam, clam, ça ira vite ton retour sur FM. Bah écoute, merci à toi, pur. Une heure, il n'y a toujours pas eu de gameplay. Ah ouais, non mais c'est vrai que... J'imagine que les spécialistes du gloire au gameplay doivent l'avoir mal, quoi. Tout simplement. Ok, je vais mettre ça. Et là, je vais mettre un petit... qu'est-ce que je voulais mettre, là? Ah si, ça. Ah ouais, putain. Ah, ça fait longtemps, ça m'a manqué, en vrai, hein. Ok, parfait. Bah, j'ai tout. Neymar à Lens a tenté. Alors, c'est pas très réaliste à des moments, mais quand même. quand même. Ça devenait long. Nietzsche, merci beaucoup. Je comprends pas, mon FM, il est pas pareil que le tien. Ouais, c'est parce que j'ai plein de packs.
Je voyais, il y a des gens qui sont venus sur mon chat tout, pendant que j'étais pas là, juste pour mettre un point d'exclamation FM. Messi à Lens. Yo, beau maillot. Simer, big up Kevin. Quelqu'un sait comment on peut demander à un joueur qui obtient un permis de travail. Bah, faut tant pourquoi. Ça veut dire quoi, HSC après le Montpellier? Montpellier, héros. Sporting Club? Ils ont mis Sporting Club? C'est un coup à loulou, ça. Héros Sport Club. Ah bah voilà. Entraîneur Thierry Henry. Sport Club. Bah pas loin. Pas loin, pas loin. Bon les potes, on a ce qu'on voulait. Koun en pointe, Kean à gauche, Robaye du coup à droite. Mais potentiellement, je pense même à Azevedo à droite en attaquant intérieur, ce serait pas dégueu parce qu'il est gaucher, donc du coup il peut bien rentrer. Ça peut potentiellement être... Ça peut potentiellement être un bon choix. Mauricio qui était pas en feu là récemment, il m'a fait des matchs de merde. Donc j'ai pas envie de le faire jouer. Et Robaye, bah, 7,06 les derniers matchs, je suis un peu obligé de le faire jouer quoi. Brian Rivero, c'est la pépite. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment lui qui fait les meilleurs matchs. 24 ans, il est au top de sa forme. Et on entre dans les 10 derniers matchs. 10 derniers matchs avant la fin de saison. Donc, oh mais il y a full mec, pas bien. Attends, parce que je joue là, mais j'avais pas... Attendez, on mute ça là, qu'est-ce qui se passe là? Attendez là, Attends, parce que plus de bruit dans le stade là. Parce qu'on a Robaye qui est à 80%. Risque de blessure élevé. Rivero aussi 80%. Ah ouais, attention là. Est-ce qu'on a une pause après? Parce qu'on est le 7 mars. Après, il y a 7 jours. Et ensuite, il y a 14 jours. Ah ouais, mais attends, parce qu'il faut pas les cramer là. Faut pas les cramer. Je vais peut-être mettre un petit Nelson avec une entrée de Robaye. Et Rivero, je vais juste mettre un... Ah mais Doucouré, il est cramos. Ils sont tous cramos, mes joueurs. Tous mes joueurs sont flingués. Je vais mettre un petit Doucouré comme ça. Si jamais on doit faire des changements, on va mettre un Nelson. Non, ça passe, Doucouré, là. Regarde, c'était quand le dernier match? Bah, c'était il y a 3 jours, du coup. Mais c'est vrai que c'est toujours particulier. Tu fais pas tourner? Bah ouais, moi, j'ai une équipe. Je peux te dire qu'ils bossent les entraînements physiques. Hein. T'as gardé suffisamment de budget pour lever l'option d'achat de Mendes? En effet, je l'ai pas fait. Hein. Ça, c'est un truc... Oh, c'est vrai qu'on aura lui qui nous rejoindra, là, plus tard. Il va rejoindre... Ah, il est bon, lui. Hein. Oh, le petit Kenneth, il a pas la photo la plus avantageuse. Mais c'est propre. Bon, on va y aller avec ça. Pas à 100%. Au pire, on jouera avec Michelin, côté gauche. Donc, Cahuzac et Montmendes. Non, on va mettre Rivero dès le début. 80%, il peut jouer. On a besoin d'entrée de jeu. On a besoin d'entrée de jeu. Vous savez sur quoi je vais démarrer. Il n'y aura pas les corons tout de suite. Là, l'équipe aimée n'a pas encore mérité. Moi, je veux voir les corons en vrai, tu vois. Je veux voir hein, le stade entier. Quand c'est juste Pierrot qui nous chante en tête-tête, c'est moins le même plaisir, tu vois. Alors que là, un petit... un petit Fort Boyard à l'élan salé. Allez, allez, l'élan salé. Mesdames et messieurs, il nous reste 10 matchs. 10 matchs pour potentiellement se qualifier en Europa League. Il va falloir faire le taf, il va falloir répondre présent pour les joueurs. Grisit, merci pour le 4e mois. Oh là là. Oh, ça m'a manqué tout ça là. Oh, il y a déjà... même un... Oh, Matmut Atlantique, là, mais ils jouent avec quoi comme compo? Un 4-3-3? Oh, ou un 4-3-1-2, ça dépend si on est puriste ou pas. Slimani, Mendy. Mendy, c'est un gars de là-bas, non, ouais. Ah, c'est un gars de Bordeaux, ça. Pas mauvais, hein. Le bougre. Enfin, il y a du bout de bouse et tout, là. Ok. Messieurs. Allez. Semblait plonger dans ses pensées. Non, parce que là, pour vous resituer, on avait vraiment Moïse... On avait Koun et Kean qui sont en difficulté. Il nous faut un lien pour le lance version Fort Boyard. Mais ils m'ont dit, ils chantent jamais ça au stade. Moi, je suis chaud de lancer le truc. Ça serait cool. Ça serait pas mal, ça. Elle a apprécié tes vacances, la voisine. Bah là, j'en mets 2 matchs contre Bordeaux, 2 défaites, pour rappel. Ouais, mais là, on a envie que ça soit autre chose, là. Brian Rivero porta ce choix, c'est... Mais oui, bien sûr qu'il le mérite. Allez, les gars, hein. Oh, j'ai envie de hurler, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du FM. Putain, ça m'a manqué, quand même. 12 jours, 13 jours, je sais pas combien. Attendez, je suis en quoi, là? Je suis en mini-résumé. On va se mettre en mini-résumé pour le premier match. Allez, super. Déjà, une bonne première intervention de la part de Massadio Eidara qui va lancer Moïse Kean côté gauche. Moïse Kean, et c'est une touche. Même pas une minute de jeu et déjà lance qui pousse. Merde. C'est bon. Allez, Mélensois. Hein. Pas de déconvenu. Hein. On a 10 matchs. Une potentielle qualification en Europa League. La première saison de la montée, ça serait incroyable. Oh putain. Pas de clim. Pas de clim, les gars. On est bien.
BitTorrent. Ah ouais, toutes les merdes sur mon PC. Hein. Allez, Aïdara. Allez, Moïse. Moïse, on a besoin d'un grand Moïse. Oui, Moïse. Justement. Ah, Nelson ? Oh, Nelson ! Eh, Nelson, titulaire, ça faisait longtemps. Hein. Côté droit, on l'a jamais fait jouer. On va voir, ça peut être quelque chose de bien. Ça peut être quelque chose de bien, hein. Nelson, côté droit. C'était risqué quand même de les faire jouer avec si peu de pourcentage. J'aurais peut-être dû mettre un petit Clément Michelin à gauche. Après, on a une semaine derrière. Aïdara est cuit, t'es foutu. Mais c'est pas grave, on le changera à la mi-temps, pire. J'ai mis un petit Michelin qui pourra jouer. Donc, ce contrôle de l'espace. Pas de joueur de tête chez toi. Bah, c'est pour ça que j'ai mis les centres justement rat de terre. C'est tout l'intérêt. On va se mettre le classement en live parce que là, va falloir suivre. Hein. Je crois qu'il y a Toulouse qui est peut-être en train de perdre. Nelson Azevedo déjà. Déjà averti. Allez, méga Brian aussi. Ah oui, on est sur du taclos. Hein. Ils sont moins performants quand ils sont fatigués. Ils vont moins vite. Putain, mais c'est dingue d'avoir des gens comme ça aussi perspicaces dans le chat. C'est ça qu'on aime. Allez, Nelson à la baguette. Nelson. Pas mal ça, j'ai pas vu qui c'était là qui l'a repris de la tête. Nelson qui tire les corners, Nelson qui commence à être bien. Aïe aïe aïe, il a racramé. Bon, on va le changer tranquille. Le jeu il est rapide. Bah c'est le classique hein. Mais Aïdara a l'air exténué. Ouais, on va le sortir je pense. Attention hein. Attention, on est obligé de dégager ça. 40ème minute, toujours 0-0. Peut-être Moïse qui initie sur un gros coup franc et finalement ça a été repoussé. Allez les gars, on pousse là. On est de retour sur FM, putain. Oh, j'ai envie qu'on fasse une belle saison. Ryan Boutbouz trouve sa cible. Mais vous le pressez, les gars. Des gros tacles, hein. Ah, faut que je le sorte, hein, le Massadio. Hein. Il faut gagner le match pour marquer les 3 points. Ouais, du calme, Ryan, aussi. Hein. Oh, Reims qui a gagné. Reims qui est en train de gagner à côté, là. Nos adversaires directs qui font des victoires. Il y a Guingamp. Ah non, parce que c'est quoi? C'est Toulouse qui perd, donc ça, c'est parfait. Parce que Dijon, ils sont au-dessus. Faut que Toulouse perde. Guingamp, c'est bien s'ils perdent. Reims, ils sont en train de fumer Nantes. Ça, c'est chiant. Kitano, merci pour le 17ème mois. Aïdara, c'est le mec de Salzbourg. Ah non, c'est le mec d'ici. Hein. Allez, on a besoin de toi là. On a besoin de toi, mon Koun. On a besoin de toi, Nelson aussi, je te fais confiance. Allez, mon Nelson, pour trouver un club. Allez, les gars, on y retourne. Hein. On y retourne avec de l'envie. J'ai pas vu. Bon, Aïdara peut jouer 5 minutes. Hein. Oui, Moïse. Oh, pff, dommage. La passe était pas mal. Un peu longue. Un peu longue, mais bon. C'est Massadio ici, pas l'autre. Allez, Brian. Sous ma gueule. Mais les gars! Qu'est-ce qui se passe là? Sublime l'intervention, Joao! Allez, on se concentre, les gars là! On peut faire quelque chose d'héroïque! Allez, Koun, au sol cette balle, au sol, en haut, tu l'as vu! Allez, ça perd. Oh, c'est bien! Deuxième pote! Oh, il a mis une reprise, l'enfoiré! Football champagne, il a combien? Ok, Massadio, on va mettre Clément Michelin. Tété peut pas jouer, putain, on va se faire fumer, hein. Ça va être dur là. Brian, on va continuer à le faire jouer un peu. Ah, il nous faut un Koun en forme là. Soyez créatifs, Cruyff en PLS. Allez messieurs. Là c'est Bordeaux pour l'instant à la baguette. Toujours Bordeaux avec Amine pour Pelé. Allez, faut la prendre cette balle. On presse les gars. Ryan Boutbouz qui va trouver Slimani qui va écarter côté gauche pour Rodriguez. Finalement ça a été poussé. C'était dans les pieds de Boutbouz, mais heureusement Farinès qui se couche bien sur la balle. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu catcher. Attraper, faut que j'arrête avec catch. Hein. Attraper une balle, Coelho pour Slimani. Slimani qui va se retourner. Slimani finalement ça a été contré. Kamano côté gauche et c'est un hors-jeu. Allez les gars, là on prend le contrôle là. Qu'est-ce qui nous arrive? On va faire un petit changement. J'ai l'impression que. Qu'est-ce qui nous arrive? On a Koun qui se trouve pas vraiment. Compliqué, hein. On a combien de centres à ras de terre? Ça c'est ce qu'on aime faire. On aime bien les centres à ras de terre, nous. Les stats, qu'est-ce que ça donne? 60% de possession, hein. Juste on a du mal à la pousser vraiment plus loin, quoi. C'est ça le problème, hein. On a Brian qui est un peu fatigué. On pourrait avoir un Yannick Cahuzac qui va le remplacer. Hein. Il joue à gauche, Koun. Non, il joue pas à gauche, Koun. Koun à gauche, c'est terrible. Hein. Mais un milieu offensif. Pour l'instant, c'est pas mal. Juste, on est en train de dominer. Il faut qu'on domine. C'est ça le but, là. Il faut retrouver du jeu. Allez, Anelson, c'est bien. Allez, Jean-Eude. Oh, Jean-Eude, putain. C'était bien, mon Jean-Eude. 58ème minute. Il nous reste un peu plus d'une demi-heure pour aller chercher une victoire ici. Matmut Atlantique. Azevedo dans la surface pour Thiago Mendes. Koun qui écarte. Encore une fois, c'est repoussé par Benoît Costil. Azevedo peut-être. Un nouveau corner. Lens qui est en train de pousser ici. Allez, Mélançois. Allez, Nelson. Tu la brosses, celle-là. Ah ouais. Bien brossé là. Peut-être un peu trop là. Demandez-en plus là. 1-0 pour 3. Oh putain, dans le vrai foot, Lens est en train de perdre. Ah, 70ème là, ça commence à être technique là. Faut sortir ce ballon déjà. Allez les gars, Cahuzac, c'est bien pour Nelson.
Allez, Nelson. Nelson en profondeur pour Kuhn. La passe n'est pas super, mais c'est déjà ça. Ça rejoue derrière sur TTTT. Deuxième poteau ! Maurice Kuhn ! Maurice Kuhn au deuxième poteau ! C'est hors jeu. Oh non, c'est la VAR. Oh non, s'il vous plaît, je me suis enflammé. Non, non, laissez le but. Allez, Moïse. But, 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 but. Valide ! C'est un but ! C'est un but, c'est un but, c'est un but, mesdames et messieurs. Oh, on a eu peur. Oh, Kenny Tété qui nous met un centre laser. Il a vu Moïse Kuhn démarquer au deuxième poteau. Reprise du pied gauche ici. Qui vient la gifler et qui vient la mettre. Et c'est 1-0 pour l'instant pour le Racing Club de Lens. Oh, ça... Oui, mon Kuhn ! Voilà, tu leur montres qui on est là. Maintenant, on va leur montrer. Voilà, tranquille, tranquille. On s'excite pas, les gars. Allez, Yannick. C'est bien, Yannick. Allez, Nelson. Oh, oh, Nelson qui frappe la barre. C'est bien, mon Nelson. C'est bien, là. Allez, c'est comme ça qu'on joue. On continue comme ça. On a encore un changement à faire potentiellement. Kuhn qui rejoue sur Kuhn. C'est bien joué. Kuhn pour Cahuzac. Yannick. Oh, le Yanou. Oh, le Yanou. What the fuck, la frappe. Petite frappe enroulée. Tapis gauche. Finelson. Un SV goal. Ça rigole pas. Point classement. On va faire ça à la fin. Attends. Là, c'est le dixième match. Hein. Dixième match avant la fin de la saison. Oula. Oula là. Oula là. C'était quoi cette action là? C'était quoi cette action, les gars? Les gars, allez, on revient, s'il vous plaît. C'est bien, c'est bien. On sent que ça panique quand même. Hein. Oula là. Non. Oh, non! Mais non! Mais c'était quoi ces trucs là? Il y a eu 6 chandelles. L'autre, il a mis une passe en profondeur. Jensen, là, regarde la mine qu'il met, l'enfoiré. Oh ouais, mais c'est nimp. Oh là là, Farinès qui était bien dessus, il a pas pu enchaîner, putain. Bon. Gaëtan. Au casse-pipe. J'envoie Gaëtan. Allez les gars. Allez, rebaille les bons bails. Reste pas en offensif si tu mènes. Si, c'est très bien offensif quand on mène. Le moment où tu baisses trop, d'un coup, ton équipe comprend plus et ils se mettent à jouer petite couille. Et quand tu joues petite couille sur FM, on est vite puni. Allez les gars, demandez-en plus. Allez, 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 allez. Encore 10 minutes. C'est bien, Gaëtan Robaille qui va jouer sur Jean-Eudes. Jean-Eudes Aoulou qui va écarter sur Moïse Kuhn. Allez Moïse, peut-être l'occasion de faire la différence. Ça a déjà été fait une fois. Wouah, Jean-Eudes. Oh, c'était tellement nimp, encore une fois l'action là. Soyez créatifs, hein. On attend de pouvoir spam. Hein. Oh là, pourtant, mais on sent qu'il y a du mieux. Hein. On sent que dans le jeu, il y a du mieux. On prend un but un peu bête. Mais il y a quand même beaucoup de mieux là. Jean-Eudes. Oui, Jean-Eudes. Putain, Jean-Eudes. Ah, il est comme ça, Jean-Eudes. Ah, ça va être difficile là. Ça va être difficile. Ah, c'est un corner en plus pour Bordeaux. Deuxième poteau. Coelho. La reprise qui a été contrée. Finalement, c'était hors jeu. Allez, une des dernières actions là. Encore 4 minutes de temps additionnel. L'occasion peut-être de pousser une dernière fois. On est dans leur camp en plus. Oh là là, allez. Ah, c'est fini. Ça va siffler. Ça va siffler. Ah, le pressing était bon là sur les trois. Jean-Eudes, Robaille, dernière action, ça a toujours pas si. Oh là là, elle est sortie celle-là. Un partout. Un partout un peu décevant. Une ouverture du score à la 72e qui nous aurait laissé espérer un peu mieux. Mais 8 frappes cadrées à 5, 58% de possession. Nico Bobo, merci pour le prime. Un match nul à l'extérieur, c'est bien. Surtout un Moïse Kuhn qui rejoue. Et ça, ça nous fait du bien. Parce qu'on a besoin, voilà, on a besoin que là les joueurs. Les joueurs se mettent bien. Allez. On est bien, les gars. T'aurais dû reculer quand t'as marqué. Mais ça, c'est l'erreur de tous les gars de FM, ça, les gars. Les gars, les gars. On a perdu des saisons comme ça. Bon, match nul. Du coup, au classement, on est toujours 8e. Il y a tellement. Guingamp a gagné, putain. Guingamp a gagné. Frère, qu'il y avait match nul, ça donnait bien. Ça s'annonçait bien, quand même, là, le petit match nul. Brest qui fait match nul. Ça, on s'en fout, ils sont derrière nous. Saint-Etienne qui gagne. Saint-Etienne, ça fait chier. Angers, ils auraient pas pu faire un truc, là. Parce que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 équipes à 1 point d'écart. Et il y a une seule place potentielle. Enfin, possible. L'avantage de tout ça, c'est qu'on a quand même un bon différentiel de but. Mais il nous reste 9 matchs. 4-1 pour Dijon. Ouais, mais c'est bien. Dijon, ils sont 4e. Hein. Dijon, ils font une saison. On sait pas ce qui se passe, mais... Un but en fin de match. Oh, nos petits jeunes, ils se sont fait fumer en plus. Mais pourquoi il n'y a pas... Il est où? Il a été impeccable, le Moïse. Bon, allez. Micmac, merci pour le 16e mois. Et quoi? Merci pour le 3e mois, pardon, Kyolim, 17, 41e mois. Oh, ça, c'est beau, c'est beau. Bon, allez, là, les gars.
va falloir... on a vu du mieux. Honnêtement, on a vu du mieux. Je me souviens de frustration. Je me souviens de frustration quand on s'était laissé. Oh, le lance réserve, là. Il n'y a même pas un petit Titouan, là. Mais il joue où, Titouan? Enzo Daoud. Enzo Daoud qui vient mettre un quadruplé. Je peux te passer ma tactique corner qui fonctionne bien. Non, c'est gentil, frérot, t'inquiète. Bon, Moïse, ça l'a saucé. Bon, là, faut continuer, hein, faut continuer dans cette dynamique. 56% de passes réussies, Kuhn qui a pas été incroyable. Ah là là, c'est dommage, hein, parce que... Quand tu prends un but, montrer que vous avez caractère, du caractère. C'est pas passé loin, mais il manquait un petit quelque chose. Il manquait un petit quelque chose, on a Nelson qui sera pas là. Il va falloir aller chercher quelque chose, là, contre Reims. À l'extérieur, une fois de plus. Fait chier, quand même. Moi, je vous le dis, ça fait chier. Matej, salut. C'est qui, Matej? On aime bien Matej Chalut, là. C'est qui, ce Matej Chalut, là? Matej Chalut, il me plaît bien, hein? Le bougre. Parce que c'est vrai qu'il faudra faire le mercato, aussi, hein. C'est Chalus. Il est là. 16 de tête, il fait 1m90. Il va quand même à 15 d'accélération, 14 de vitesse. Bon placement, pas trop d'agressivité. Mais une bonne anticipation. Concentré. Passe ok, contrôle de balle ok. Le mec, on l'aime bien. Hein. On va redemander un petit rapport, mais lui... Je me rappelle des jeux de mots avec Chalut. Ah, c'est possible. Ouais. Mais c'est, bah, de toute façon, si on l'avait scout, ça veut dire que, qu'il était dans le coin. Bon, allez, va falloir faire le taf, là. Là, on n'a plus trop le droit. Dybala doit faire le choix de Paris Saint-Germain. Oh, ça négocie. Des sources, 140 millions. Et pareil, il y a encore Neymar. Hein. Putain, ils ont encore tout le monde ici, eux. Ici, de toute façon, eux, c'est nimp. Hein. Oh, c'est vrai qu'ils m'ont pris Antonin Decler. Oh, ils m'ont pris la petite pépite, là. J'avais réussi à leur refourguer 4 millions et quelques. Hein. On s'aimait bien. Ça, on s'aimait bien. On avait fait les entraînements, apparemment. Donc ça, c'est parfait. Mais plus que 9 matchs, hein, les potes. Plus que 9 matchs. Rappel de promesse à Plumain. Ah, lui, il voulait jouer. Non, mais lui... Non, mais oublie, frère. C'est un jeune gardien... C'est un jeune gardien, là, qui voulait jouer Mehdi Tarat. On l'a pas vendu, Mehdi. Ah bah, de toute façon, son contrat avait expiré. Donc on est bien. Regarde Fofana. C'est quoi, c'est Boubacar, le Lyonnais, là? Il est chaud, putain, j'avais maté dans les matchs de préparation, il avait fait des vrais trucs, hein. Vraies accélérations. Mais là, va falloir être plus décisif que ça. Hein. Le match nul est pas gênant à l'extérieur, loin de là. Mais... Attends, quoi? Ah non, c'était le 11e tour, j'ai cru que c'était autre chose. On en est où par rapport à la dernière VOD? Bah là, on vient juste de faire un match, il y a eu match nul contre Bordeaux. Et il nous reste 9 matchs avant la fin de saison. Et Vono, merci pour le Prime. Tu fais les 10 matchs sur cette session. Oh bah bien sûr. Oh bah là, gros, j'ai pas live pendant 13 jours. On va se faire une grosse session, là. T'as parlé de l'OL aujourd'hui? Ouais, un peu, bah avec le Mercato et le match contre Monaco. Oh, le retour, Totti! Totti! Ah, du coup, je t'ai répondu pomme de pain. T'as pas eu le temps d'avoir la... Le décalage. J'ai répondu durant ce temps. Putain, c'est beau. Hein. Ça, c'est beau. Hein. Tu penses quoi du transfert de Neymar? Ça ferait du bien à Paname. Après, s'ils sortent Rakitic et Coutinho... Fait un peu chier, hein, je pense. Chéri... Lui, le mec a été incroyable, je crois. Il a 7,38 de moyenne. Parce que tu vois, Reims, ils se font prêter des joueurs. Ils sont pas cons, les mecs. Petit joueur d'Aston Villa, là. 31 ans, par contre. Ils ont dû mettre du blé. Hein. Allez, les mecs. Allez. Joao Silva encore qui s'entraîne comme une brute. Nelson aussi qui s'entraîne. Nelson qui a faim. Nelson qui a clairement faim de bon match. Non, car j'ai dit saison, pas session. Mais j'avais compris. Coutinho, c'est pas une chèvre, les gars. Bah, Coutinho est pas dégueulasse. Ça dépend de sa forme et de quel dispo, quoi. Après, Paname commence à avoir beaucoup de joueurs aussi, hein, tu vois. Enfin, il y a un moment où... Comment ça, Coutinho et Rakitic? C'est pas ça le bail? C'est pas un délire de Neymar, Neymar contre Rakitic, Coutinho et 100M ou je sais pas quoi? Un truc un peu comme ça, là? Nick Peters Music, merci pour le deuxième mois. Coutinho, Rakitic plus 100M. Ouais, bah c'est ça, ouais, du coup. Il s'appelle Youssouf Fofana. Non, moi je connais Fofana... Ouais, Boubacar. Ah bah non. Ah non, il y a erreur sur la personne, là. Un petit jeune de Lyon. Ah, mais si, lui.
Oh mais là il a sa tête d'enfant. Maintenant il a des veuches de ouf. Ah c'est un 98. Ah je pensais qu'il était un peu plus jeune. On a demandé Coutinho, Semedo et 100M. Ah mieux. Mieux. Après parce que Rakitic il joue quoi lui de base? Je vois sur FM le joueur. Il joue il joue quand même un peu devant la défense non? Enfin non parce qu'il y a Busquets mais un peu posage de jeu, quoi, non? Il monte beaucoup, Rakitic? C'est plus un défensif que... relayeur. Ok. Ah, mais ça qu'ils ont... Parce qu'ils ont eu Gay en... Gay en 6, quoi, en gros. Relayeur, ok. Ouais, Rakitic commence à être un peu vieux, quoi. Après, j'ai pas à se mater de match pour... Simon Fallette. Vous m'avez tous parlé de Fallette, là. Je comprends pas pourquoi. Il ressemble à Haller, un peu. Haller. Il est pas mal. Il est pas mal du tout, ouais. Je peux aimer ce genre de profil. Mais attendez, parce que là, on a un gros match, là. On a un gros match avec Nelson qui sera pas là, pardon. Il va falloir répondre présent, maintenant. Là, on n'a pas le choix. Il faut un coup d'en forme, hein. On veut Titouan le GOAT. Non mais là ça va être difficile de faire jouer Titouan. Là je vous le dis. Je vous le dis, ça va être compliqué quoi. Lukaku à l'Inter, t'en penses quoi? Bah j'en pense que United, c'est terrible quoi. United, je pense que c'est la pire gestion du monde quoi, leur club, mais bon. On verra ce que ça donne. Ils ont battu Chelsea, je crois, un truc comme ça. Salut PA, j'ai raté quoi? On a fait match nul à l'extérieur contre Bordeaux. Et là on est parti sur. On est parti sur un nouveau match. On est parti contre Reims. Où il nous reste plus que 9 matchs avant la fin de saison. Donc voilà. Achète un gros joueur, PA. Ce sera pour le prochain mercato. Et ils ont Gelson Fernandez, là. Lui, c'est le mental. Hein. Lui, le Suisse, là. C'était marrant le truc qu'ils ont fait, Reims, d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu, là, sur Twitter et tout. En mode Reims Airlines. Parce qu'ils ont fait un partenaire. Enfin, ils sont sponsorisés par une compagnie aérienne. Et ils ont fait une petite vidéo qui était assez sympa. Genre où la com, c'était cool, tu sais, pour un... Ah, mais c'est lui qu'on a recruté. Ah non, ça, c'est Lyon qui avait recruté ça. Non, pardon, j'ai rien dit. Tu as essayé ton MDF en volonté. Ouais, mais c'est quand t'as déjà deux box-to-box, c'est pas super utile. Bon, allez. Allez, les gars, là. Assurez. On peut créer la surprise. Oh, ça les a pas chauffés du tout. Oh, c'est la merde. Oh, c'est la merde, les mecs. Oh, faut qu'ils fassent la diff, là. Non, non, mais là, ça commence à être un moment. On a fait match nul juste avant. Oh, semblait. Kenny TT va pas nous faire un gros match. Allez, Tony. Hein. T'as été à chier, là, récemment, Tony. On a besoin de toi. Hein. On a besoin de tout le monde, là. Allez, les gars, s'il vous plaît. Hein. S'il vous plaît, là, ça fait longtemps, là. Il faut ramener 3 points, là. Allez, les gars. Allez, on est parti. À Reims. Lance. À 9 matchs de la fin de saison, avec déjà un long ballon pour Kuhn. On est obligé, hein, c'est nos adversaires directs. Ils sont à 45 points, on en a 44. Il faut pas perdre. Il faut surtout pas perdre ce match, sinon ça va être très difficile pour la qualification en Europa League. TT qui a été lancé. Putain, allez, on veut voir du jeu là. Allez, mon Kenny. Oui, Kenny. Oh, dommage. La tête à l'entrée de la surface, c'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué la tête à l'entrée de la surface. Ils ont Rashko en plus. Putain, c'est une belle équipe, Reims. Hein, sur. Bah, ils ont. Oui, Kuhn. Allez! Putain, ça fait 10 matchs qu'il avait pas marqué, le Kuhn. Oh, si Kuhn est relancé sur une passe de Mauricio, ça peut faire quelque chose sur cette fin de saison. Oh non, mais l'Europa League, ça serait incroyable hein, si on se qualifie. La fin de saison, je pense, va être folle. Hein. Oh, Kuhn qui est super bien lancé, c'est exactement les balles qu'il lui faut. Ça. En plus, Rashko qui est mal sorti, il réussit à le tromper, c'est parfait. Au classement provisoire, on est 6ème. On serait en Europa League. Pff, allez, mon Kuhn, hein. On continue comme ça. Hein. Oh, Kuhnito. Oh, Kuhnito. Bordeaux qui est en train de prendre un but là contre Paname. C'est tout ce qu'on veut. Allez, Kin. Oui, Kin. Kuhn et Kin. Kuhn et Kin, là, si la folie des deux, ça ferait plaisir. Hein. 65 millions pour Lukaku. C'est plus, non, avec les bonus, non, je sais pas. Dommage, là, la passe qui a été retentée. Oui, Rivero. Oui, c'est bien. Allez, lance Kin. Oui, Kuhn. Oh non. J'ai cru. Oh, l'effet d'optique, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à FM. Déjà, j'ai cru que c'était Kin. Oh, c'est pas mal, hein. Pour l'instant, ça crée. Hein. On a un Kuhn qui est en folie, là. Ça aurait fait plaisir là qu'il les termine. On va dire à TT de pas trop se jeter. Après on les connaît. Hein.
On connaît ces moments où justement on est devant. Rivero, il fait le taf. Non, mais Rivero, c'est, je pense, notre meilleur recrue. Bon, attendez, 2-0 pour Paname. Bordeaux est dans le mal. Pff, Mauricio, là, qui vient gratter le poteau. Il en marque 3. Non, mais il faut juste relancer Kuhn. Il n'a pas marqué depuis trop longtemps. Donc, si ça le relance pour la fin de saison, ça va être parfait. Oh là là. Ça sent pas bon, ça. Pff, ça sort. Allez, les gars. Oh, ça va être la fin de saison va être hyper stressante. Hein. Je vous le dis, ça va être... Ça va être chaud. Suk Young-jun. Ah, il a marqué lui en plus, là, j'ai vu contre Marseille, non? Oh non, attention, pas. Oh putain, la chatte. Contre-attaque de chatte. Oh non, Kuhn, il la pousse comme jamais, là. Voilà, long ballon, on rentre au vestiaire. Revenez. Putain, on a failli prendre un but terrible. Bon, Rajko, déjà 3 arrêts bloqués. Hein. Kuhn qui joue bien, 29% de passes réussies. On va aller parler un peu à Moïse. Allez les gars, on continue comme ça, assuré. Allez, on dit ça. 3 arrêts aussi, hein, je crois, pour Farignez, là, qui nous fait un très bon match. Allez, Moïse, on va lui dire, assuré. Tu peux faire beaucoup mieux, mon frère. On va dire à qui? On va dire à Jean Eudes aussi. Allez, tu peux faire beaucoup mieux. Et un petit pour Aïdara. Je sais ce dont t'es capable. Et le reste, ça continue, ça déroule, là. Ça déroule, c'est bien. 4 ans, ma gueule, t'es juste le best. Merci. Merci, Choufi. Un peu des mots, peu importe ce que vous avez sur le chat pour Choufi, 4 ans de sub quand même. Sublime le tac, sublime ça. Thiago Mendes, le patron. Rennes qui met 2-0. Tony Mauricio à la baguette. Tonelli, ça sera juste au-dessus finalement. 48e minute de jeu pour l'instant. Lens qui est en train de battre Reims. 1-0 sur son terrain. Allez, oui Mauricio, oui Kin. Oh putain, mais il me fait rêver. Et ensuite, il me fait plus rêver. Oh là, il y a une grosse blessure là de Traoré. Ça le sort pas. Guingamp qui vient de... Guingamp qui est en train de battre Toulouse aussi. Faut que je sorte quelqu'un ou pas. Oh, putain, je vais être en panique. Je vais rentrer Robaille. C'est pas le match de Moïse. Y a pas de souci. Allez, Robaille les bons bails. Je sais pas si je dois passer en positif ou pas. 1-0. À chaque fois, on mène. Et ensuite, on se prend un vieux but. On dit pas que c'est le karma, que c'est le moment. C'est bien, là. C'est bien, ces tacles. C'est genre héroïque, là, ce qu'ils font. Guingamp qui met 2-0 à Toulouse. Est-ce qu'on passerait pas en positif, un peu plus défensif, là? Je sais pas. Je sais pas, on se pose des questions. En même temps, faut pas mettre le bloc tout de suite. Parce que quand on met le bloc trop tôt, ensuite, ils sont pas contents dans le jeu. C'est normal, tu vois, ils jouent plus. Readers, sub tier 3, merci beaucoup pour le 4e mois. Peu de riche plus dans le chat. Si vous le pouvez. Joao Silva. Allez, faut mettre le pied sur le ballon, c'est bien. Mauricio pour Kuhn. Allez, Kuhn. Wikin. Non. Robaille pour Raoul. Oh non, je t'ai dit de m'en frapper en plus. On va passer en positif. On va passer en positif tranquillement. Ah mais tu vois, ça va me matrixer si on prend un but. C'est bien Farignez. Tranquillement. Voilà, 75e minute, tranquille. Parce que le souci, c'est qu'il faut continuer à jouer. Si d'un coup t'arrêtes de jouer, forcément c'est pas bon quoi. Allez Mauricio, là, tu pouvais l'avoir celle-là. Allez les gars. Le pied sur le ballon, c'est bien. Robaille qui est lancé côté gauche, qui rentre, qui repique pour Kuhn. Pour putain, mais je sais pas qui c'est qui nous Kuhn là. Je suis parti 10 jours en vacances, je connais plus mes joueurs. 78e. Il fait peur, hein. 80e minute. Allez, 80e minute, peut-être un petit changement là. Souci de finition, le Kuhn. Le petit, c'est Kuhn. Non, mais je sais, mais à chaque fois, du coup, je sais plus. Jean-Eudes, on pourrait rentrer un KU. Hein. Un petit Cahuzac en. Un petit Cahuzac, tu vois, en milieu récupérateur soutien. Un petit Cahuzac en... Ouais, comme ça, tu vois. Ici. Là, on est bien. Nice, le badge 4 ans MDR. Oh, on l'a jamais changé. Il est bien, lui, quand même. Who am I? I'm a champion. Merci, Chopper, pour le 2e mois. Kine Kuhn. Oh, Yo Domingo, en fin de retour pour les lives. Re-bienvenue, poteau. Bon, attendez, qui irait pas très bien? On a Thiago Mendes qui est un peu fatigué. Après 69%, c'est large. Juste Jean-Eudes nous fait pas le match de sa vie. Cassage de jambes, ça peut être bien là un peu. Fait de la passe à 10. Bah, pour un peu, tu vois, genre, j'ai pas envie de casser le rythme tout de suite. On va attendre encore. On va attendre encore un petit peu, quelques minutes pour te gagner du temps. Bonsoir, vacancier, comment tu vas? Bah, très très bien, poteau. Content de revenir en live, ça m'avait manqué FM là aussi. Allez, 86e minute. On fait gagner un peu de temps. On va faire un nouveau remplacement. Ça fait perdre un peu de temps. Tout ce qu'on veut voir.
Ah, oh, je sais pas qui changer. C'est le moment où je sais pas qui changer. Le moment où tu rentres un latéral, c'est toujours difficile, tu vois. Oh, Clément Michelin. Oh, j'ai pas envie de changer Clément Michelin, de le mettre dans le bain, là, comme ça. La Lançoise, c'est mauvais signe, change. C'est trop tard. On n'a pas grand monde à changer, hein. Gomis, tu vois, c'est vraiment un changement pour un changement, quoi. Change la pointe. Après, je peux mettre Gomis et du coup jouer en long ballon. Ouais, c'est pas ouf de tout changer. Oh, je panique. Oh, je panique tellement. Oh, ça va être panique land, hein, les derniers matchs là. Hein. Il fait 1m80, il est un peu plus grand que Keane. Allez, Rivero pour TT. Allez, dites-moi qu'on n'a pas besoin. Dites-moi qu'on n'a pas besoin de faire gagner du temps. Dites-moi des belles choses. Allez, mes joueurs, là. Oh, ça fait longtemps qu'on n'aurait pas gagné, en plus. Toulouse qui est en train de revenir sur Guingamp. 2-1. Le bon Bostock. Tranquille. C'est bien, ça. On est chez eux. Allez, pas de contre-attaque. Bien, bien, Thiago Mendes qui oriente le jeu, là. C'est bien, ça. Quoi? Ah, il y a eu hors-jeu. 93e, ça va siffler. Allez. Pas de vieille action à la 95e. Pas de vieille action. Oui. Siffle-moi ça. Ticard. Non. Pourquoi il y a Euslan Foura qui vient de se lancer là? Non. Allez, loin. C'est une faute. C'est une faute à la 95e. Ça va être une victoire ça. Gomis a l'air de souffrir. Ah bon? Bon, après, Gomis, il est pas méga utile. Hein. Ah bah je peux pas le sortir. Elle a une élongation. Oh bah les gars siffle hein, du coup siffle. Oh cette victoire on l'a bossé hein. Regarde comment il gagne du temps pour sortir. C'est beau Gomis qui vient gratter quelques minutes. Une petite... Eh loin. Voilà. 3 points. 3 points grâce au Kun. Et grâce à une performance de qualité hors norme. 7,9. Qu'est-ce qu'ils ont fait les adversaires directs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour l'instant on est 6ème. Qu'est-ce que ça a donné? Toulouse a perdu. Ils ont perdu Toulouse. Ils ont perdu 2-1. Ça, c'est bien. Parce que du coup, Guingamp s'envole. Mais nous, on est à 2 points. On a 2 points de plus. Saint-Etienne a fait quoi? Saint-Etienne a perdu, ce qui est parfait. Bordeaux, ils ont perdu contre Paname. C'est parfait. On a 3 points d'avance sur Bordeaux et Saint-Etienne et 2 sur Toulouse et Reims. Et il reste 7 rencontres. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Je te le mets en véhément, celle-là. Celle-là, je te le mets en véhément. Guingamp et Dijon, ça win. Ouais, mais c'est... après, faut faire gaffe à la Coupe de la Ligue et tout, là. Parce que sinon, ça peut être la merde, ça. Ça peut être la merde de ouf si... Ça peut être la merde, non? Tu joues contre Guingamp encore? C'est quoi notre calendrier? On joue Guingamp maintenant? Ah, je vous dis, on a Guingamp. On a Saint-Etienne qui est dur. Enfin, qui est genre des matchs à 6 points. 3-6 jours. UEFA Europa League, la qualification dans le viseur du RC Lens. 8 rencontres. Avant le match, t'as dit que TT allait être nul. Ouais, mais je les sens, les joueurs, comme ça. Oh, hey, ça faisait 13 heures que Kou n'avait pas marqué. 13 heures! On va le féliciter, faut qu'il finisse la saison comme un ouf, là. Dernier match, vous avez été excellent devant le but. Merci, coach. Oh, c'est bien. Vas-y, mon frérot, là. On t'a tellement fait confiance. Bruce Garnek joue que les coupes. Toi, joue sur le championnat, non. Ouais, moi, je suis un streamer football manager championnat. C'est-à-dire que vraiment, chacun a sa spécialité, mais... Non, bah on joue ce qu'on peut, hein, pour être honnête. Hein. Je veux pas te mytho que... On n'a pas forcément le choix, quoi. On n'a clairement pas forcément le choix. Attends, on va aller voir Paname, là. Paname, qu'est-ce qu'ils font, Paname? Finale de la Coupe de la Ligue. C'est contre Monaco, donc ça, c'est parfait. Ah non, parce que Monaco, ils sont 14e. Parce que là, on est d'accord. Si Monaco bat Paname. Ah ouais, c'est chiant ça. Il faudra être cinquième. Non, si c'est Monaco qui gagne. Ah ça peut être chiant. Si Monaco gagne, t'es baisé en finissant sixième. Je crois, ouais. Les carrières managers sur FIFA sont presque mieux que sur FM. Oh, quand même.
Non, je veux bien que de temps en temps on dise nappe, mais ne retrouvons pas à dire de la merde totalement quand même, tu vois. Faut que tu gagnes la Coupe de France ou de la Ligue en vrai. Bah j'en suis pas là, mec, hein. Je peux te dire que j'en suis pas là du tout, quoi. Là déjà, on est en train d'escroquer une place et c'est en train de passer pour l'instant. On va voir jusqu'où ça tient, mais... Ah ouais, ouais non. C'est honteux. Clairement pas, ouais, non. Bah, FIFA a d'autres qualités, mais pas ça, quoi. Bon, ça, c'est nos petits jeunes. Chalut. Ah, mais Chalut, il prend de la valeur à chaque fois que je le scout, là. Parce que Chalut, en vrai, c'est vraiment un joueur que je pourrais aimer. Hein. Le souci, c'est que 10 millions, ça va être dur. Hein. Ouais, tu vois, il est en train d'augmenter la valeur. Hein. Parce que Chalut, vraiment, il nous ferait du bien. Hein. Un grand mec d'1m90 qui va vite, en défense, il rassurerait de ouf. Hein. Tu ferais les barrages en étant sixième. Ah, ça va alors. Ça va quand même. Prends-le. T'as déjà Kenneth qui arrive. Ouais, mais de toute façon, il va y avoir un gros gros chantier, hein, les potes. Hein. On va vraiment avoir un chantier de bâtard là pour le mercato qui est fini. Mais on n'en est pas encore là. Hein. Pour l'instant, là, il y a un seul objectif. L'objectif, c'est l'Europa League. Titouan. Bah, Titouan, il joue plus. Il est plus titulaire. Qu'est-ce qui se passe? Felipe Gomez qui a mis 3 buts. Felipe Gomez, il est pas... Il a un nom stylé, mais... Plus un Valentin Liénard à Saint-Priest. Ouais, je connais, c'est le YouTuber, là, mais on n'en a pas besoin. Comment on lie Amazon Prime avec Twitch Prime? Les comptes, je pense, doivent être liés. Réunion demandée par les dirigeants afin de discuter d'un nouveau contrat. Allez, vas-y. Proposez-moi un nouveau contrat, les potes. Je re-signe ici, je re-signe ici. Si tu fais un chantier avec les barrages, tu vas te casser les dents. Ah putain, c'est vrai ça. On va voir, on va voir. On n'en est pas là encore. Ne concentrons pas sur la suite, alors qu'on peut finir dixième à tout moment. Budget transfert, objectif milieu de tableau. Donc ça, c'est le truc qu'on avait. J'accepte la direction. Le nouveau contrat. J'avais quoi actuellement? 30K. On va passer à 58. Coucou, c'est encore moi, let's go coach. Oh là là, Yamanon, merci beaucoup poteau. Il s'est passé quoi depuis le début du live? Un match nul et une victoire. Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, est enchanté par l'accord trouvé. Eh bien c'est bien ça, nouveau contrat. Vous venez de paraffer un nouveau contrat, je suis très heureux de cette signature. Le succès est dans l'ADN de ce club. Bien sûr les gars. On va ramener des victoires là. Mon sub, il a pas pop. Oh que je coupe, désolé, ouais. Je viens de voir, bah merci pour le deuxième mois en tout cas. Alors, réunion recrutement. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir par la suite, là? Crise manique. C'est pas mal, ça. C'est pas cher, en plus. Le petit crise manique, là. 17 de contrôle de balle, 16 de technique, 14 de passe. Un petit 14 de vision de jeu, 15 d'inspi. Il est pas dégueu, hein, 18 ans, lui, là. Après, on joue pas avec un 10, mais... Gourou qui m'a dit d'un coup, tu joues 110. Ah mais les stats des 10, elles font toujours rêver sur FM. T'as les mecs qui ont de la technique, souvent du coup ils savent tirer les coups francs, les corners, du coup. Ils ont souvent de belles stats. Il faut que le gagnant de la Coupe de France ou de la Ligue soit qualifié en Europe pour libérer la 5e et la 6e place. Zurovski. J'aime bien ce genre de petit joueur, moi. Umut Bozok, Kitala. Ouais. Je regardais en vrai. Parce qu'il y a Moeskin qui va partir. Caicedo, il est en fin de contrat. Hein. Il est pas dégueu. Hein. Ah, j'ai loupé 2 semaines de live, je suis triste. Alors les 8 mois quand même, ça a donné quoi la première année en Ligue 1? Bah la semaine de live, gros, j'étais pas là. Hein. Donc t'inquiète. Et t'as loupé hein, avant que je parte. Bah écoute, plutôt positif. Hein. Il a 54 ans. Il est assez âgé. 13 de finition. C'est pas si mal. Hein. Honnêtement, pour un petit contrat où il nous coûterait... il sait pas encore combien il nous coûte. Carlito Bedo, merci aussi pour le deuxième mois. Navdreg, quatrième mois. Merci à tous pour les subs, les resubs, les potes. Ça fait plaisir de voir qu'on était monté au-dessus des 3300 avant que je parte. Et là, il y a eu 10 jours de pause. Et on est toujours malgré tout au-dessus des 2006 ou 2007. Donc ça fait super plaisir. Merci pour le soutien. Simer la mif. Ruben Aguilar, ça va être cher ça. Gaëtan Laborde.
Ça, c'est un peu vieux, mais il a plus des stats de 10. Ouais, un peu, ouais. Merci pour tout ce que tu me proposes, mais tu me fais retrouver le sourire quand je l'ai perdu. Oh, mon frérot! Merci à toi. Bon retour de vacances. Oh, le Gobzer! Putain, mais il y a toute la mif qui est là. Non, 13 en finition, c'est nul pour de la Ligue 1. C'est un peu léger, quoi. Mais bon. Ribéry de retour dans le Nord. Gros 9, saison pro. Et c'est vrai que j'ai envie de voir... Ah ouais, en 10 jours, tu perds masse. Bah après, c'est normal, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de Twitch Prime aussi, donc c'est beaucoup de gens... tu vois, on est 2714. Il y a beaucoup de gens, c'est genre qui ont lâché un Prime, et qui ont, quand ils voient pas ton live, soit ils le mettent ailleurs ou quoi, tu vois, ce qui est normal aussi. C'est déjà très cool, tu vois, je suis pas en mode on va rester à 3300. Déjà, si on reste autour des 3000, ça va être très cool, quoi. C'est comment Vercha et Rennes. Ah oui, il est pas mal. Après, ça va être cher. Ça va être cher et j'ai pas vraiment besoin de ça. Par contre, vous avez vu, incroyable ça, Aurel, là. Celui que nous avait conseillé Azevedo, là. Nelson Azevedo, il nous avait conseillé Aurel Mangala, parce qu'il avait joué avec lui en U21 d'Anderlecht, que je connaissais pas du tout, pour être honnête. Et c'est Lyon qui était dessus. Bon, alors du coup, avec Adélaïde, on va plus être dessus. Mais c'est cool. Vostos et Shikimaru qui lâchent leur prime. Bah, bienvenue à vous, les gars. Merci beaucoup. J'imagine que tu vas parler de tes vacances avant de jouer à FM, j'espère que t'as kiffé. Bah merci Proto, ça fait plaisir. Et ouais, j'ai un peu raconté tout ça. C'était très cool, ouais. Péverel, une année de sub. Bienvenue dans le club des grosses couilles. Hein. Dans le club des... ils sont là. Hein. Nelson Azevedo est à Anderlecht officiel. Oh non, je pense pas. Je pense pas qu'en tapant Azevedo sur Google, on trouvera, mais... Ouais. Je sais pas exactement où il en est pour l'instant. Je sais pas du tout. Je crois qu'il a toujours pas de club. Hein. Ah ouais, il a toujours pas de club pour l'instant. Mais il nous dira quand il signera. Pour l'instant, il était en négociation. On a quelques très bons jeunes belges qui arrivent, c'est pas fini pour nous. Oh bah les Belges, vous avez des bêtes de joueurs. C'est pas du tout le même profil qu'Adélaïde pourtant. Bah le souci, c'est que Mangala, pour moi, il avait l'air d'être... T'en montres que je re-regarde. Ah non, je le voyais un peu défensif. Enfin, tu sais, un peu... Ouais, le box-to-box, quoi. Le gars qui charbonne partout, quoi. Adélaïde a l'air plus offensif, quand même. Tu en penses quoi, Ben Yedder à Monaco? Bah, c'est bien, je pense, hein. L'XP, il est chaud, Ben Yedder. Ouais, Mangala, voilà, Ndombele. C'est vraiment genre remplacer un Ndombele, quoi. Lance en réserve qui gagne. Ça, c'est nos entraînements qui ont été faits. Hasta la vista, 2204. Bienvenue. Merci pour le sub. Cahuzac se sépare de son agent. Ok, ça, on s'en fout. Bon, va falloir aller jouer. C'est à Bollard, hein. Mais c'est contre Guingamp. Va falloir faire le taf. Youssouf Koné qui vient de reprendre. Lincoln. Frère, c'est pas toi qui va m'apprendre. Lincoln. Quand même. Quand même. On peut voir le classement U19. Ouais, on est où? C'est quand qui charbonne de la formation? Nous, on a perdu contre les trois devant nous. Lille, Paris et quand? On a fait match nul contre Lille et Boulogne. Sinon, oh putain, le Consola Marseille. Ça doit être dur quand même. Hein. Quand t'es dans des divisions où... Alors ça arrive pas fréquemment, je pense, de jamais gagner un match, mais... Au moment où tu gagnes pas un match et que tu dois continuer. Toulouse, c'est ton dernier match de la saison. Vraiment? Non, c'est pas mon dernier match. C'est Nice, mon dernier match. Tu dis nimp. Gravenberch. Ouais. Mais Titou en jeune, il joue pas. Mais je comprends pas. Il est là, Titou, pourtant. Tu vois, il est là, le Titou, là. C'est vrai que je comprends pas. Là, je vais leur dire s'ils veulent pas... Je vais forcer le truc, du coup. Boum, le Titou. Voilà. Lincoln. Ah, Lincoln, c'est à l'ancienne. Hein. Exotix. Merci aussi pour le Prime. Bon retour. J'avoue que tu m'avais manqué pendant que j'étudiais. Bah écoute, je suis de retour de vacances, poteau. On est de retour. Il va y avoir pas mal de choses, là, prochainement. Mais vas-y, mais parle. Pars, toi. Lui, en fait, j'avais misclick et je lui avais promis de jouer. Voilà.
pars en prêt, comme ça t'es tranquille. Mais du coup, c'est de ma faute, tu vois, parce que je lui avais promis n'importe quoi. Gabriel, tu les connais tous ou quoi? Bah non, mais j'ai pas mal pompé, enfin, pompé. Le lapsus révélateur. C'est lui, Ouais. Non, mais Lincoln, c'était avec ma saison des Wolves. C'était ma petite resta, là. Oh, qu'est-ce qu'on l'aimait. Ah, il nous avait mis des buts, hein. Il nous avait mis des buts, hein. Et j'ai vu dans sur Twitter, on m'a linké ça, dans le classement des U21 les plus prometteurs. Pandore et le RC Lens pourraient se séparer. Bon, on serait pas non plus... ce serait pas une énorme perte, mais... on peut leur faire signer un petit truc. Voilà, un petit bail. Le mec me négocie, mais le mec me négocie comme jamais, quoi. Pars au pire, hein, y a pas de souci, hein, moi je te veux pas. Hein. J'ai DLFM, je me suis fait virer en 15 matchs. Yes. Oh non. Il en avait raté pas mal, c'est vrai que Lincoln avait des petits soucis, mais bon. Et du coup, je disais, ouais, dans le classement des U21, je crois qu'il est genre 27e plus prometteur U21 ou 25e, je crois. Va dans ton onglet transfert, il y aura un Gabriel Silva de Man City. Mais on l'a loupé, lui. T'étais pas là quand on était parti. On l'a loupé, c'était le mec... C'était le mec qu'on voulait signer, là, de Man City, mais qui, finalement, ça l'a pas fait, il part au States. Donc ouais, c'est mort, ça. C'est la douille ultime, ces classements. Ouais, bah, tu sais, les joueurs, c'est toujours dur de savoir vraiment qui va exploser. Ça dépend du club, ça dépend de sa déterre à lui, ça dépend de ce qu'il donne. Tu vois, donc, y a beaucoup de choses, quoi. Cahuzac blesse Merlène à l'entraînement. Putain, le Yanou. Hein. Ah, Yanou ! Fait longtemps qu'il a pas joué. Il s'est chauffé, du coup, à l'entraînement. Je suis en quelle année ? Je suis en 2020, là. Je suis dans l'année en cours. Joao Silva, il s'entraîne de ouf, hein. C'est bien, ça. Hein. Déjà, tu vois, on l'avait acheté 500K. On peut déjà faire une belle plus-value, là. C'est déjà très bon, ça. Arthur Gomis, je vais lui mettre un 90 minutes. Lui aussi, un petit 90 minutes. On fait tourner. Enfin, on fait pas tourner, en l'occurrence. On fait juste... jouer. Même à l'entraînement, il prend des rouges. Mode Volta de FIFA, un petit mot, coach Bizo. Ah, ça va être lourd en vrai. Hein. FIFA Street, c'était propre, donc très content qu'ils aient remis ça. Hein. Bon, les potes, il est temps de montrer qui nous sommes. À Bollard, va falloir gagner là. Va falloir gagner. Il n'y a plus trop le choix. On va s'écouter les corons, mais les corons du stade. Parce qu'en fait, quand je mets le viré truc de Pierre Bachelet, un coup sur deux, il me bloque la vidéo. Du coup, on est obligé un peu de soum soum. Non? Où est-ce? Oh, je l'ai plus. Ah. Oh bah non. Putain, tu les prends où les chants? J'ai une petite playlist Spotify. Ah mais parce que j'ai deux musiques, c'est pour ça que ça fait de la merde. Je comprenais pas. C'est bon. Comment on fait pour avoir les mots de Lensois? Ah bah disons que ça c'est l'élite, hein. C'est l'élite de la France qui sont présents. Bon, du coup, il nous reste 8 matchs. 8 matchs, et pour l'instant, on a 2 points d'avance. C'est un match contre Guingamp, donc c'est encore une fois un match qui vaut 6 points. Soit on fait match nul, et bon, ça va, on s'assure quoi qu'il arrive de rester 6e. Soit on gagne, et on revient carrément sur le 5e, parce qu'il y a un vrai doute, hein, Coupe de la Ligue et Coupe de France, on peut se faire voler les places. Oh là là! Oh, quand ça spam full RC Lens sur le chat, là, ça fait plaisir, les frérots, merci. Oh ouais, non mais... L'étendard sans erreur est levé. Allez, on va voir un peu Joao Silva qui va pas être dispo. On va mettre un Steven Fortes justement pour remplacer un Duverne sur le banc. Koné peut-être qui pourrait en jouer une petite ici.
connais qui sera pas titulaire. Azevedo, je le sens bien. Azevedo en titulaire sur la droite. Je le sens de quoi frapper. On va mettre Mauricio aussi ici. Keane à gauche qui est un peu fatigué. Mais au pire, on en fera rentrer Robaille. Full sub. Et on a full sub qui sont là. La MIF est présente pour soutenir. À 8 rencontres de la fin. Gomis aussi, on va le sortir. On va mettre Diarra, du coup, comme ça, c'est parfait. À la mi-temps, ouais, pour Keane. Il y a le temps, ou même 60 minutes. Allez, on est à domicile en plus, on est à Bollard. On a Nelson qui va jouer à droite. Joker King 39 qui vient de lâcher son Twitch Prime. Bienvenue. Du coup, Marcus Coco, il s'est niqué le genou. Merlin, merci aussi pour le deuxième mois. Putain, je leur dis rien de bien là-bas. Allez, Brian. Je sais ce dont t'es capable. On va dire la même à Keane et Kuhn. Nelson aussi, hein. Nelson, faut le motiver. Hein. Nelson, titulaire. Nervosité pour Lorenzo. Ah, j'aurais pas dû lui dire ça, j'aurais dû lui dire autre chose, un truc plus calme. Flick 25, bienvenue à toi, merci pour le prime. Allez, la rencontre très importante au sommet, entre Lens et Guingamp. Ça va être décisif. Il y a Roux qui est là en face. Oh, Guingamp qui est chaud. Hein. Guingamp en ce moment qui sont bien chauds directement. Kenny Tété là qui a montré de l'agressivité. C'est ce qu'on veut voir. Reims qui ouvre le score contre Caen, c'est pas bon. Parce que ça veut dire qu'ils sont égalité en termes de points avec nous. Contre Guingamp, là, on cherche le match nul. La défaite ferait très mal. En tout cas, ça commence pas là-dessus. Ça commence avec un corner pour Lens. Tiré par Azevedo, repris par Tété. Encore une fois, Azevedo qui va revenir. Azevedo avec la grosse frappe. Finalement, le gardien qui s'est couché. Moïskine pour Aïdara qui va peut-être insister côté gauche. Thiago Mendes qui va récupérer ça. C'est redonné à Aïdara et c'est un corner. Ah, ça pousse pour Lens dès le début. C'est ce qu'on veut voir du jeu. Allez, Azevedo en deux temps avec Keane. Keane encore un nouveau corner. Allez, Azevedo. Brosse-la bien là. La grande tête de Fortes. Là, la grande tête de Fortes. On la connaît. Ah, c'est contré directement, premier poteau. Moïse. Pff, chaque fois il me les met celle-là avec l'angle de la cam, on sait pas ce qui se passe. Oh non, pas ça. Pas comme ça. Putain, pas passé loin. C'est pas passé loin. Par contre, PA, t'as pas de gardien dans les remplaçants. Ouais, il se blesse jamais, c'est vrai que. Ouais, on va prier le karma, mais sur FM, tu peux mettre ce petit glitch qui te fait gagner un remplaçant. C'est bien, il lance à toute vitesse là. Ah, en même temps. Oui. Est-ce que c'est Ratterne ou... Ouais, on est bien à Ratterne, parce que j'ai vu que il l'avait levé là pour Kuhn, il est tout petit. Bon, la grosse tête de Fortes, elle était pas loin là. Allez les gars, allez. Le match, il est bien là, il est bien, il est pour nous là, ça joue bien. Ça fait bien tourner, côté gauche, Aïdara, Kuhn. Oh, le loupé de Kuhn. Oh, Kuhn qui était seul face au goal. Azevedo aussi qui a été repris, qui a buté. Allez, Jean-Eude, côté droit pour... Ça joue trop bien, on joue trop bien, on peut pas la perdre celle-là. On peut pas la perdre, allez. Kuhn, deuxième poteau, c'est un peu loin, c'est pour Keane. Keane pour Aïdara. Aïdara qui retente sa chance à Azevedo. Et c'est pression, hein. C'est pression parce qu'il y a Reims qui gagne toujours. Bordeaux doit faire un match nul, je pense. Peut-être qu'ils sont en train de gagner. Dans les FM rouges pour les gardiens, c'est rare. Ouais, généralement ils se blessent. Il y a peu de rouges, honnêtement. Non. Oh non. Hors jeu. Dis-moi qui est hors jeu. C'est la VAR. Non, la VAR. Ah, il n'y a même pas de contestation VAR et tout, là. Oh, c'est dur sur un vieux coup de pied arrêté de mort. En plus, ils nous ont même pas laissé espérer le truc de la VAR en mode... Oh, le vieux deuxième poteau, ils ont un tir cadré, les mecs, là. Lens descend à la 7ème place. Oh putain, Farinès, il était dans ses buts, hein. Oh là là, on est en train de prendre la sauce. On est en train de prendre la sauce. Laissez pas frapper les gars, c'est pas fini hein. Allez les mecs là. Oh, c'est anxieux, trois anxieux là. Faut revenir au vestiaire là. Allez, ça peut être bien. Avant la pause. Oh la barre. Putain la barre. Qu'est-ce que ça donne les scores? Bordeaux qui fait match nul. Saint-Etienne qui fait match nul. Putain, faut que. Oh là là, faut que Lyon mette une bite à Toulouse et Reims aussi là. Enfin, Reims, faut qu'il se fasse reprendre par Caen. Oh, les gars, je vais leur dire, hein, véhément, agressif, hein. Montrez un peu de volonté, hein. Un peu de volonté, les mecs, là. Et je vais dire à Brian... Allez, mon Brian. Je sais ce dont t'es capable. Allez, les mecs, on a fait une bonne première période, honnêtement. On se fait avoir sur un coup de pied arrêté, mais il n'y a pas à dire. Robaille. Ah, si jamais Keane... Oui, c'est bien, Nelson. Oh, Nelson, la frappe, là, de l'envie, mon frère. Pourquoi il y a toujours le truc du but?
Oh là là. Guingamp va s'échapper là. Guingamp va s'échapper si on les laisse comme ça là. Ils sont anxieux tous, ils sont anxieux. Moïse il donne quoi? Moïse est pas dans la forme de sa vie. Hein. On va mettre Robaille. Un petit Robaille là qui va faire son entrée. Tonelli aussi qui est un peu bancal. Mais difficile de changer un défenseur central. Deuxième match où il est pas ouf, Aïdara. En même temps, on n'a pas grand chose. Hein. Saint-Etienne qui est en train de. Saint-Etienne qui revient fort aussi avec un 2-0 contre Montpellier. Allez les gars, allez, c'est pas fini encore. Oui Nelson. Changement d'aile, il est beau. Allez Aïdara. Oh là là, cette frappe, dommage, c'est un corner quand même, c'est un corner, allez. On en veut plus. Azevedo. Oh, putain, la grosse tête de Fortes. Plus, on en veut plus, les gars. 30 minutes à jouer, hein. 30 minutes à jouer, ça se fait, hein. Aoulou pour Robaille. Robaille, deuxième poteau, Azevedo. Voilà, mon Nelson. C'est ça qu'on veut voir. Oh, il nous avait manqué. Oh, le Nelson au deuxième poteau, il nous avait manqué. Oh, et Robaille, toujours un caviar. Regardez un petit peu ce caviar, deuxième poteau, il est magnifique. Boum, petit filet, il n'y a rien à dire. Ah, c'est sublime, on est là. On est là, on vient chercher les 3 points maintenant. C'est une blague? Non, c'est... J'ai jamais... Attends, mais... Quoi? C'est... J'ai jamais vu ça sur Football Manager de ma vie. C'est incroyable. Là, il y a eu un... Non, mais... Attendez, parce que pour tous les karmas qu'il y a eu, plat du pied sécurité. J'ai jamais vu ça de ma vie. Attendez, non mais c'est incroyable là. Fieri qui se retourne. Non, c'est Yeni. Mais il avait mis un but, hein. Yeni pour Eboa. Yeni qui la reprend. Yeni plat du plat. Plat du pied. Oh là là, mais qu'est-ce. Plat du pied, petit filet. Corrompu. Il y aura peut-être une enquête qui est ouverte là-dessus. Mais ceci ne nous regarde pas. Nous allons reprendre le match. Sans aucun souci, sans aucun remords. Vous en faites pas pour ça. Oh, Robaille derrière! Voilà, mon ami! Voilà qui on est, Robaille les bombailles! Que ça soit en Ligue 2 ou sur FM, c'est la même. Oh là là, Koun, comme d'hab. Il saute même plus, lui, maintenant, il est tellement petit. Boum, Kenité, tes deuxième poteau. Robaille, ouverture, grande volée. Ça, c'est de la Lulu, c'est magnifique. Allez, on va faire tourner un peu, là, pour que tout le monde soit en forme. Brian, pas besoin de se fatiguer plus. On va mettre un Youssouf Koné. 20 minutes à tenir avec deux buts d'avance. On va passer quand même en positif, je pense, histoire d'assurer, mais je pense que ça le ferait. La corruption du gardien adverse. Non, par contre, c'est incroyable. Genre, vous avez déjà vu un truc? Parce que j'ai déjà vu des dingueries quand même. Je me souviens même sur FM en multi, là, avec. Quand j'avais Arsenal, là, les dingueries que je prenais, là, ça me rendait ouf. Oh, on a le fort moyen. T'étais grosse forme, là. Oui, Koun. Oui, mon petit Koun de la tête, il saute, hein. Ah, je l'aime quand même, sa petite tête, hein, qui essaye de sauter. Il peut pas, il est tout petit. Oh oui, Koun. Vas-y, mon petit. Ah, derrière, c'est mieux. On assure. Oui, Koun. Oh non, Nelson. Oh, la tête est ténace, Nelson. La Lulu. Bon retour de vacances, PA, ça fait plaisir de te voir. Bah écoute, merci, Tim Kito. Une année de sub en plus. Les potes, si on valide les 3 points, on va être à 3 points de Saint-Etienne et à 1 point de Guingamp. Sa femme l'avait quitté, il faisait une dépression dans les cages. Non mais en vrai, dans FM, pas ça, MD1, genre le gardien qui se loupe, et l'attaquant lui prend dans les pieds, oui, mais pas ça. Non mais là, c'est incroyable, la passe en retrait. Nelson qui s'est blessé, j'ai l'impression. 60%. Allez, mon Robaille. Le quatrième. Ouh, le Fortes. Oh, le Steven de la tête, là, de 100m92. Cela ne nous regarde pas. Youssouf Koné. Pour Aoulou, voilà la grosse frappe de Jean-Eude. C'est bien, mon Jean-Eude. Ils ont acheté l'arbitre avec du charbon. Non mais là c'est bon ça. Allez, ramène-moi ces 3 points. Ramène-moi ces 3 points, Thiago Mendes. Avec la balle, à l'aise, Yannick, boum Yannick. Robaille. Mais Robaille il est trop fort. Robaille il rigole pas là. Ipanezer. Merci pour le 8ème mois. Et là c'est du FCV aimant. Mener 1-0 à la mi-temps. On est remonté comme des tigres. Magic Island, merci pour le prime aussi. Cette fin de saison s'annonce très bonne. Il va nous rester 7 matchs à jouer. Oh, on les fait tous ce soir, hein. Je vous le dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on a 3 points d'avance. Saint-Etienne, ils ont fait quoi? Saint-Etienne, ils ont gagné. Bordeaux, ils ont fait quoi? Oh, Caen a remonté finalement sur Reims. Ce qui fait que Reims est à 5 points de nous maintenant.
Donc ça, c'est parfait. Toulouse, match nul contre Lyon. Ça aurait fait plaisir que Lyon gagne, mais c'est pas grave, c'est la vie. Lille qui est en train de remonter, mais ils sont quand même loin. Et Dijon, bon, Dijon, on s'en fout. Bordeaux qui a gagné quand même. Bordeaux qui a gagné, ça aurait fait plaisir. Dans mon FM, Robaye est joueur clé au PSG. Hein ? PSG ? Non, parce qu'on l'aime, hein, le Gaëtan. Mais PSG, zéro défaite. Ah gros, ça rigole pas sur FM1. Vabo Stidi, merci pour le deuxième mois. 6 points de retard sur Dijon, ça peut se faire. Non mais là, c'est match après match. Hein. Là, c'est... Là, c'est vraiment match après match, les potes. Si Paris gagne tout, ils seront à 108 points. Ah non, mais souvent, ils te font des... Ils te font des grosses, grosses saisons. Hein. Roba, il vient du PSG ? Ah ouais. Mais il a fait une saison à Paname ? Libre. Ah, il était libre. Et ils en ont fait quoi, Paname ? Ils l'ont... Ah, il a quand même connu la galère, hein. Il s'est fait du haras et tout. Hein. Ouais, ils sont remontés un peu, mais ils l'ont prêté. CFA2. Leonardo sur Dybala, très réaliste FM. Tu comptes faire la prochaine saison quand ? Attends, frérot, on n'a pas encore fini la saison en cours, là. Je peux me tromper, mais Luis Felipe est en fin de contrat. C'est chaud en Espagne aussi, on va les voir un peu. Oh là là, le 6-0 de la réserve. Après, on joue contre US Ivry. C'est dans quoi ça ? J'ai jamais su sa compétition. Ah putain, je sais jamais dans quoi c'est les autres. On va taper Barcelone. Tu stream demain ? Ouais, je pense que je vais streamer en après-midi. En mode cool, sûrement du FM, en mode mercato. Et jeudi soir, on va se faire le let's play là, on va se faire Heavy Rain. Heavy Rain, qui a l'air vraiment d'être très très bien. Oh, 71, 70, 70. Entre le Real, l'Atletico et Barcelone. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mon prime et mon compte veulent pas se lier. Coup dur. Coup dur pour cordon bleu, blanc, rouge. On était quoi ? On était en technique. Du coup, c'est défense un match. Kamel Lance. On doit être Kamel l'ancien. Merci pour le sub, bienvenue. Heavy Rain le sang. Ouais, j'ai jamais joué, donc jeudi soir, ça va être lourd. Attendez, là, il y a le dernier match ? Ah, c'est le... C'est la Coupe de France. C'est qui, lui ? Ah, c'est Rasmus ? Je connais pas trop Rasmus, moi. Razen Super, 5e mois. C'est Titnik, qui est lâché en Twitch Prime aussi. Bienvenue à toi. Ah, Titouan a pas marqué. Oh, c'est rare, ça, quand même. Bon, bah, faut... Non, parce que c'était la Coupe de France. Sarri envoyé de la Juve. C'était la Coupe de France. Donc, c'est la Coupe de la Ligue où ils sont en finale. Finale. C'est le 4 qu'on verra ça. Va falloir faire 5e. Non, c'est pas encore sûr. On n'est pas encore... sûr à 100% de devoir faire ça. Donc ça va. Aditert, merci pour le 6e mois. J'ai pas utilisé mon prime ce mois-ci. Aïe, 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 cordon bleu, on sent. Kenny Tété, ok. Alors là, ça, c'est nos joueurs en fin de contrat. Arthur Gomis, il va partir. El Hadjiba, ça va partir. C'est des gros salaires en plus. Hein. Souleymane Diarra aussi, on va pas le re-signer. Bah, il est parti aussi dans le vrai foot. Axe torturé. Torturé, ouais, c'est ça. Merci pour le prime. Gore Black, c'est un 34e mois, putain, Gore Black. Quel plaisir de te revoir, j'espère que t'as bien kiffé tes vacances. Ouais, ça m'a mis bien, honnêtement. À tous les niveaux, ça a fait plaisir. Et Big Polaroid, merci aussi pour le 5e mois. Bon, on est pas mal. Ça, on avait vu un peu les joueurs en fin de contrat. Donc, normalement, pas trop de soucis. On va se faire les U19 d'Espagne. Supervisé, ça nous coûte un peu d'argent. Mais au moins, ça va nous permettre peut-être de scout 2-3 petites pépites. Attends, l'entraînement, là. Qu'on se fasse l'entraînement du mois à venir. Parce que sinon, on va faire n'importe encore. Voilà, hein, technique défense, ok. Du coup, si on est en défense, on va juste se faire ça, divers un match. Là, on joue contre Saint-Etienne. Ah, on va enchaîner Marseille, Saint-Etienne, Monaco. Ça va être chaud, hein, quand même. Ce moment va être chaud. Hein. Parce que là, on prend les points qu'il faut qu'on prenne. Tu vois, dans des matchs contre Reims et tout, c'est des matchs qu'on peut gagner. Contre Marseille, ça va être plus difficile. Hein. Là, c'est pas de Marseille en ce moment. Hein. C'est du Marseille énervé de FM. McAllister 33, qui lâche aussi son prime. Bienvenue à toi. Bon, en termes de solde, en plus, ça va. On n'est pas non plus en... C'est pas non plus la folie. Mais en même temps, ils ont beaucoup investi. Et ça va servir. Faites éviter les installations à Lens, c'est bon. Ouais, je cherchais juste un logement, là, et on est bon. ZF25, merci aussi pour le prime. Merci à tous, les potes. Pourrait perdre Petchi. Ouais, mais c'est pas des mecs fous, ça. Hein.
C'est la Coupe de la Ligue pour Lens contre 3. Bah, honnêtement, vu l'équipe mise, ça avait l'air d'être quand même pas l'objectif, la Coupe de la Ligue, hein, pour Lens, là, dans le vrai foot. Bon, on va jouer contre Rennes. Rennes qui est en difficulté, hein. Rennes qui est en vraie difficulté. Il y a quoi comme match? Il y a Lyon-Monaco, mais on s'en fout. Marseille qui joue contre Toulouse, ça serait bien qu'ils prennent, prennent une bite. Un petit match nul, Saint-Etienne-Lille, ça ferait plaisir. Guingamp-Nantes, on va voir. Pourquoi ça m'a dit observer match? Pourquoi t'as visité des trucs à Lens? Non, je rigolais, j'ai juste... En fait, j'étais à Dunkerque ce week-end, donc j'ai pris le train pour rentrer. Je suis passé par la gare de Lens et j'ai fait une petite photo. Du coup, il y a des gens qui ont fait des théories et tout, c'était marrant. Le vrai foot, mais FM, c'est pas le vrai foot. Pas entièrement. Je vais remettre Joao Silva. Après, Fantas, j'aime bien quand même. Hein. On va mettre Tonelli peut-être à la place de... Après, Tonelli, c'est peut-être Joao Silva qui était pas en forme. On va mettre les deux comme ça. Oh, Skyrus, merci pour le 36e mois. Duverne, il va partir, hein, je pense. Hein. Duverne, il a 4 millions. Il a encore une année de contrat. Ça peut être un bon truc. Lui, de façon Tarart, il est en fin de contrat, donc ça va partir. Fin de contrat aussi pour Diarra. Ça va nous libérer des bonnes masses salariales. On va se mettre un petit Youssouf Koné à la place de Haïdara, qui n'a pas fait des matchs incroyables récemment. Il y a Robay, hein, qui est sur des bons matchs aussi. Mais j'ai envie de retester Azevedo. J'ai envie de continuer à tester Azevedo, parce qu'il nous a quand même fait un très très bon match. Hein. Donc, je me suis dit que t'allais peut-être à Lens pour le match samedi. Ah ouais, non mais là, il fallait rentrer. Hein, parce que là, ça faisait beaucoup de vacances, là, après. Ce que je comprends pas trop, c'est l'intérêt de négocier le montant de son salaire. Bah, c'est un peu la réussite, en gros, dans le jeu. Et ensuite, c'est ce qui te sécurise ta place. Bon, pour les clubs comme Lens, là où on est en train de créer, entre guillemets, l'histoire du... Enfin, le renouveau du club, ça va. Mais quand tu es dans des gros clubs, ça te permet de te sécuriser. Et c'est trop cher de te tège, en fait, si tu fais des mauvais résultats. Bon, allez. On va au Roison, là. Jamais su dire. Roison, ouais. Robay, mets-le. Bah, Robay, il est toujours dans des grosses entrées, là. Mais je veux voir du Nelson. Tu penses faire un tour à Bollard? Ouais, j'aimerais vraiment bien vivre l'expérience Bollard, honnêtement, une fois. Allez, je veux un gros match aujourd'hui. Yes, tout le monde s'en bat les couilles. Ça fait plaisir. C'est pas comme si on était sur une série de matchs importants. Ça fait super plaisir. Ça, c'est ce qu'on veut. Vraiment, merci les gars. Allez, Steven, hein, on fait la diff. Ah putain, le Kun. Tiens, Kun. Kun, il a l'air de vouloir se faire chauffer. Voilà, il a paru heureux. Allez, les gars. Blinkod, merci pour le 2e mois aussi. Clickman, 5e mois. Putain, c'est incroyable, le nombre de resubs. Allez, on est parti pour ce nouveau match. Contre Rennes. On va se le mettre un moment clé, celui-là. On est contre Rennes qui est en difficulté. Hein. 30 points. Ils sont en lutte pour le maintien. Thiago Mendes, là, qui va la tenter. Eh, c'était pas mal, hein. Gros arrêt, là. Du gardien Rennes, Rivero qui va tirer. Directement repoussé à Lekin. Allez mon Moïse. Angers qui est en train de battre Bordeaux. C'est du bon. Miloustic qui nous met un 2e mois. Cap de prendre un abonnement à Lens s'il remonte en L1. Ah bah. Abonnement peut-être pas, je suis à Paname, tu vois, mais. Oh là, Tonelli qui est blessé. Oh le poteau de Thiago Mendes. Blessé vénère ou pas? Non, ça va, Tonelli. Ça va, il est pas très blessé, on peut le laisser. Toulouse qui est peut-être. Non, c'est Bordeaux qui est en train de perdre. Du coup il... Là on est bien, on est à 3 points de Saint-Etienne. Et quoi qu'il arrive. Oh, genre. Le Jeff là. Le Jeff Rennes Adélaïde. Pas pour rien qu'il va aller à Lyon peut-être lui. Hein. Tonelli qui a eu le droit à la bombe magique qui a fait le froid. Allez, Rivero. Oh, je me suis enflammé. Mais c'est pas passé loin. C'est pas passé loin, mais il y avait hors-jeu de Tonelli. Allez, un petit soyez créatif là. Ah, oh, Nelson qui est blessé. Nelson qui s'est fait un sale coup. On va faire rentrer Tony Mauricio. On va faire rentrer Tony Mauricio à la place. C'est officiel pour Adélaïde. C'est bon, hein, Adélaïde? Parce que c'était pas encore confirmé à 100%. C'est fait, Adélaïde. Oh, trop bien, putain, c'est validé. Ok, parce que je croyais qu'on était à 98%. Bon, 83% de passes réussies par rapport à 61%. 12 tirs, 7 cadrés, 0, 61% de balles. Honnêtement, on est en domination, là. On est en grosse domination, mais il va falloir passer... Il va falloir passer la seconde. Ah, je le dis, pas de pression, c'était con ça. Plonger dans ses pensées, les gars, c'est pas l'idée là. L'idée est pas de... Tu peux faire mieux là, tout le monde peut faire mieux, hein. Tout le monde peut faire mieux là. Maintenant qu'on est bien, ce serait terrible de se faire voler là.
Je suis nouveau sur le stream, j'ai seulement suivi les rediffs. T'en es où? Du coup, je suis un peu perdu. Bah là, si t'as suivi la dernière rediff, là, en gros, il nous restait 10 matchs à jouer. Et là, on a fait un match nul de victoire. Il nous en reste plus que 2. Saint-Etienne qui vient d'ouvrir le score contre Lille. Ils sont à 1 point de nous. Oh, c'est chaud. Allez, les gars, allez. Allez, mon Youssouf. Allez, Thiago Mendes. C'est bien ça pour Rivero. Oui, Rivero. Elle était belle cette frappe. Elle était belle cette frappe. On en veut plus, on en veut plus. Allez, les gars. Mais oui, on le marque, lui. On savait trouver personne. Mauricio. Mauricio qui récupère le ballon. Côté droit, finalement, ça va rien donner. Fortes, allez. 59e minute de jeu. Côté gauche, Youssouf Koné. Pour Aolu. Aolu qui va la donner pour Keane. C'est un peu hasardeux tout ça. Ça va ressortir sur Fortes. Thiago Mendes, Aolu. Ça joue en triangle. Un triangle un peu bancal, mais quand même. Ah oui, cuit. Oh putain. Et Koun, à chaque fois, je trompe entre Keane et Koun. C'est dingue, les deux frères. Hein. Le gardien est chaud. Ouais, il fait de belles parades. Hein. Une belle parade, hein. Moïse. Oh là là, ça joue bien en face, là. Les Rennais, ils sont chauds. Hein. C'est pas officiel, Adélaïde. Vous me dites de la merde. Vous me dites de la merde, là, les gars. Il en faut plus, il en faut plus, là. Un petit changement tactique. Moïse qui est encore en dessous, là. Hein. Moïse qui est un peu en dessous, hein. On va faire entrer Robay. Brian qui fait pas le match de sa vie, là. En même temps, on a tellement... Bon, alors, je mets sous les Mandira. Pour un côté un peu plus offensif. Je vais le mettre en Mezzala. Je vais mettre Rivero en Mezzala. Ce sera bon demain selon l'équipe. Ah, Bilal, il a dit qu'il a validé. Ok. On se le met une position un peu plus offensive. Allez les gars. Oh non. Koun blessé. Mais j'ai pas d'attaquant moi. Pendant que les Lensois qui se sont déplacés chantent les corons. 30 millions alors que Fekir c'est 20 millions. Mais ça dépend de l'âge, ça dépend des années qui restent en fin de contrat et tout. Ça veut rien dire les potes. Oh, ça fait chier de mettre Souleymane Diarra en pointe. Hein. Keane en pointe. Je viens de sortir Keane. C'est ça qui fait chier. J'ai pas beaucoup de choix. Hein. J'ai aucun choix en vrai. Irox, merci pour le sub. Bon, elle est là. 0-0 toujours. Il reste un peu plus de 15 minutes à jouer. Reims qui vient d'égaliser. Contre Nice. Ça fait pas nos affaires, ça. Chaque point que la concurrence perd est bon. Allez, Koné. Oh, c'est un rouge. Putain, sa mère, la pute. Ah, c'est un rouge sévère, en plus, ça. Enfin, pas sévère, mais un rouge, il l'a fumé, quoi. Ouais, c'est bon, mets-lui le rouge, mets-lui le rouge. On a compris, là. Oh là là, qu'est-ce qui se fait là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Putain, on est en train de craquer là, j'ai l'impression. Mais j'ai personne qui peut jouer à gauche en plus. Hein. Genre... Absolument personne quoi. On va mettre Thiago Mendes. Hein. Thiago Mendes à gauche, hein, Michelin. Non mais j'ai plus de remplaçant là. C'est ça toute ma galère là. Ah bah là on va mettre Attendez. On va mettre un petit mur là. Attendez, pause. Rythme un peu plus lent, gagner du temps, plus discipliné, moins de dribble. Là on a 5 minutes à tempo les gars. Hein. On va faire tourner ce ballon les mecs hein. Def à 3. Ouais mais même TT peut pas vraiment faire ça quoi. Sinon je pourrais ouais BCE. Mendes, il peut jouer. Hein. Ouais, j'aurais pu... Ah, mais tu mets qui en latéraux? Là, c'est pas grave, il va juste jouer défensif. Eux, je vais les mettre soutien, comme ça, ils vont en descendre plus. Là, le but est qu'on crée vraiment pas de jeu, là. On s'en fout, là. Là, vraiment, on s'en fout, là. Ok, c'est bon. Thiago Mendes averti. Mais c'est parfait, de la grosse faute, voilà. Oh. Le vol? Oh, le vol aurait été incroyable. Il serait préférable de faire jouer Thiago Mendes à son poste. Tu m'étonnes. T'as un 9 tirs cadrés à 1, quoi. Les joueurs de Stade Rennais s'en sortent très bien aujourd'hui. Pouah, tu m'étonnes, là, c'était l'occasion de s'envoler. Hein. On a Saint-Etienne à 1 point derrière nous. Brest, finalement, qui... Brest, on s'en fout. M. Villa qui a marqué. Caen qui a pris 8. Toulouse aussi, là, qui s'est fait manger. Lyon qui est au point d'arrêt, là. Hein. Lyon qui gagne plus du tout. Guingamp qui a pris un match nul aussi, hein. Ça fait un peu chier. Dijon aussi.
Bordeaux. Oh, René. À chaque fois, j'ai envie de l'appeler René Adélaïde. Reine Adélaïde, là, qui a mis un petit doublé. Bon. Je vais leur dire, je suis loin d'avoir apprécié le spectacle. Les gars, il faut qu'on soit des gagnants, là. Il faut qu'on soit des gagnants. Il faut qu'on... Le doublé pour Paris. Ah, oh, ils sont déjà champions, putain. Kuhn blessé, 8 jours. Azevedo blessé, 2 jours. Oh, putain. Bon, je lui mets un petit avertissement à Koné. J'actualise le titre. Ah, ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être chaud. D'avoir une minute max ou 30 secondes pour effectuer les commandes hors match. Je pense que ça serait bien d'avoir une minute max ou 30 secondes pour effectuer les commandes hors match pour plus de reality. Bon, après, on est dans un jeu, hein, tu vois. Genre, on va pas se faire une mi-temps de 15 minutes juste pour se faire un kiff, quoi, tu vois. Sinon, on va pas s'en sortir, hein. Ça, je vous le dis, hein. Par la Kin, les supporters dans le bus. Ton effectif va être décimé au prochain match. Ça va être assez chaud, hein. Faut rappeler Titou. Il y a peut-être Titou qui va jouer. Je suis depuis longtemps, j'apprécie toujours autant ton contenu. Merci, Max, Hungry Max, j'avais pas vu. C'est possible que Titou joue. Après, on va sûrement mettre Kin en pointe, hein. Je pense qu'on va mettre Kin en pointe et un Robaï à gauche. On va parler à Moïse. Moïse, on va lui dire Titou. Et Titou qui vient de sub en plus. Oh, merci pour le prime, Titou. Allez, mec, on a besoin de plus. Je vais pas montrer sur le banc de remplacement, je vais redoubler d'efforts. Et Moïse, je sais pas ce qu'il a là. Il est en mode suicide girl là. Il veut se faire des tatouages, il veut. Il est sur du gros Insta là. Ce serait bien d'avoir la réalité du terrain là. Tes jeunes vont se barrer si tu leur offres pas de contrat aux pépites. Les pépites, ça a été fait. Hein. Est-ce que l'entraîneur adjoint me propose? C'est des mecs qui ont 2-3 étoiles de potentiel max. Donc. Tu penses acheter quel gros joueur? Ça va vraiment dépendre de notre qualification. Si on se qualifie en... Là. Oh, non mais là, c'est la merde. Là, si Monaco gagne la Coupe de la Ligue, on est obligé d'être 5e du coup. J'aurais pu regarder le match, ouais. On n'a pas vu. De la Ligue. De la Ligue. Ils ont perdu. Bien sûr qu'ils ont perdu, les Parisiens, on peut compter sur eux. Qui a marqué? Cavani, voilà, mon Cavani. C'est bien, mon Cavani. C'est bien, mon Edinson. Et Jean-Charles qui a mis un doublé. Mais Titou, il joue même pas. Titou, il marque plus, là. Titou ne marque plus. C'est terrible, là, ce qui nous arrive. Bon, ça, c'est bien, ça. Averse la pépite. Ah ouais, il est chaud, lui. Hein. Hello, Domingo, je suis la nouvelle personne qui gère tes factures chez Webedia. Au plaisir de te croiser un jour. Mais... Je pensais que t'étais mon buteur, Titou. Titou est finalement mon comptable. Bon, Titou, hésite pas, hein. Si jamais il y a des zéros qui se rajoutent, hésite pas sur des, voilà, sur des OP ou... Sache que Titou, ici, voilà, tous les gens présents sur ce stream te couvriront, Titou. Si jamais tu dois aller au tribunal, on se connaît pas, Titou, je te le dis. Mais ça marche, Titou. Bah, nous racontons pas notre vie de comptabilité sur le chat, s'il te plaît. Mais... Titou en roue libre. Mais c'est parfait. Fantastique, dans ce cas. Compte sur nous, on rajoutera rien. Allez, Titou! Fin des mises à l'essai. Ouais, ça, c'était tous nos petits jeunes qui ont pas percé, ça. Donc, Titou est au courant pour le compte en Suisse. Ah, voilà, j'ai l'impression que Titou est au courant de tout. S'il y a pas 5-0, c'est pas normal, Titou. T'étais blessé. Oh là là, les gars, ça fait chier, là. Bon, après, est-ce que Kuhn sera rétabli? Je sais pas. Balance les chiffres, Titou. Oh, ça va, je vous les donne déjà assez. Hein. Un peu de mystère, ça fait du bien. Bon. Il nous reste quoi, 6 matchs là?
Et sinon, le jeune buteur blond de 16 ans, il t'a pas convaincu? Ah, c'est Titou, hein, du coup. Hein. Oh putain, Titou met autant de chiffres que dans ton pseudo. C'est vrai qu'il y a un sacré pseudo. Hein. Je ne comprends pas à quoi servent les périodes de transition entre les matchs. Bah, passer le temps un peu. Hein. Pour, enfin, tu vois, c'est, tu fais des réglages, t'as du mercato, t'as un peu de gestion, de comment se sentent tes joueurs, de temps en temps ils se blessent. Tu vois, c'est techniquement l'entraînement dans le vrai foot. Sauf qu'on se tape pas le vrai foot où tu fais refaire des séquences, tu vois, des sessions. Oh, y a XX Titou en XZ qui vient de sub aussi avec un Twitch Prime. Ah bon, on va commencer à avoir tous les... On avait... comment il... Putain, je sais plus, on avait beaucoup d'un pays. Je sais plus, enfin pas d'un pays, mais d'un... J'avais beaucoup de subs qui avaient un prénom. J'ai oublié comment c'était. C'était pas Philippe. C'est Tinex, c'est 36 pour le best-of. Pour le best, à chaque notif de live, c'est donné le sourire. Merci, bon. Tous les titous de Twitch. Je sais plus, c'était qui les... Si, c'était Philippe, Nexo. C'était peut-être Philippe, ouais. Ça me dit un truc. Qu'est-ce qu'il veut, le Espinosa, là? Fin de contrat. Là, c'est un profil un peu plus 10, mais... ça tâte un peu le ballon, ça, quand même. Hein. La Star, merci pour le sub. Tu gères tes entraînements. Bah, du coup, on gère les entraînements, mais sur un programme déjà fait, quoi. Parce que sinon, les entraînements sur FM, vraiment, c'est trop, trop chiant. C'est trop chiant. Philippe! Je sais où tu te caches! Le début était bien. Il me semble que c'était ça, ouais. Titou, on quitte le stade. Titou en président. C'est quoi ce skin? Il y a marqué à droite, là-bas. Nub skin V3. Si vous le voulez, c'est Chrysler 76, je crois, qui le fait. Ce skin, il est hyper cool. Très bon skin, ouais. Bon, Joao, il fait que s'entraîner comme un porc. Hein. C'est bien, hein. Moïse qui s'entraîne mal. Aïe, aïe, aïe. Tu peux montrer le classement, ouais. Je vais vous montrer ça, pardon. Qui se passe bien. J'ai un bon adjoint. Ok, on va dire. Pas de dingue. Enfin, 72 occasions créées. Hein. Si ça, c'est pas beau. Farid de la Morlette qui a offert un sub à Titouan le pro. Putain, le Farid, quoi. Merci, Moïse, qui passe trop de temps sur Tinder. Le Domingo, je suis nouvel agent de sécurité de Webedia. Bande de forceurs, là. T'as dit Joao, j'ai compris Joao. Ah ouais. Ouais, il nous reste 6 matchs. Du coup, on est à 1 point de Guingamp. Et on est à 1 point devant Saint-Etienne. Mais ça va être technique. Hein. Ça a fait quoi à Rennes? Match nul. Match nul un peu difficile où on se retrouve avec blessure de Azevedo. Non, pas blessure de Azevedo, d'un autre, je crois. Tonelli, peut-être. Et surtout, Koné qui prend un rouge. Donc 0-0. Est-ce qu'il a des presets pour les CF et les corners? Non, ça, par contre, j'ai pas pris. Parce qu'il y a des trucs un peu OP de... Oh là là. Oh là là, on a un chantier, là. Attendez. Là, c'est la merde. On a tous nos joueurs à changer. Vas-y, il s'entraîne de ouf, là. Je vais le faire jouer, Joao Silva, c'est bon. Tonelli, 6,90. Fortes, 7,06. La méritocratie, mon pote. C'est ça qui se passe. Koné, on va mettre Duverne. Il manque qui? Il y a Keane qui peut pas jouer. Du coup, on va mettre Robay ici. Et Robay, on va mettre un petit... Ouais, bah, je pense qu'on a tout le monde avec Tété, là. Ouais, on n'a pas beaucoup de choix, quand même. L'Ajax qui se qualifie. Ah, ils ont gagné, là, contre... C'était quoi? Contre le PAOK, là, je sais pas quoi. Wollam, 4e mois de sub. Merci beaucoup. Elro, sub tier 3 pendant 27 mois, le frère. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon. Koun en pointe. Brian qui... Aïe. J'ai si mal à la putain de cheville, là. Ah, ça me rend ouf. Bon, on va aller le chercher, le Titou, hein. Allez, on l'envoie en senior. Je te vois bien finir 6e, mais la saison suivante sera dure niveau budget à Lens. Bah, non, pas spécialement, je pense. Hein, parce que pour l'instant, on a quoi, là? On a 1,5 million, tu vois. Et à la fin, on va dégraisser 170 000 balles par mois. Et on a 8 millions de budget de transfert? Mais c'est ce qu'on avait gardé ou on en a en plus? Ils nous en ont refilé, non? Tu fais du kiné ou pas? Ouais, je fais du kiné. Justement, ils m'ont dit que c'était une très grosse entorse, en gros. Et que j'en avais pour octobre si je m'entraînais bien. Si je faisais bien les exos et tout. Bon, attendez, parce que là, est-ce qu'on est bon? Azevedo, il y a peut-être un Mauricio qui pourrait être... Ah, mais Mauricio, il est blessé. Putain.
2 à 5 semaines pour Mauricio en plus. Kuhn n'était pas blessé. Kuhn était blessé, mais... Ah, c'est mon budget de l'année pro. Ouais, c'est pour l'an prochain. Ok. Bon, allez. Oh, le charbonnier. Oh, ils ont une team, mon pote. Ah, ils ont chopé Soumaoro, quand même. Il a vraiment pas une tête de joueur de foot, hein, faut surier. Formé à Lyon. Mais t'as passé une radio. Ouais, une radio, mais j'hésitais à faire une écho. Qui te permettait un peu plus de choses, je pense. Allez, les gars. Je veux une bonne prestation. Je veux pas de mec qui hoche de la tête, là, Steven. Oh, il s'en bat les couilles, putain. Il s'en bat les couilles. Il en a rien à foutre, là. Non, c'est le budget. C'est quand t'as vendu. Ah, mais on l'avait déjà vendu, ça, pourtant. Ça change pas grand-chose. Allez! Allez, on est parti, là! On va avoir un match d'avance en plus sur Guingamp qui joue pas tout de suite. On joue contre Brest. Ça va être important de faire le taf là. Caen qui vient de mettre un but à Angers. Oh, c'est Védo, elle est pas bonne cette passe. Oui, coup de... Putain. Oh, je l'avais senti là. Bordeaux qui vient de mettre un but à Dijon aussi. Ça resserre. Faut que Saint-Etienne, Bordeaux perdent là. Ça ferait plaisir si Saint-Etienne et Bordeaux perdent. Ça nous mettrait très très bien. Mais là, ça passe vite et pour l'instant, pas grand chose. Mais si, 6 tirs cadrés, 66% de possession. Brest qui voit pas le jour, en vrai on les souille. En vrai on les souille. Toulouse qui vient de marquer un but. Ça remonte fort derrière nous là. Carballo, putain. Allez les gars, va falloir concrétiser là. Oui, Robaille, s'il te plaît. Oh, ça partait bien ça. J'ai fait quoi qu'on traîne match nul. Faut pas se réendormir là. Faut pas se réendormir sur des matchs nuls. Va falloir reconnaître la victoire, les 3 points là, ça va faire du bien. Parce qu'on a été quand même un peu. Oui, c'est bien ça. C'est bien lancé. Allez Michelin. Oui, deuxième poteau. Putain, Robaille. C'était dur, c'était énorme. Il reste 20 minutes au moins pour égaliser IRL. Ouais, j'ai vu. Kefra, on est bien en plus. Hein. Y a pas à dire, on les domine là, on les bouffe. Le souci, c'est que... agressif. On en veut plus. Ah, vraiment, là, c'est des gagnants. Là, c'est bien, ils sont dans le... Ils sont dans un mood gagnant, là. C'est ce qu'on aime. C'est bien, Kuhn, ça, en une touche de balle. Allez, Nelson. Allez, ça sort pour nous. Gonflé à bloc. Oh, 53 minutes. L'arseneur, c'est le bon plan. Le cop s'y calme. C'est vrai que le cop est calme, là, quand même. Je sais pas ce qui se passe. Azevedo. Oui, Azevedo. Oui. Allez, Robaille. Putain. Ah, il nous faut des buts, là, les gars. On va pas s'en sortir avec des matchs nuls, hein. Pourquoi c'est Michelin qui tient? Robaille. Oh bah, oh, Edara qui met sa frappe, la 60e minute. C'est mou. Ah, je sens qu'on va pas être dedans, là. Ah, enfin. Ah, les supporters avaient juste loupé le bus. Ils avaient pas eu l'info de l'heure du match. Titou va rentrer à la 85e, hein, si... Le truc, c'est qu'on joue déjà tellement haut, tellement offensif qu'on peut pas faire énormément de changements, quoi. 22 tirs à 1, 10 tirs cadrés à 0, putain. Ah, Kuhn n'est pas dans son match. Le truc, c'est que perso, je trouve Kuhn décevant. Bah, il nous a pas coûté grand chose, mais t'es box to box. Ouais, on peut jouer un peu plus offensif. Allez, Jean-Eudes. Ah, Jean-Eudes. La grosse menace de Jean-Eudes, là. Côté droit, Azevedo qui tente un petit bail. 71e. 75e. J'attends la 80e pour Titou. Oh, mais ça fait chier de faire rentrer Titou là. Il a 18 ans le mec. 83e. Mais là on est dans la merde là. Nelson. On peut faire rentrer personne. J'ai personne. En vrai, j'ai juste personne, là. Faut le mettre plus haut, on met Zala, mais bon, ça va pas changer grand-chose, quoi. Je peux mettre de l'attaque ici aussi, mais ça va faire beaucoup, là, après. On commence à être en galère, je vais faire ça, je pense. Avec lui. Ça va même pas être fou si je mets Cahuzac. Cahuzac, il faut en...
Ah, box to box. Titou, je vais le mettre dans ce qu'il connaît, renard des surfaces. Il est grand ou pas, Titou? 1m80, il est même pas si grand que ça. Après, il progresse bien, là. En vrai, je mettrais bien... Je mettrais bien un Souleymane Diarra. Un Souleymane Diarra un peu ballsy. Mais un Souleymane Diarra. Passe en 2-2-6. Arrête de jouer qu'avec une pointe. Mais j'ai pas deux attaquants. Enfin... C'est dur, hein, deux attaquants en Ligue 1. Allez, Titou. Oh, Thiago Mendes. Acevedo. Oh, bye. Oh, Thiago Mendes, putain. Allez, plus, là. Ah, 10 tirs cadrés à 1. On va pas le gagner, ce match. Dernière action. Allez, Yannick. Oh, c'est dans les bras du goal. 1m80 à 16 ans. Bah, en vrai, à 16 ans, je faisais à peu près ma taille, je pense. T'as à peu près fini ta croissance, quoi. Tu grattes quelques... Oui, Diarra. Côté gauche, c'est bien. Allez, Massadio. Allez, dernière action. On peut pousser encore un peu. Ah, Bordeaux qui gagne en plus. Au bail. Massadio. Oh là là, ça a arrêté. On marque plus, là. Oh, j'ai cru. Match nul. Ils ont fait un tir cadré, 38% de possession. Putain. Saint-Etienne qui a perdu. Ça fait plaisir. Bordeaux qui a gagné 2-0. Oh, putain. Agressif, hein. On rentre dans du FC agressif, là. Cinquième, ouais, parce qu'on a un match d'avance sur Guingamp, ça veut rien dire. Là, ça va être dur. On va jouer Marseille, puis on va jouer Monaco, là. Ils ont même pas cadré leur seul tir. T'es cinquième, ouais, mais bon, là, c'est... Putain, il nous reste 5 matchs. C'est les matchs à oublier. Revois ta tactique. On n'a pas grand chose. Honnêtement, on n'a pas grand chose non plus à revoir, tu vois. Non, on n'est pas loin de... But de l'ancien RL. Allez, qui a marqué? Un petit Sotoka. Qui n'en pointe. Changer un t'es cinquième, pourquoi changer, ça marche bien. Il te faut un attaquant fort, ce sera au prochain mercato, ça. C'est quand même une bonne saison. Non, c'est pas une bonne saison, les potes, c'est une excellente saison, là. Juste un peu unlucky, ça arrive, t'es quand même encore cinquième. Non, mais on est vachement bien, là. Cory Sen, le buteur. Je connais même pas, pour être honnête. Oh, Marseille. Après, Marseille, on les a battus une ou deux fois, je crois. On a fait un match... Je le connais même pas, Cory. C'est un joueur... il est quoi? Jeune défenseur. Ok. Bah, propre, putain. Passe décisive de Robaille. Mais Robaille, il est toujours impliqué. C'est genre vraiment Robaille les Bombay dans la vraie vie. C'est genre impressionnant. Nacho Lopez Gomez qui a mis un petit triplé. Le petit Nacho Lopez Gomez, là, il peut être pas mal, aussi. Hein. Mise à jour de blessure, joueur du RC Lens dans l'équipe type. Ouais, Michelin a fait un bon match, mais bon. Est-ce qu'on met Kin en pointe? Regarde qui est ce magnifique Baye, je l'ai pas vu dans la base de données. Il doit être jeune. Dommage qu'il joue en 10, le Nacho. Faut que Lille gagne. Si Lille gagne, on est bien. Ça ferait très plaisir que Lille gagne. Oh, Guingamp qui gagne. Oh là là, ils avaient égalisé en plus. Eh mais Lyon, c'est vraiment à l'arrêt, quoi. Et là, on a 2 points d'avance quand même, toujours. 2 points d'avance sur Saint-Etienne-Bordeaux, 3 sur Toulouse. Reims qui commence à être un peu distancé. Mais Reims qui a un match de retard, donc ils peuvent revenir au train des 48. Et Guingamp qui nous lâche un peu à 54. C'est compliqué, surtout qu'on va jouer contre Marseille. Marseille au Vélodrome, va falloir essayer d'aller accrocher le nul. Hein. Hello Domi, alors ces petites vagues, très cool, mon design. Ça va être complexe. Moussa Baro, c'était pas un mec de... Ah, ça vaut cher déjà pour moi, ça. Ça vaut déjà cher. Hein. On peut leur proposer un petit contrat, mais voilà, un petit contrat.
Voilà, c'est bien Nacho. Et lui, Mathieu Colo, là. Mathieu Colo, là, ça c'est les gars, ailier défensif. Le gars rentre dans aucun dispositif. On va quand même le signer, on pourra peut-être le vendre à Paname ou un truc comme ça. C'est bien, il nous fait pas chier en plus. Ok, Aslo. Du FM, quel plaisir, j'ai acheté le jeu il y a 2 semaines, je suis à 40 heures de jeu. Ah ouais, c'est addictif, hein. Faut avoir du temps. Faut vraiment avoir du temps. Le problème de FM, c'est qu'il faut jouer 10 saisons pour pouvoir profiter des pépites. Ouais, les pépites qui ont 15-16 ans, c'est chaud, honnêtement. Sauf certaines qui explosent à 18-19, mais sinon, si elle a besoin d'attendre 23... C'est pour ça que parfois, là, j'ai réussi à vendre 4 millions petites pépites. Tu finis la saison? Ouais, on vend la saison. T'as vendu un jeune de 15 ans pour 4 millions en décembre à Paname, d'où le budget en plus. Ouais, ouais, ça explique, mais c'est pas que. Je pense qu'ils nous ont filé le budget aussi de l'an prochain. Un. Pourquoi un? Qu'est-ce que un? Il arrivait du Sénégal, c'était dans le groupe de Pro D2, de ce que j'ai lu. Ok, d'accord. Bah là, Lens, ils ont du budget, hein, j'ai vu dans la vraie vie. Enfin, dans nous aussi, là, mais... je crois que Lens a le plus gros budget de Ligue 2. Et je crois qu'ils ont plus que, genre, le top 3 du bas de Ligue 1. Si je dis pas de conneries, de ce que j'ai vu. Bon, Titou, on va le renvoyer en U19. Mais il progresse bien, Titou, c'est bien, hein. Dribble, il a bien monté, là. Dribble, il a combien, là? Il était à 12. Il est à 12-8. C'est pas non plus fou, hein. Finition, un peu, là. 13. 13-8. Ah, Titou, charbonne plus, hein. Il prend un peu en vitesse. Ils ont plus que le dernier de Ligue 1. Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Une musique? Nous, à Nîmes, en finissant en 9e, la saison passée en Ligue 1, on a 27 millions. Ouais, je crois que Lens a 35, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est toujours... Mais tout part dans la galette, le centre de formation. Après, on est comme ça, les Tito. Donnons le budget de l'an prochain après la fin de la Ligue 1. Ouais, je sais, mais je sais pas pourquoi, du coup, on a eu ça. Bon, c'est jour de match. La plus grosse hors PSG cette dernière année, c'est Saint-Etienne, ils ont 110 millions. Ouais, y a quelqu'un qui a repris derrière ou pas du tout, juste... Bon, alors les matchs en face. Saint-Etienne contre Nantes, Toulouse contre Brest. Pas plaisir, ça. Guingamp contre Caen. Pas plaisant. C'est pas des matchs... J'avais jamais suivi FM, j'ai vraiment accroché quand je suis venu sur ton live. Bah écoute, bienvenue mon pote. En ce moment, c'est l'addiction, là. Peut-être les box-to-box, faudrait que je change un peu. Après, là, on leur crée quand même du jeu. On a Keane là qui peut jouer. Est-ce qu'on se met un Moïse en pointe? Je peux être chaud de faire ça. Hein. On n'a pas beaucoup d'autres choix quoi. Grâce à Roger Pablito, je t'ai découvert un plaisir de suivre tes streams. Bah bienvenue aussi mon ami. C'est chaud de les mettre meneurs de jeu avancés, on a déjà un meneur de jeu retrait, on est pas mal, hein. En vrai, on a des actions, on a des offensives, juste... Ça peut être technique, quoi. On va voir avec Moïse, et surtout ton MJR en def. Bah, pour moi, ça, on crée plus de jeux depuis qu'il est en soutien. Je vise quoi, le top 3? Non, je viens de gagner la Ligue 2, et là, la saison, là, je suis directement 6ème. Donc là, si on arrive à être 6ème, c'est incroyable, ça ferait que la saison prochaine, on sera en Coupe d'Europe, et on pourrait espérer de viser une Ligue des Champions. Tu vois, donc ouais, non, c'est déjà, faut bien capter que c'est déjà très très bien là, ce qu'on est en train de faire. Bon, allez. Allez, on y va, les potes. Ah, je montrerai après le classement Ligue 2. Ouais, ils nous mettent les titulaires. Ils nous mettent full titulaire. Et un mec de la réserve qui vaut absolument rien. Ils sont tous blessés ou quoi ils sont allés le chercher en réserve? Attends, est-ce qu'ils ont des latéraux blessés, là? À gauche, pas qualifié. À ma vie, ils l'ont prêté? Ils l'ont prêté à Malaga? C'était pas dégueu, pourtant. À Sakai qui est blessé? Ah ouais, ils ont tout le monde qui est blessé, donc ils sont allés me chercher un petit gars de la réserve. C'est qui, Cuenca?
C'est un jeune qui était à Barcelone, ok, qui est prêté. Rami, ça y est, ils ont réussi à s'en débarrasser, là. J'ai vu que ça va au tribunal, là. Bon, Roba, il faut qu'il percute, hein, sur Ali Mohamed, là. Après, deux attaquants comme ça... Allez, les gars, montrez de quoi vous êtes capables. Arrête d'hocher de la tête, Steven, j'en peux plus, hein. C'est depuis qu'on le fait jouer, hein. Depuis qu'on le fait jouer, c'est la merde. Je vais remettre Tonelli, hein. Allez, assuré. Montre-moi ce dont t'es capable, s'il vous plaît, les gars, là. Au moins un match nul. Au moins un match nul, on a besoin d'un match nul. Fifi Player, merci pour le 8e mois. Allez, les gars, allez, 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 là. C'est un match important, là. C'est un match très important contre Marseille. On est en mini-résumé, c'est parfait. On l'a déjà fait, on l'a... Oulala, oulala. Oulala, on a senti une pression. On l'a déjà fait contre Marseille. On peut le refaire. Ça commence plutôt pas mal avec Thiago Mendes. Thiago Mendes pour Rivero. Rivero, dommage, sur Mandanda directement. C'est dans les mains. Mais c'est bien, on veut voir du jeu, ça continue. Ça continue pour Aïdara. Aïdara Moïskine, Robay. Robay pour Aoulou. Aoulou qui a mis une grosse mine. On la connaît cette minasse. On la connaît. Mais Titou, il t'avait pas full manqué de respect. Il avait pas été hyper respectueux. Il est vrai. Allez, mon Brian. Oui, 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 oui. Oh putain, Mandanda. Saint-Etienne qui vient d'égaliser. Ça fait pas plaisir, allez, Robay. Oh non, en plus c'est une contre-attaque. Ok, c'est bon. Toulouse qui vient de marquer aussi. Tous nos concurrents sont en train de mettre des buts. Hein. C'est pas la folie, ça. Après, on doit être mieux au milieu de terrain, parce qu'ils ont beaucoup de... Oh, le tacle est beau. Allez, Nelson. Allez, Nelson. Oh, mais c'est quoi, Nelson, cette poussée de balle, là? Ils ont deux pointes, hein. Donc ça peut être chaud défensivement. On va suivre ça. Salut, Longy. Merci pour le 27e mois. Allez, Thiago Mendes, là, directement côté gauche avec Rivero, Aïdara, Robay. On repique Mendes, Saoulou, Mendes. Le jeu en triangle, il est bon. Ça lance Azevedo. Azevedo en profondeur. Oh, Robay! Oui, mon Gaëtan! C'est ça qu'on veut voir! Oh, sur le caviar d'Azevedo, pied gauche! Oh, c'est beau ça, Adriox. Bienvenue à toi, merci pour le prime. Azevedo, il était même pas parti. Il avait pas fait l'appel, que Rivero l'avait déjà lancé, deuxième poteau. Grosse erreur de Ali Mohamed, on en avait parlé. Jeune joueur de la réserve ici qui fait l'erreur de marquage sur Robay. Et ça permet à Lens d'ouvrir le score. But 2-1. Lens aussi a marqué dans la vraie vie 2-1. Pas là 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 là. C'est qui a marqué? Merde, Jimmy, pause. C'est beau ça. Oh, putain, Flotov. Robay. Robay dans la vraie vie? Non. Ouf, on se fait manger là. Non, c'est Banza, c'est Simon. Ok. C'est but. C'est but, là. Ça, clairement, deuxième poteau, c'est but, hein. Ça, clairement, c'est but. Ouais, lancé comme ça, là. Allez, montrez que vous avez du caractère. Frustré. Il vient de prendre un but. Brest qui égalise. Yes, allez, l'OM. Oui, allez, l'OM. Oh, putain, les Marseillais, là. Aoulou. Aoulou pour Keane. Oui, oui, mon Nelson. Dommage. C'était bien vu. C'était bien vu. Il devait être deux défenseurs. C'est bien, là. C'est bien. Robay encore une fois. Thiago Mendes qui a failli couper. Moïse qui va la reprendre, 40e minute. Je viens de perdre 100 euros sur Betclic à cause d'un but à la 97e, un vrai plaisir. Ah, faut pas parier contre... Oh, Guingamp qui perd contre Caen, c'est bon ça. Faut pas parier contre Lens, c'est un poteau. Je te le dis, hein, j'ai mis un veto de... Oui. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Mandanda, gros? Il fait pas ça en vrai, hein. Putain, on aurait pu les clouer là. Un match nul, c'est bien pour toi. Match nul contre Marseille, honnêtement, ça me va très bien à l'extérieur. Bordeaux qui vient de mettre un but. Hop, on se rapproche du 1 an. Cool ton retour sur Twitch. Bon, après, j'étais juste parti 12 jours en vacances. Hein. Mais... Allez, les gars. Continuez sur ce rythme. Il hoche tout le temps de la tête, Steven. J'en peux plus. Hein. Voilà, il faut lui parler agressivement, lui. T'es capable de mieux, toi. Mets un but. Mets un but. Stop les Moïse. Je t'ai parlé au creux de l'oreille. Normalement, quand je te parle au creux de l'oreille, tu mets toujours un but. Oh, Rami, là. Petite reprise. Oh, Flotov, il va faire mal. Calmé. Il s'est fait calmer par Joao Silva. Après, Bordeaux, ils sont juste égalité avec nous, du coup, même malgré leur victoire. Et c'est si on fait match nul, ça. Ça va pas être facile de tenir. Oh, Farinhas qui s'envole, c'est bon ça. Allez les gars, allez, 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 allez là. Aoulou qui repousse. Tovin qui va reprendre. Cuenca, Rami.
Oh là là, ça sent pas bon. C'est bien, Michelin, c'est bien, du caractère, mon pote. On a la possession, on a plus de tirs cadrés. Hein. Oh non, 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 non. Oh, ça passe pas loin à chaque fois. Parce qu'il y a un petit changement à faire. Il n'y a pas vraiment de changement à faire. Hein. Peut-être un Kun à rentrer à un moment, mais... À la 65e pour Kun. Hein. 65-70, je pense. Hein. Un 20 minutes quand les défenseurs commencent un peu à fatiguer. Voilà, Moïse, il a encore de quoi faire. Il a encore du jus, Moïse. Allez, Moïse. Ah, putain, le centre est nul. Hein. Oh là là, on le contrôle est bon. Oh, Mayoral, il est trop fort. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hein. J'hésite à me mettre en positif. Hein. C'est bien, Aïdara. Allez, direct, direct, on percute. Allez, Brian. Elson. Oh, tu te chauffes, frérot, tu te chauffes. Toulouse qui vient de marquer. Toulouse qui va remonter aussi. Je crois qu'il y a Saint-Etienne qui a mis des buts aussi. Allez, Robaye. Percute. Long ballon, c'était hors jeu. C'est récupéré par Nelson. Allez, ça joue, les gars. Allez, du jeu. Thiago Mendes, ton ballon sur Robaye. Ah, il est pas mauvais, là, le réserve, au final, hein, le réserviste. Quoique, un peu de pression. Un appel de Germain, quoi. C'est bien, Massadio, c'est bien, ça. Allez, allez, Moïse. Allez, Moïse. Oh, putain, mais Mandanda. Pas de création dans les 30 derniers mètres. On en manque un peu. Après, on est un promu, hein, les potes. Hein. On est un promu. On va faire entrer Kun. T'as, il est nerveux, le Michelin, là. T'as rien à changer, c'est Mandanda qui fait son match. On est bien, après 8 tirs cadrés, honnêtement, on fait un gros match. Hein. On fait vraiment un gros match. Hein. Juste, il y a un moment aussi, tu vois, où... C'est pas les mêmes joueurs, quoi. Guingamp qui prend 2-0, c'est très bon, ça. Il nous faudrait une victoire, nous. On peut essayer de concentrer un peu le jeu sur la gauche, quoi. Pour essayer de faire craquer le réserviste, là. Ça peut être potentiellement leur faille. Je pourrais faire rentrer un petit Souleymane Diarra à la place d'Aolou. C'est chaud de le mettre Metzala. Hein. On joue quand même contre l'OM à l'extérieur. Non, on joue contre l'OM à l'extérieur. Déjà, on va essayer de jouer à gauche. Jaune pour Thiago Mendes. Ah, j'ai peur de la clim, là. J'ai peur de la clim. Pff, c'est bien, Farinhez. Oh, t'as beaucoup taillé, mais c'est bien quand même. Tu mets dernier match de Ligue 1, c'est avant la saison prochaine, pas de fin de FM. Non, 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 c'est avant la fin de saison, quoi. Ouh là là, ouh là là. Oh, ça pouvait, là, Robaye. Hein. Strootman qui sort. Soyez créatif. Après, soyez créatif, ça peut faire des erreurs. T'es gauche, Chanson. Ouh là là. Oh putain. Oh, j'ai eu peur. Hein. Oh, j'ai eu peur de ouf. C'est compliqué. Il n'y a pas grand-chose là non plus à faire. On va mettre un Diarra à la place d'Azevedo. Faire de donner un peu de peps. Et un... Allez, on va jouer comme ça avec un Cahuzac. Oh là là, ça va être compliqué, ça. Fortes qui la prend. Ça communique mal dans la défense. Attention à Maxime Lopez. C'est au-dessus. Reims qui est en train de mener 2-0. Il reste 5 minutes à jouer. Je pense qu'on fait un peu tourner. Je pense qu'on va faire un peu tourner. On va leur mettre rythme un peu calme. Ah ouais, parce que là, on se fait pousser. Hein. Là, on se fait pousser sévèrement. C'est bien, ça repousse. 5 minutes à tenir. On pourra peut-être faire... Non, j'ai fait les deux changements. C'est bien Farinhez. Farinhez qui prend en confiance quand même. Il n'y a pas à dire. Hein. Par rapport au début de saison, attention à ne pas prendre trop en confiance. Hein. Oui, Robaye. Ah, mais il est chaud le réserviste, là. Il est sur cette naze. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Il prend en confiance, il prend en confiance. C'est chaud quand même. Hein. Allez, Robaye. Sur une arnaque. Oh, sur une arnaque. Sur une arnaque. C'est Steven Fortes qui est venu mettre une cigare reprise. Oh, l'arnaque du siècle! Oh, elle est là! Oh, elle est là, l'arnaque du siècle! Oh, on met un gigabus. Gigabus.
Ah, Gigabus. Allez, mon coup. Gratte du temps, gratte du temps. C'est bien, un petit corner. 92e. Comme d'hab, quand on y croit, bah l'OM perd. C'est pas encore fini. Hein. Qu'on se prenne pas une clim, là, sur un centre. C'est bien, Michelin. Michelin qui a fait l'effort. Hein, parce qu'on était battu. De quoi? Non. Y'a Péno? Oh, y'a Péno. Oh, l'enculé, il l'a poussé dans la surface à la 94e. Oh, Farignès, c'est le moment ou jamais. Oh, mais c'est incroyable. Mais ça, j'ai jamais vu ça. C'est quoi ce truc, là? Oh, Farignès. C'est ouf. La clim réversible. Oh là là. Oh, les 3 points, c'est tellement de bien. Oh, vas-y. Bon, c'est déjà très bien. Ah, mais quand on a vu ce qui pouvait se passer, là, il y avait tellement mieux à faire. Toulouse, finalement, qui a gagné. Oh là 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 là, c'est dur. Guingamp qui a pris beat. Dijon est pas très loin, ils sont à 6 points. Guingamp est à 2 points. Ah, mais Toulouse est à 1 point, quoi. Saint-Etienne a fait nul, c'est bien. Bordeaux, ils ont fait quoi? Je vois pas Bordeaux. Ils ont fait match nul contre Rennes. Bon, c'est quand même bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On prend des points. Il faut aussi les saucer. Hein. Ah là là, le péno à la 95e, quoi. Non, mais ça, c'est vraiment... c'est honteux. From Hero to Zero, Steven Fortes. Ça chante quand même. Transfert définitif en vue de Sotoka. Ayant disputé le dernier match, il ne manque que 3 rencontres pour atteindre les 15 apparitions. Et ensuite être vendu. C'est bien, mon Sotoka. On pourra gratter 650 000 sur toi. Je suis fier de toi, mon frérot. Titou qui met un triplé. Et Koba qui met un double but. Ça va, vous? Vous mettez souvent des doubles buts, vous? Oh là là, ça va être pression, les derniers matchs. Hein. Ça va vraiment être pression. Hein. Super de pouvoir espérer une qualification continentale. Il nous faut un résultat chez nous. Ah bah là... Limite de carton, carton atteinte. Jean-Charles qui met un triplé. Il nous reste 4 matchs, les gars. Il nous reste 4 matchs. Pff, c'est chaud, hein. C'est très, très chaud. Ah oui, Ligue 2, vous m'avez demandé, pardon. Il y a qui en Ligue 2? Il y a Strasbourg. Troisième de Ligue 2. Oh, le patou. Lorient, qui est déjà assuré d'être barragiste. Lorient qui va monter, normalement. Nancy, Strasbourg, Clermont, Grenoble, Amiens. Peut-être Nîmes, c'est chaud, hein, ça va jusqu'à Paris FC. Là, honnêtement, entre 54 points et 49 points, c'est jusqu'au 12e. Hein. Il y a beaucoup de gens. Hein. Oh, BRK, 41 mois, merci beaucoup, mon BRK. Bon, Juju. Bon, il nous reste 4 matchs, nous. 4 matchs, donc. Oh, là, c'est le match clé contre... Là, c'est clairement le match clé contre Saint-Etienne. C'est clairement le match clé contre Saint-Etienne, parce que si on perd contre... Et en plus, on est à domicile. Hein. Oh, là, il faut le feu à Bollard, hein. Là, c'est le match à 6 points, là. On a un point d'avance ici. Il nous reste quoi comme gros match, après? Monaco. Monaco, ça va être chiant. Metz et Nice. Ils ont quoi comme calendrier, les autres, là? Ils ont pas du Paname? Marseille, c'est bien. Guingamp. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont se manger des points. Soit Guingamp, soit Saint-Té. Ça, c'est bien. Allez, dis-moi que t'as Paris, toi. Ils ont Marseille aussi, c'est bien, ça. Hein. C'est pas mal, hein. C'est contre qui d'autre? Dijon, aussi? Même si c'est pas nos concurrents directs. Oh! Dijon, ils vont pas mettre beaucoup de points. Hein. Ils jouent Monaco, Lyon, Paris et Caen. Et ils ont combien de points, Dijon? Dijon, ils ont 58. Je suis à 6.2. Hein. Et il reste 12 points. Il y a 12 points à jouer, là. Monte Toulouse un peu. Calendrier, ils vont avoir un calendrier tranquille. Bordeaux, donc c'est bien. Ça va jouer les uns contre les autres. Brest, Caen, Lille, Toulouse. C'est assez tranquille, hein. Il y a moyen de moyenner quand même, ouais. Bon. Nous, on a quoi? On a 3 matchs à domicile. Hein. Nous, va falloir montrer ce que c'est que la maison. Hein. Lens a gagné. Oh, le petit but à la 96e, là. Nacho Lopez. C'est bien, ça. C'est du talent pour plus tard. Road to Dijon. Dijon qui pourrait craquer.
voir les effectifs des clubs relégués espagnols, FR, italiens. Et bon, il y a des bons transferts à faire. Ouais, ouais, j'imagine. J'imagine, on verra. D'ailleurs, je vois pas de quoi tu parles. Chèque tout court et petite blessure. Regarde Fabio Silva, c'est une pépite. Ouais, on sait les potes. Bon. Ils sont mécontents, bah, comme d'hab. João Silva, c'est vraiment une bonne recrue. Hein. 500 000, toi, ça, c'est les recrues efficaces. Lorenzo Tonelli aussi, on a mis une petite offre d'achat, non? À combien? 4 millions? Ah, mais il y a mieux pour 4 millions. Kenny Tété blessé un jour. Ça va, c'est un sprint. C'est quoi ça, Liga Conforama? Bon, il n'y a pas grand monde qui nous intéresse, là. Dans cette rencontre. Marseille qui cale un peu en faisant match nul. À Angers, ça va être chaud de se sauver. Hein. Putain, Metz. Donc, toutes les saisons, c'est là. Pourquoi pas, Juju, ouais. C'est des quoi? Ils jouent quoi? Tu peux avoir une place européenne grâce aux coupes s'ils sont déjà européens en classement L1. Lyon qui peut remonter sur l'OM, là, c'est cool. Ah, Lyon, ils ont 12 matchs nuls. Putain, moi, j'ai 13 matchs nuls. Hein. Ça sent vraiment le promu qui allait arracher du match. Hein. Blessure à l'entraînement pour Cazerie. C'est parfait, ça. 2 semaines. Il n'y aura pas Cazerie. Qui fait une bonne saison. Pas une saison incroyable, mais une bonne saison. T'as pas un buteur à conseiller autour de 500K. Kuhn. Une saison, c'est combien de temps sur FM? Ça dépend. Tu peux prendre plus ou moins de temps, quoi. Faut aller chercher la 4e place. Alors là, gros, c'est qualification européenne. Hein. Ensuite, je t'avoue qu'on n'est pas là pour... Si déjà on chope ça, c'est héroïque. Hein. João Silva qui continue à toujours bien s'entraîner. Y a pas à dire, hein. Il est présent. Nelson aussi, hein, qui bosse à l'entraînement. Ouais, Berka, il a le droit de me donner des noms. Est-ce que c'est Juju? Ah ouais, ils sont... Ah, ils ont été achetés direct 2,8 millions par City. Mais j'avoue que le Ivan Gomez, il fait plaisir. Hein. Il a une grosse frappe. Il est quand même assez grand. Il va vite. Il est solide. Bonne vision de jeu, bon volume. Bonne qualité de passe, contrôle de balle. Présent même à la finition, passe. Ah ouais, c'est le Segundo Volante parfait, quoi. Et Roberton. Boca Junior. Pas mal aussi, hein. On va demander un petit rapport. Pas mal aussi, ouais. Après, je joue pas avec un 10, donc... Ça peut être un peu chaud, mais... Bon, allez, c'est le match contre... Il est en prêt, ouais, mais il est à City et il a été prêté, là. Mais City a déjà mis la main dessus, quoi. Pff, allez, on y va. Sainté nous avait déjà battu une fois. Ils ont un titulaire, leur latéral droit, qui joue pas. Et André Giroto qui joue pas non plus. Nous, on n'a pas Rivero ni Mendes. Oh! Mais comment on va faire cette équipe? Comment on... Ça fait beaucoup de mecs absents, là, quand même. Hein. Doucouré, il va être léger, là, hein, quand même. Hein. Oh là là. Ah, ça va être technique, là, je sens. Connais, il a du mal à faire des grosses perfs, quoi. On peut foutre un Cahuzac comme ça. Et limite, foutre un Diarra. Foutre un Diarra, on est à la maison. Hein. On est à la maison, on le fout en mezzala. Un peu de folie. Un peu de folie dans notre jeu. Allez, un peu de folie. C'est bon, un peu de folie. C'est bon, c'est décidé. Il y aura un peu de folie. Je peux mettre peut-être un petit Koba, le faire monter de réserve, le Koba. Pour ce match, indisponible. Un petit Koba qui avait pas été mauvais. C'est pas mieux de mettre au moins un milieu avec une tâche attaque. Pff, bah là, comme il est milieu récupérateur, limite, mais j'aurais peut-être dû mettre... Il remarque Keane. Keane remarque pas vraiment. Mais bon, on est un peu... Hey, Jean-Eudes, il nous fait pas des gros matchs, hein. Jean-Eudes, il a du mal à...
Il a du mal à se lâcher, hein, le Jean Eudin. Pas ce qu'il nous fait, là, le con. Puis qu'il a signé à Saint-Étienne, ça. Il y a moyen de mettre Koba numéro 7. Mais non, t'es toujours là, toi, Clément. Messieurs, dames, on va commencer par l'hymne de ce stream. Une chanson qui est plus chantée à Bollard. Et pourtant, qu'est-ce qu'on l'aime. Allez, Lens, allez. Je viens de revenir, c'est mort pour l'Europa, c'est pas encore mort, il nous reste 4 matchs. 4 matchs, et pour l'instant, on est 6ème et on joue contre Saint-Etienne qui a 2 points de retard sur nous. Attends, qu'on vérifie bien, il y a Cahuzac, j'ai qui? J'ai Tarte au pire, j'ai aucun créateur de jeu dans mes milieux. Merlin, je peux le descendre en fait, depuis le début, hein, je le bloque. Ça va être technique, pire, je peux même faire entrer Tonelli, hein. Ah, il est léger en passe quand même, hein. Non, milieu récupérateur. Hein. Exprimez-vous davantage, peut créer des buts. Ouais, mais ça peut aussi créer des faiblesses, tu vois. Allez, on est parti. 4 matchs. 4 matchs avant la fin. Il n'y a pas Kazri. Il leur manque un titulaire, je crois qu'ils doivent faire jouer Djoussé. On est à Bollard. Allez les gars, je sais pas quoi vous dire. On n'a pas oublié ce qui s'est passé la dernière fois contre Saint-Etienne. Je ne veux pas perdre contre Saint-Etienne. Comme si on était contre Lille, les gars. Pour des raisons très personnelles. En tout cas, les gens sont là déjà à Bollard. Et on est parti. On est parti pour un match très important, un match clé sur cette fin de saison. Et déjà Robay côté gauche qui vient attaquer. Sur la qualification, ce sera très difficile pour ton équipe. Ah, mais c'est pas grave, on est là pour faire des défis, nous. C'est bien, Jean-Eude. C'est bien, mon Jean-Eude, allez. C'est bien, ça, Massadio. Allez, dessus, dessus, ça, on doit les récupérer, ces ballons, les gars. Le pressing est bon. Super. Allez, Yannick, directement pour Robay. Allez, ça envoie devant. Ça envoie des longs ballons, quand même. Hein. Oh là là, oh là là. Oh, le Ruffier, là, il a failli paniquer. Cahuzac, Aoulou. Aoulou qui va lancer Aïdara. Aïdara s'est contré finalement à Oulu. Diarra, des grosses frappes. Pff, il nous en a mis un. Hein. Il nous en a mis des grosses frappes. Hein. On sait qu'il est capable de faire la diff. Ah, ça fait peur ce match, putain. C'est bien, Aïdara, super. Oui, Moïse. Allez, Moïse. Pff, le tacle était limite hein, quand même, mais bon, ça touche. Oh, yes, il y a la barre. Petit péno. S'il te plaît, on s'est fait douiller la dernière fois. Siffle un péno. Même s'il y a erreur, on se défendra après sur Twitter, c'est pas grave. Il n'y avait pas faute. Oh, quelle douille, putain. On prend des pénaux à la 96e contre Marseille. Allez. Oh, putain, on se la fait voler, cette balle. On se la fait voler, là. Oh, je suis en stress. Hein. Encore, c'est qui, Godos, là? Je ne connais pas ce Godos, là. En coupe, tu as fait quoi? Je sais même plus, gros. On a dû se faire sortir salement. On est en mode, on a voulu jouer le championnat. On peut pas tout jouer. Et bien ce petit piqué là pour Aïdara. Ça dégage difficilement et c'est récupéré par Michelin. Oh, Michelin qui est un peu cafouillé là. C'est pas grave, on revient. Oh, le tacle à deux, ça passe. Allez, Farinès pour Aoulou. Aoulou qui va remonter le ballon. Aoulou qui s'enflamme un peu en solo. Aoulou ! C'est ça mon Moïse ! Oh, Jean-Eude qui est parti solo côté gauche là, qui la reprend aux 40 mètres. Il commence à déborder, on pensait qu'il allait la donner à Robay et finalement non, il continue, il prolonge du pied gauche, il voit Moïse et le petit bout du pied qui vient tromper Ruffier. 1-0 pour Lens. Merci David Villa pour le 6e mois. C'est bon ça, c'est bon. Attention à pas se faire. C'est bon, c'est une sortie de but. À pas se faire clim. Pas de clim. Il est où Kun? Kun il est sur le banc là, il fait une petite pause là. Monaco qui met 2-0, mais on s'en fout, c'est pas pour nous ça. Allez, Souleymane Diarra, Azevedo à Oulu. À Oulu, Robay. Oh, Robay, elle était bien cette frappe aussi. Hein. Elle était bien. Hein. On leur met la presse là. Ah, toujours les corners premier poteau, ça paye jamais. Hein. Oula, Cahuzac. Oh, c'était sûr, gros, c'était sûr, Yannick. C'est bien, Michelin. Michelin, il a pris en confiance, c'est incroyable. Hein.
Il faisait que des erreurs et tout, de placement, de tout. Et là, je sais pas, il est dedans, quoi. Ah, Oulu, IRL, il joue à Saint-Étienne, ouais, je sais, il a marqué. Hein. Le bon Jean-Eudes. Voilà ce qu'il leur fait maintenant! C'est ça, mon Jean-Eudes! Putain! Ah, le Jean-Eudes! Ah, le Jean-Eudes! Oh, il est MVP, le Jean-Eudes! Ah, le Jean-Eudes, j'ai envie de lui faire ça au joue, là. Tiens, on le bien, mon Jean-Eudes. Elle est belle, cette frappe, là. 150 frappes tentées cette saison. Faut bien que ça paye, hein. C'est bien, on les domine, là, les Stéphanois. Oui, Robaille. Oui, mon Robaille! C'est une sauce qu'on vous met! Et Azevegol. Oh, c'est bon, ça. Michelin monstrueux. Non, mais tout le monde, là. Oh, le Azevegol qui nous fait plaise. Robaille, là, qui réajuste les Azevedo. Petit extérieur du droit. Meilleur recrue. Ah, on a quand même Rivero aussi. Bon, là, qui joue pas, mais... Oh, putain, c'est bon, ça. C'est bon, c'est bon. On est à 55 points. Saint-Etienne dans la sauce. On leur met 5 points d'écart et on sera à 3 rencontres. Guingamp qui est en train de perdre. Guingamp qui est en train de perdre contre Montpellier. Ça se profile bien. Deux tirs. Les gars, on continue comme ça, là. Allez, véhément. Très content, on continue. On bouge pas. Même intensité. On n'est pas là pour mettre un bus. On continue à jouer. On est à Bollard. Tu lui sèches. Tu lui sèches sa race. Rien à foutre. C'est bien. C'est bien, mon Clément. Ça, c'est mon Clément, ça. Allez, Racing, allez. Oula, aucun rythme. Attention au karma. Sur une chanson chantée comme ça... Putain, le Yanou, il a 7, hein. Tout le monde fait son match, là. Les stats de Robaille et SDV2 doivent être bonnes, mine de rien, sur la saison. Bah, ça va, ouais. Robaille, de ouf, ouais. Ah, et à Oulu, ouais. Ah, on est 5e, hein. Toulouse qui perd aussi. Ça sent bon, ça sent bon. Ah, Bordeaux qui gagne, par contre. Bordeaux, 53 points. Un petit changement, on va changer Jean-Eudes. Jean-Eudes, on va mettre un Koba. Et je vais mettre un chèque de Couré. Et du coup, on va inverser. On va mettre comme ça. Comme... Merde. Et on va mettre Koba en soutien. Metzala. Ça, c'est bien. Ça fait un peu tourner l'équipe en plus. Et je vais mettre un petit Koun pour lui faire garder la forme. Parce qu'il va avoir... Il va avoir besoin de bien jouer les trois derniers matchs derrière. On va avoir besoin de tout le monde, là. Allez, Cahuzac pour Koun, c'est bien, ça joue vite. Azevedo qui est rentré. Finalement, ça a été contré. Nouveau corner, 3-0 pour Lens. Accélère le temps. Oh, c'est Koba qui tire. C'est beau, ça. Oui, bon, Idara, les tacles à tout moment. C'est bien, Michelin, mais c'est incroyable. Il a une maturité, le gars. Oui, Koun. Oh, Azevedo, il est passé à côté. Péno. C'est Koun qui tire pour la confiance. Oh, c'est magnifique. On n'aurait pas pu rêver mieux, là. C'est bien, mon Koun. C'est un 4-0. Il va nous rester deux matchs après à Bollard, hein. Ah, j'avais pas compris, quoi. J'étais en mode merde, qu'est-ce qui s'était passé? Ouais, un petit plat du pied à droite. En vrai, le Diarra en milieu centre plus offensif a bien marché. Ouais, je pense qu'il a fait du bien, hein. Après, peut-être un peu plus... Oula. Peut-être un peu... Ça va? C'est bon. Peut-être un peu plus décisif, tu sais. Fallait faire tirer Koba. Non, c'est mieux pour... Ok. Étonnant, ce centre frappe contrée. On va chercher la 5e place. Ah, mec, là, enfin la 4e. Je t'assure que moi, je suis vraiment en mode qualification. Une villa, attention à la frappe. Après, on est à 4-0. C'est bien. Ça défend bien. Ça met une pression. Allez, Gaëtan qui lance Koun. Oui, Koun. Oh, dommage. Oh, j'aurais aimé quand même un petit doublé de Koun. Ça m'aurait fait plaisir. Koba directement dans les bras du gardien. Plus de box-to-box et tu mets 4-0 bizarrement. Ouais, mais j'ai un milieu récupérateur. On a aucun... C'est pas pareil. Je passe de un meneur de jeu en retrait, soutien, donc qui crée du jeu quand même devant, à... Et deux box-to-box, à un milieu récupérateur et un mec plus devant. Donc moins de création de jeu, plus de responsabilité individuelle, un peu plus devant, mais on peut pas comparer. C'est comme si je dis, bah, y a Diarra sur ce match, on met 4-0. Oh, Lille qui allait gratter un petit... Et 29 tirs, 18 cadrés. Non mais à domicile, on est imprenable. Ça s'est passé comment? Guingamp qui a perdu, c'est parfait. Metz qui a réussi à faire match nul. Contre Paris. C'est incroyable, ça, c'est héroïque. Dijon a fait quoi? C'est bon, Dijon. Toulouse qui a perdu, c'est fantastique. Bordeaux qui a gagné quand même, ça c'est un peu chiant.
Monaco qui a mis 4-0, 4-1 pardon, à Dijon. Mais attends, on peut peut-être aller chercher même Dijon. Hein. On va tous les chercher là. Là, c'est du véhément. Ça, c'est du véhément. Le live est commencé depuis quand? Oh, depuis 20h. Farinès, tu lui fais confiance? Bien sûr. Aolou apporte toute sa classe. Non, mais Jean-Eudes. Jean-Eudes, honnêtement, je sais même plus comment on l'a recruté, Jean-Eudes. Bon, Jean-Eudes, il est un peu fatigué niveau entraînement, mais c'est normal, il donne beaucoup à côté. 3,4 millions, 3,5 millions on l'a recruté. Et il nous fait une saison de feu de dieu. Le MJR, c'est pour la relation def-attaque, alors que le Mezzala, c'est les 30 derniers mètres. Pas faux ce que tu me dis. Bah, je pourrais peut-être mettre Rivero en. Je sais pas. Je pense que tu reviens sur le PSG tranquille. Ah non, mais là déjà, les gars, il nous reste 3 matchs. Hein. FC véhément. Toujours. Ah, Lyodzik perd son sang-froid. Aïe, 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 après le 4-0, tu m'étonnes. Là, c'est l'Europa League qui s'envole, les Stéphanois. Ah là, 10e, tout d'un coup, 50 points. 4 points de la qualif, c'est chaud. Hein. Mais c'est pas gagné. Hein. On est qu'à 4 points de Toulouse et Caen. Et surtout, il y a Bordeaux. Il y a Bordeaux à 2 points. Donc faut faire vraiment gaffe. Surtout quand on joue Monaco, là. Monaco à l'extérieur. Rapport d'entraînement, ouais, c'est bien, Azevedo, je vais t'encourager. C'est bien, mon Nelson. Nelson, 1,9 million maintenant, hein, recruté libre. On le build. Hein. Michelin a pris en maturité. Tu finis les 3 matchs ce soir. Bah ouais, la poteau. Là, on fait tout, là. C'est là que tu peux changer le titre. Lance 2-1 contre 3. Lance, ça perd pas. Hein. Depuis que je les ai pris sur FM, dans le vrai foot, ça perd pas. Si jamais vous voulez que je passe à Marseille, vous me dites, les gars. Je vous laisse un peu de temps. Alors, il nous reste quoi, là? Il y a un match. Décourager les frappes de loin, ok. Oui, c'est vrai, si Joao Silva, tu peux éviter. Mais en même temps, il va pas s'entraîner pour... C'est vraiment un truc qui se fait, ça? Ne frappe pas de loin. Non. C'est des séquences où le mec, du coup, il est à 30 mètres, tu lui fais une passe et... Non, t'as pas tiré, c'est bien. Bravo. Titouan sur un petit triplé, bon, bah rien de nouveau. Mais ça gagne pas contre Clermont. Ouais, ça avait l'air un peu fermé. Après, à l'extérieur, hein, 2 victoires, 1 défaite pour l'instant. Oh, le Mbabu. Mbabu, c'est solide aussi. Hein. Oh, c'est 120... Ah ouais, c'est vrai pépite, Mbabu, dans le jeu. 120K, c'est acheté dans le jeu. Oh, c'est le gars à prendre, quoi, Mbabu. Bon, Monaco. Ah non, Monaco, c'est à Bollard, pardon. Massa Dio blessé. Il sera là, je pense. Coupe de France. Mais du coup, là, faut que Marseille gagne. Sinon, c'est la merde. C'est Nantes contre Marseille. Parce que là, si c'est Nantes qui gagne la Coupe de France, c'est re la même merde où le 6ème a pas de place, non? Je comprends rien, moi, avec le truc de qualification de Coupe de France et tout. Genre, vraiment, je capte rien. Il vaut que 600K, Bernard Denis. Wait, wait. Ça vaut quoi, ça? Aaron Martin. Maximus de la Pierre. Merci pour le prime, mon ami. C'est pas mal, c'est pas non plus... Pas non plus la folie, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a un potentiel fort, là, pas très cher, lui, là? Et lui, un buteur. Ah ouais, mais j'ai déjà assez de buteurs jeunes, pas très cher. Les messages en caps lock, quel enfer. Ouais, ouais, là, en effet. Hein. Tyrannico. Tyrannico en roue libre. Hein. C'est moi ou le son déconne? Je crois pas. Dites-moi, mais je crois pas. Je sais que tu suivais Trinkaus ta première saison, je pense pas qu'il a été transféré, ouais. T'as une idée de quel gros joueur? J'avoue, je me suis pas trop intéressé pour l'instant hein, au mercato, les potes. But du mois, et c'est Jean-Eudes. C'est Jean-Eudes, le but du mois. Alors Jean-Eudes, quel frère.
Gardien de but de la saison. Oh, y a pas Farinez. Oh, bah, je vais mettre Anto, moi. Anthony Lopez, hein. Ah ouais. Alban Lafont, parce qu'il est jeune. Et Steph, parce qu'il a pris beaucoup de buts. Oh, qui a pris le plus de buts? 6,97. On va mettre Areola. Il a moins de chance. Pour que Lopez puisse être pris. Ok, c'est bon. Le jeu est que sur PC. Ouais, c'est mieux. Hein. Tu peux devenir sélectionneur sur le jeu. Ouais, c'est pas le meilleur truc. Hein. C'est pas le truc le mieux fait, quand même. Guillaume Varmus, putain. Ok, bon. On reçoit Monaco. Sur Switch. Il est sur Switch aussi. Qualifie-toi pour l'Europe. T'auras plus de chances d'attirer de bons joueurs. Ouais, c'est ça le truc, quoi, en fait. C'est que si on est en Europa League, d'un coup, les joueurs qui veulent venir, ça va être totalement différent, quoi. Après, sur Switch, c'est agréable, FF. Moi, je jouais sur PSP à l'époque. C'était pas fou, hein, tu vois. Parce que sur téléphone, le jeu est moins... Il est moins poussé, quand même. Pour moi, ça vaut pas trop le coup de jouer sur tel. C'est autant jouer à un autre truc, tu vois, autant se faire un autre délire, quoi. Le jeu coûte vraiment 55 balles. Ouais, après, il vaut le coup, hein, mais il est tout le temps en promo. Ou sur un stand gaming ou quoi, tu vois, genre... Ça doit être touch. Ah ouais, peut-être. Peut-être que c'est touch, ouais. Petite musique de film de cul, là, tranquillou, hein. Bon, moi sur un stand gaming, je l'ai eu à 13€. Ouais, ouais, honnêtement, vous pouvez vous en sortir pour pas grand-chose. Hein. Ils le mettent souvent, là, il était souvent en réduc et tout, donc... Bon, Monaco, on les a battus. Ça, c'est de la Champions League validée. Guingamp joue contre qui? Guingamp joue contre Marseille, donc ça, c'est bien. Lyon contre Dijon. Putain, là, c'est le moment. Hein. C'est le moment où on pourrait... là, on pourrait limite passer quatrième, hein, là-dessus. Caen contre... Caen est dangereux aussi, hein. Attention à Caen, hein. En vrai, un match nul Caen contre Bordeaux, mais très bien. Toulouse joue qui contre Nice. Et Saint-Etienne contre Reims. Ok. Il tourne sur un portable n'importe quel tour. Ouais, ouais, honnêtement, ça tourne bien, FM. Au pire, tu peux baisser tous les trucs et tout. FM, c'est qualité, hein, quand même. Hein. C'est jeu clairement de qualité. Équipe réserve. Kuhn. Bon, Kuhn, il a mis un but sur Peno, quoi. On peut pas non plus... Je peux le chauffer en mezzala, hein, pour tester un peu. Hein. Voir ce que ça change. Et mettre un meneur de jeu défense, là, sur celle-là. Tu vois. Et avoir juste Rivero en mezzala. Un peu plus offensif, avec Thiago Mendes en défensif. Ça peut être pas mal, ça, je pense. Je vais mettre quand même Diarra. Il y a Cahuzac aussi, hein, qui va jouer. Tété. Le truc, c'est que Michelin a vraiment bien joué, hein. Clément Michelin a vraiment bien joué, mais là, on sent que c'est un peu hésitant. Il faut l'acheter tous les ans. Non, en vrai, tu peux le garder. Moi, j'ai plein de potes qui jouent... Tu sais, qui achètent un FM tous les 2 ou 3 ans. Et ils font juste les mises à jour et tout, et du coup, ça passe. Bon, Duverne, on va le vendre. De toute façon, fin de saison, là, il va partir. Je le veux plus. Bien le bonsoir à tous, je me réabonne. Ce message. Bien bonsoir. Est-ce que Michelin, est-ce qu'on le fait jouer ou pas? Il a quand même été très bon. Hein. Après, Tété nous a fait des bons matchs aussi, hein, donc on va voir. Enlève Azevedo. Bon, pourquoi il est pas nul, Azevedo? Là, il nous fait des bons matchs. Hein. Azevedo nous fait des super matchs aussi, hein. C'est pas parce qu'il y a une croix rouge sur le truc. Pourquoi il est titu? Parce qu'il n'y a pas Tony Mauricio et qu'au final, on a un peu fait tourner. Voilà qui est fait. Bah, merci beaucoup, Claude Strafe. Comment tu fais pour avoir tes joueurs 100% de forme? Bah, en fait, c'est l'entraînement, quoi. S'ils ont un bon entraînement, et ensuite, il faut les faire un peu tourner et tout, quoi. Quand ils ont plus aucune forme à droite, il y a une vraie team quand même. Golovin, ils le font jouer milieu def. Oh putain, Golovin. Ah mais Golovin, il est vraiment à Monaco. Putain, mais Monaco a vraiment une équipe de porc. Hein. Bon Giovanni. Cette tronche. La tronche du Bon Giovanni. 32 mois, ça tombe bien, c'est mon chiffre porte-bonheur. Oh, ils ont Mandzukic, ils ont Moura dans le jeu et ils sont 15e, quoi. Bon allez les mecs, hein. On va se battre, hein. On est à Lens en plus, on est à Bollard. Allez, on continue tout pareil. Hein. Tout pareil. Hein. Allez, mon Robaille. Hein. T'es devant la famille là. Hein. Allez, Brian aussi. On encourage tout le monde. Youssouf, on a besoin de toi là. Youssouf, souvent, il nous fait des prestations un peu en demi-teinte. C'était chaud, what the fuck.
C'est vrai qu'il y a un air de Schwanz. Tu as recruté qui à la mi-saison au mercato ou pas? Parce que pas mercato. Enfin, Oh, Azevedo. Dommage, c'était bien. Enfin, il y a une différence entre les joueurs Lensois et Mandzukic, quoi. Mais non, mercato hiver, j'ai recruté Tonelli en prêt. Et c'est tout, si je dis pas de bêtises. On a fait assez peu de recrutement. On a recruté assez intelligemment dans l'ensemble mercato. Lyon qui met déjà 1-0 contre Dijon. Je crois que c'est, et Bordeaux qui perd aussi, ça c'est très bon. Je crois que c'est un petit but de Moussa Dembélé en plus. Oh là là, ça va faire mal, je pense, Monaco. Monaco, ils ont une vraie team là. Oh non ! Farinhez ! Putain ! Ça faisait au moins 15 matchs là qu'il n'y avait plus de merde avec toi. Oh non, la faute de main terrible. Oh non, c'est pas une faute de main, c'est une faute de dos ou je sais pas quoi là. Oh Farinhas. Oh c'est dur. C'est dur les gars. Va falloir se battre là. Oh mais ils nous effacent tellement vite. Oh là là. Ils nous effacent tellement vite. Ils sont tellement meilleurs que nous, chaque joueur à chaque poste. Va falloir une petite douille là. On a fait une Landreau. Va falloir une petite douille des familles. Un Thiago Mendes par exemple, dommage. Ça aurait pu. Farinhas. Oh là là, c'est dur. Hors-jeu. Hors-jeu, l'espoir renaît. Les défenseurs demandent un hors-jeu. Le but est annulé. Ça c'est bon. Oh bah il est plus ou moins hors-jeu quand même. Mais bon. Ils sont 15e de Ligue 1 avec ça. Ouais, je comprends pas. Mais bon. Allez Moïse. C'est bien pour Nelson. Nelson pour Rivero. Allez Rivero. Oh non Brian. On se la fait pas voler celle-là. Allez on reconstruit. Thiago Mendes. Rivero. Rivero pour Tété. Oui Tété. Tété Azevedo. Oh Azevedo. Oh c'est monstrueux. On l'a même pas vu partir. Oh le Nelson Azevedo. Oh la frappe. Oh je pensais qu'elle était au-dessus ou je sais pas quoi là. Oh la voilà, en fait elle est même pas sous la barre, je sais même pas où elle est, mais Azevedo. Une fois de plus, voilà pourquoi il est titulaire notre Nelson. Oh j'entends des bruits chez les voisins. Je peux comprendre. Guingamp qui est en train de gagner contre Marseille. C'est chiant ça. Plus de longs ballons devant. Non on veut pas ça là, Joan, qu'est-ce qu'il nous dit là. Allez un petit soyez créatif là. On est à Bollard les gars, Ah Guingamp ouais, qui a ouvert le score. Allez Marseille là, c'est le moment là. Putain la mine qu'il a mis. Mec tu m'as réveillé. Saint-Etienne qui est en train de perdre. Et ils sont là. 98 points Paname. Tété qui casse des reins. Allez on est meilleur qu'eux. On a tenté le véhément. Tu peux faire mieux mon pote, tu peux faire mieux. Et là je vais leur dire en véhément là. Là c'est du FC véhément les gars. Tous ceux qui ont moins de 6,5 ou 6,5, c'est FC véhément. Va falloir se bouger le cul les gars. En face c'est que des individualités, c'est pas une équipe. Nous on est ensemble là-dedans là. Après un match nul me mettrait pas si mal déjà. Hein. Mais il y a Caen qui est dangereux à 2 points. Oh c'est chaud encore. Hein. Mais là faut que Marseille mette une mine à Guingamp là. Qu'est-ce qui se passe? Tu live demain? Ouais demain on va faire le mercato et tout je pense en après-midi là. Oui Thiago, oui. Oh. Oh. J'ai lâché un vrai... Oh. C'est bien Koné, belle agressivité. Allez Jean-Eudes. Oh Jean-Eudes. Oui Koné. Allez mon Robaille. Azevedo, Rivero. Azevedo. Oh là là. Eh les gars, je veux voir du lance, hein. Je veux voir du blason de lance. Là, faut encourager l'équipe là. C'est l'heure de Koun. C'est son heure. Ah, Souleyman Diarra qui rentrera aussi hein, vers la 75-80e là. Allez mon Koun. Allez demandez-en plus. Toujours. Aolu va sortir bientôt là. Sans vouloir construire le jeu. Putain allez Marseille là, mettez un but. Thiago Mendes, deuxième poteau. Tu connais. Personne en défense. Merci. Badé quand même de temps en temps hein. Oh Dijon qui est en train de remonter sur Lyon là.
70e, 3-1 pour Lyon, c'est bien. Guingamp qui flanchit, fléchit toujours pas là. On va faire entrer un petit Souleymane Diarra. On va remettre box to box Rivero. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Youssouf Koné, pas grand monde à mettre. Hein. Je vais le mettre en soutien, mais j'ai peur que défensivement ça flanche un peu. Mais là, il faut les points là. Un 3 points nous mettrait si bien. La victoire nous propulserait, hein, vraiment. Allez, Koun, Rivero. Rivero, Koné. Koné, deuxième poteau. Oh, c'est Vido. Oh putain, allez les gars, allez, allez, allez là. 10 minutes encore. Non. Ouf. Saint-Etienne qui est en train de prendre 3-0. Là, ils ont coulé. Hein. C'est fini pour Saint-Etienne pour la course à l'Europa League. Azevedo, côté droit, qui vient provoquer. Deuxième poteau, Robay. Non, finalement, ça a été mal ajusté. Thiago Mendes pour Diarra. Souleymane qui s'enflamme, qui va décaler pour Koné. Koné, deuxième poteau, Azevedo. Putain. Tété, il nous fait un gros match. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire là pour Tété. Hein. On ne peut pas changer grand monde. Azevedo potentiellement, mais j'ai pas grand-chose à rentrer derrière. Hein. J'ai pas grand-chose. Je pourrais faire ça, limite. Et mettre un Cahuzac de secours, quoi. Après, chaque point compte. Hein. On va pas non plus batailler. On est devant, on est bien. Faut pas les perdre, ces points. Quoi, il a mis un coup de foulard ? Il a mis un coup de foulard, Robay ! Putain ! Non mais attends, il met un coup du foulard, Robay, là. Là, regardez bien ici ce qu'il va faire. Mais quel crack ! Azevedo ici qui se fait arrêter, le petit Koun qui vient mettre le pied. Son petit pied. Son tout petit pied. Il est tout petit, le nain. Oh, on l'aime, il se faufile. Non ? C'est bon. Oh, Robay se craque. Voilà, les gars. Voilà. Moins de dribble. Plus discipliné. On fait un peu tourner. C'est ce qu'on aime bien faire. Voilà, des longs ballons pour Koun. Koun. Crucifilé, mon Koun. Voilà ce que tu fais. Ça, c'est les grands joueurs. Quand on a besoin de toi, tu sors. Oh, le Koun. C'est terminé, les potes. C'est terminé, ce match. Oh, le goal, rien à foutre, apparemment. On est quatrième. On est quatrième à égalité contre Dijon. Guingamp a toujours pas pris de but hein, contre Marseille. Bordeaux qui est en train de remonter contre Caen. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là ? La VAR ? Il y a pénalty ? Qu'est-ce qui se passe ? Le jeu m'aide ? Koun, il fait plaisir. Hein. Koun, il sort pas tout le temps, mais coach Bizot qui s'inquiète. Coach Bizot qui est auprès de l'arbitre. Que dit l'arbitre ? Coup franc en direct. C'est hors de la surface. Selon l'arbitre, c'est Souleymane qui va s'en charger. Oh, je crois que ça faisait un but hein, à nouveau. Crustifié, j'ai dit. Ah, j'ai dit crustifié, c'est pas grave. C'est la même. Oh, Thiago Mendes, il était chaud pour mettre une reprise. Je l'ai senti chaud. Il avait armé le pied, là. Il a mis une mort qu'il n'y avait personne aux alentours. Porto et Celtic éliminés de la Ligue des Champions. Ah, oh, putain. Chaud pour Porto quand même. Enfin Celtic aussi d'ailleurs même. Il est là-bas Osbon Edouard ? Non, pas le KO. On prend tout. Mais c'est Diarra qui a autant d'impact ou quoi ? Je sais pas, mais il a un profil un peu plus offensif quoi. Hudson. Ah oui je dis Houston moi. Bon ça va. C'est la même. C'est une victoire 3-1 avec un Koun étincelant qui mérite sa titularisation. On a été dominé, hein. On a été largement 51% de possession. On a quand même eu plus de tirs cadrés. Et qu'est-ce que ça a donné du coup ? Lyon qui s'est finalement imposé. Égalité là-haut. Mais ils sont où le match Marseille ? Oh, Guingamp qui a tenu le score contre Marseille, hein. Putain. Véhément, très content du résultat. Même on va pas jouer une quatrième place quand même, première saison de promu là. C'est fou. Koun de but en 2 minutes. Quatrième de Ligue 1. Non mais là c'est incroyable. Hein. Pour l'instant on est quatrième. Hein. 58-57. Il nous reste 2 matchs. C'est les deux derniers matchs. Est-ce que on reste quatrième si Tito en met un doublé sur 3 buts ? Oh il a pas marqué.
C'est Jean-Charles qui a mis de doublé. Kuhn bien parti pour toucher une prime de but. Ah, il va toucher 35 000 balles. Bah, y a aucun souci. Hein. Sotoka, on va s'assurer 650 000 euros sur ce... En gros, on va vendre Sotoka 650 000, qui est quand même en perte de vitesse un peu. Ce qui fait que Sotoka contre Kuhn, c'est 50 000 euros de bénéf pour Lens. Oh là là. Paix à Maurice. Hein. Ils sont là, les 100 et or. Ah là, Pleb 59, merci pour le 8e mois. Sobg. On avait compris. Un but refusé, controversé. Oh non, 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 moi j'ai clairement vu qu'il n'y avait pas but. Hein. Heureusement, putain, n'empêche. Hein. Sinon, on était mort. Dédicace au pronostic qui annonçait le RC Lens 18e. Non, mais là, mon pote, c'est... On est en train de le faire. Deux derniers matchs. Allez, les deux derniers matchs de la saison. Toi égal un bien malin businessman. Il se joue contre d'autres joueurs, ce jeu. Ouais, tu peux aussi. Après, c'est pas facile parce qu'il faut beaucoup se caler niveau emploi du temps. Ah tiens, Sotoka blessé. Oh, Jean-Eude blessé. Oh, je vais lui parler. Concentre-toi sur le rétablissement. On n'aura pas Jean-Eude pour les deux derniers matchs. Mais attends, est-ce que Jean-Charles fait deux matchs par semaine, là, j'ai l'impression? Paris FC, Strasbourg, qui le veulent déjà. Mais en vrai, il a 16 ans. Mais il a un vrai niveau. Hein. Bon, il fait juste 1m67, 56 kilos. Mais en vrai, 12 de technique, 15 de dribble, 14 de centre, 11 de contrôle de balle. Bonne vitesse, bonne agilité. On va tranquillement lui proposer un contrat sur 10 ans, là. Ah non, on peut pas plus. Jean-Charles, viens signer à la maison. Tiens, je te mets 5000 balles. On les met bien, nous, nos petites pépites. Bon, on va devoir jouer sans Jean-Eudes. Après, on a Yannick. Hein. Tiens, il met un triplé, là. C'est quand, là? On est le 3 mai? On est dimanche? Et là, le camp? C'était samedi, ça? Il met un petit doublé. Homme du match. Et homme du match. Deux hommes du match. Jean-Charles? Jean-Charles Messi. Jean-Charles Messi en full bossage. Allez, un petit Nice. Titouan marque plus. Titouan, ça lui a fait trop de mal hein, de monter en équipe première. Hein. Il te reste qui à jouer? Si bientôt les retours de prêt. Est-ce qu'on a des joueurs qui ont bien joué? Ah, pas si fou. Hein. Lui, il était pas mal, lui. C'était un... Ah ouais, bon bah... Très bien. On a Mounir. Mounir toujours, mais Mounir il se part pour 8 millions putain. Ah Manuel Pérez va falloir le tège aussi. On va peut-être pouvoir en tirer 1 million lui de Manuel hein, je pense. On a pas mal de joueurs qu'on va pouvoir sortir. Hein. Ouais Simon Nsana il nous a pas fait un truc de fou. Il y a Ansuso toujours qui est pas mauvais, qui continue à progresser. 19 ans, il nous a fait une bonne saison. Kuhn dans l'équipe de la semaine et Joao. Hein. Nelson Azevedo aussi dans l'équipe de la semaine. C'est bien, ça. Joao Silva... Mais là, en vrai, on va faire beaucoup de... Le mercato va être intéressant. Mounir est pas parti. Il doit pas aller à Parme, là? Y a pas une offre, je sais pas quoi? Yo, PA, t'as prévu de faire combien de saisons? Bah, je sais pas. L'an prochain minimum, mais on verra, tu vois. L'objectif, c'est la Ligue des Champions. Après, c'est toujours le souci un peu avec FM, c'est que t'entres un peu dans le ventre mou. Le moment où tous les ans, t'as plus trop d'objectifs, où tu vois, c'est qu'un objectif de coupe, c'est plus dur. Mais là, déjà, c'est incroyable. En deuxième saison... Enfin déjà, première saison, d'avoir fini premier, c'est très cool, c'était réalisable. La deuxième saison, l'Europa League, j'aurais pas misé là-dessus, quoi. Donc, si tu joues LDC Europa League, c'est chaud de faire tourner. Ouais, ouais, clairement, mais bon, on va voir. Si, mais il est pas encore parti, ok. Nelson, c'est la bonne surprise de la deuxième moitié de saison. Ouais, Nelson, au final, en ailier droit, enfin, en attaquant intérieur droit, parce qu'à gauche, il aime jouer ailier, parce qu'il est fort sur son pied gauche. Mais du coup, en attaquant intérieur droit, il repique sur son pied gauche. Tutu. Les rumeurs s'amplifient concernant Dybala à Paris. Aïe aïe aïe. Mauricio qui revient. Ah mais là on a l'équipe qui tourne déjà. Ça va être dur de rentrer dans le dispositif pour être honnête. On a déjà tout le monde qui est bien. Aubrey Modiba. Il est plus ailier quoi que... 12 de marquage, 11 de tacle. Hein. Ça se joue mais... Capable de bien monter, de faire la diff. Je suis pas mauvais lui.
ne vend pas trop. Non, non, mais on va pas tout vendre. Mais en fait, le truc, c'est qu'on va... En fait, le souci, c'est qu'on a peu de joueurs moyens, tu vois. C'est ça un peu mon souci, tu vois, dans l'équipe. Soit on a des têtes d'affiche, c'est-à-dire des têtes d'affiche en mode Jean-Eudes, Rivero, Keane, Thiago Mendes et tout. Mais on a peu de joueurs un peu bof. Tu vois, il y a Diarra, mais il se barre. Et il était honnêtement très bof pour la Ligue 1 et pour ce qu'on veut jouer. Et il nous faut le truc au-dessus, quoi, tu vois. Michelin a moyennement progressé, quand même. Mais bon, il nous a fait des bons matchs. Tu vois, Clément Michelin, ça va être chaud pour l'Europa League l'an prochain. Yannick Cahuzac, il commence à être léger, quoi, tu vois. 35 ans, il va plus jouer, quoi. Ah bah tiens, vu que Porto est sorti de la Ligue des Champions, l'OL est dans le chapeau 2. Oh, c'est propre, ça. C'est du bon, ça. Pourquoi Manzou est à Monaco sur le jeu? Bah parce que dans le jeu, il joue. Le club. Du coup, ils achètent, ils vendent, ils font leur vie. Un coach bisou en MLS, genre Impact de Montréal. Bois, ça me chaufferait moyen, tu vois. Il te faudra plus de bancs pour l'Europa. Non, non, mais il va falloir pas mal... On a un gros chantier. On a un gros chantier. En tout cas, ça va commencer par Metz, là. Il faut encore que l'Ajax soit éliminé par Nicosie pour être chapeau 2. Putain, tu vois. Moi, je peux pas me fier à vous. Vous me dites des trucs et ensuite, on n'est pas vraiment sûr. Le moment où ça va devenir chaud, c'est quand pour amener ton équipe, il faut 30 millions par joueur. Là, c'est dur. Ouais, c'est pour ça, je pense qu'on aura besoin de 2-3 prêts. 2-3 petits prêts des familles. Et ensuite, on verra. Monsieur Limbra, merci pour le 5e mois. Mais on va voir. Quoi qu'il arrive, là, il y a un match à assurer. Si jamais on gagne, on est assuré d'être dans le top 6. Et donc, techniquement, d'être en Europa League. Mais pour ça, il faut gagner. Pour ça, il faut encore gagner. Et ça, c'est pas fait. Ça, c'est... Oh, Cahuzac est blessé. Pourquoi il peut jouer, hein? Pas 100% de ses moyens, mon cul, ouais. Bon, après, je peux refaire la même. Hein. Je peux mettre un... Je vais faire ça, du coup. Je vais mettre... Quoi? Non, je vais pas faire ça. C'est bon. Je vais mettre Rivero box-to-box et Diarra... Mais Rivero, il s'entraîne quoi, en fait, depuis le début, là? J'ai l'impression qu'il s'entraîne pas box-to-box. Ah, putain, j'avais pas changé ça. Le con. Demain, tu fais le mercato de Lens. Yes, frérot. Yes. Bon, là, contre Metz, il y a moyen d'assurer. Hein. C'est pas le match le plus difficile à jouer. On a joué plus dur. Kuhn, il a mérité son entrée dès le début. Donc l'année pro, tu restes à Lens. Ah bah ouais, gros, on est en train de construire un truc de ouf, là. On va en Europa League. Avec la Coupe d'Europe, Kuhn va peut-être vouloir même rester. Ouais, mais tu vois... Nous avons possibilité d'assurer la qualification en Europa League. Et dire que eux... Ils croyaient pas qu'on était capable de jouer pour le milieu de tableau. Ah, les mecs se font pas confiance. Hein. Ah, ils sont bons, mais... ils se font pas confiance. Hein. Ouais, peut-être autre chose que Keane, la saison pro. Ouais, je me vois pas re-signer Keane, tu vois. Pourquoi ne pas faire des best-of de 20 minutes de tes live FM à la place de Rediff? Parce que c'est énormément de temps pour... Les gens aiment bien, tu vois, sur FM, c'est une ambiance posée, tu vois. C'est... Je mets les moments cool dans mes best-of, tu vois, mais... Quelle heure demain le live? Midi, 13h? Midi? Midi, on peut se dire? Vous préférez quoi? Non, on kiffe les rediff entières. Ouais, tu vois, j'aime bien. Et puis c'est, en vrai, c'est beaucoup de taf pour parfois pas grand-chose, tu vois. 13h. 13h après manger. Bon, vous êtes plus 13h. Allez. Je lancerai peut-être un peu avant. On verra. Bordeaux qui vient d'ouvrir le score. Ils sont à 3 points de nous si on fait match nul. Le soir, je bosse, moi. Je peux pas demain soir, je suis désolé. Je ne peux pas. Je liverai jeudi soir. Là, on va faire demain midi. Ouh. On va faire demain midi. Là, on est mardi soir. Oula. C'est pas fini encore. Hein. On n'est pas qualifié encore. Hein, là, sur des matchs de merde, là, sur des trucs où ça y est, on est déconcentré. Vous êtes déjà en train de parler du lendemain en mode le mercato. On va se faire crucifier, là, comme d'hab. Mais ouais, du coup, jeudi soir, je serai... Oh là là, Cloud Strife, qui vient de lâcher 5 subs. La folie des sub-gifts. Merci beaucoup, frérot. Bienvenue à Lorénisme, Crozis, Noresh, Plapla et Okamori. Vous pouvez remercier Cloud Strife. Avec l'accent.
On est tout de suite... Oh là là, Adélaïde qui vient de marquer. Ça, c'est un futur Lyonnais, ça. Je le reconnais bien, là. Un futur buteur. Ça parle d'Europe à Ligue en masse, ça sent le karma. Là. Non, mais attends, si on finit... on est à 2 points, gros. Hein. Techniquement, ça peut... Bon, après, on a un bon... On a quand même un très très bon différentiel de but. Mais là, vas-y, full agressif. Hein. Full agressif, là. Qu'est-ce que vous branlez, là, les mecs, là? Lâche-toi, mec. Hein. Lâche-toi, Kun, là. On va faire rentrer tout le monde, là. J'ai regardé une vidéo d'un mec FM, Bruce, et je sais pas trop quoi. Regardez ces vidéos FM, t'es vraiment chill. Non, mais en fait, c'est bien. C'est juste que, honnêtement, c'est beaucoup de travail de... Ouh! Oh, ça pouvait, ça. En fait, c'est beaucoup de travail de création de contenu. Et parfois, genre, je live énormément. Genre, je peux faire 15 heures de FM en une semaine, tu vois. Ce qui fait que c'est chaud de faire 15 heures de best-of. C'est compliqué. Putain, on est en train de perdre contre les 20e, là. Oh, mais ils me mettent des mines, gros. Ok, là, laisse-nous voir le match. Je vous laisse voir le match, là. Mais... Oh là 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 là, ça sent pas bon, hein. Ça sent... Putain, Del Castillo, c'est un ancien Lyonnais, ça. Ça sent pas bon, ça, là. Je sais pas ce qu'on a. Allez, demandez-en plus, les gars, là. Le dérush est insane. Ouais, c'est ça. C'est honnêtement beaucoup, beaucoup de boulot. Et tu vois, genre, sur FM, je sais que je vais pas faire non plus énormément de vues. Donc, tu sais, genre, se donner une malade pour faire, genre, 35 000 vues. Tu vois, autant mettre la rediff entière, fait la même chose, quoi. Et les gens aiment bien, c'est chill. Tu peux mettre... Juste, j'aimerais bien intégrer le chat sur les rediff. Enfin, avoir le chat un peu plus fréquemment sur les lives. Tu vois, mais dans un petit coin, pas forcément gigantesque. Parce que sur les rediff, c'est cool aussi, t'es plus dans le truc. Kun n'est pas dedans, là. Kun n'est pas dedans, Nelson n'est pas dedans, on va mettre Tony Mauricio. Là, on n'est pas dedans du tout, là. On n'est pas dedans du tout, Souleymane Diarra n'est pas dedans du tout. Moi, je vais arrêter de... Je vais jouer un peu plus haut, avec soutien. On n'est pas dedans, là. Parce que sur le format sans coupure, au pire, c'est une... Tu vois, et du coup, ouais, c'est... Le délire de rediff, c'est... Allez, connais. C'est sympa, c'est plus... c'est chill, tu vois. Ah mais là on... Oui Mauricio, Mauricio. Oh, putain Mauricio ça aurait fait plaisir. Allez les gars, 15 minutes là. Faudrait mettre au moins un nul, au moins un nul. Allez Robay, remets-nous un coup du foulard. Oh là là, c'est arrêté par le goal, mais comme d'hab, tu vois. Metz là qui a pas touché sa bille, qui est sûr d'être relégué, ils vont faire leur meilleur match contre nous. Ils sont sûrs d'être relégués, non? Allez, TT, deuxième poteau, Robay. Finalement sur Cahuzac. Cahuzac pour Joao Silva, long ballon. Long ballon pour Robay, finalement qui va être perdu de la tête. Joao Silva, encore une fois, une bonne intervention. Ribeiro, Mauricio. Mauricio, ça va passer au-dessus, ça, cette frappe tentée. Il garde tellement le bus. Ah bah là, non, pas le chat. Comment ça? Je décide. Oui, Ribeiro. Oui, Thiago Mendes. Cahuzac, Mendes. Cahuzac, Mendes. Cahuzac. TT. Deuxième poteau, oui. Putain, allez là, les gars. On a fait tous nos changements en plus. Changera pas grand chose ça, mais bon. Faire entrer Azevedo, il était... Oh là là, portez-vous à l'attaque. Dernière action. Peut-être maintenant. Peut-être maintenant. De sécuriser une grosse place. Allez, Kenny. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tout va jouer sur le dernier match. C'est bien ça de se mettre des petites pressions comme ça là jusqu'au bout. On n'entend pas assez les supporters, c'est pour ça. Ils ont plus de voix, bon. Cinquième place. On vient de descendre à la cinquième place là. Il y a je sais pas qui a dû marquer ou... Guingamp ou Dijon en l'occurrence. Allez, Ribeiro. Mauricio. Mauricio côté gauche, c'est bien joué. C'est bien joué ça. Oh là là, il met du temps à centrer, putain. On perd à Saint-Symphorien quoi. 59% de possession, 10 tirs cadrés, c'est Guingamp qui a dû gagner à 92e. 92e minute, les bâtards. Ah là là, putain. Et Dijon a fait quoi? Toulouse a fait match nul, donc c'est bon, ça. Bon, quoi qu'il arrive... Non, en vrai, ça va, je pense que je suis safe. Je pense qu'on est en Europe. Sauf après, être 6e, c'est chiant, il y a l'Europa League. Hein. Enfin, tu sais, genre la Coupe de France et tout, là. J'ai un bien meilleur... J'ai un bien meilleur... comment ça s'appelle? On a compris. Différentiel de but. Ce genre de rencontre qu'on doit goal à virage, merci. Mais si on finit 6e, ça peut être chiant quand même. Dernier match.
Dernier match. Putain, Saint-Etienne qui allait mettre 4-1 à Marseille. Marseille aussi qui a calé un Lyon qui peut peut-être aller choper une deuxième place. Hein, Moussa Dembélé, mais il est tellement fort. Joachim Andersen. Ah, je l'aime trop, sa petite tête, là. Le temps qu'ils prennent en confiance et tout. Anthony Lopez, observé par un nap. Vous êtes fous. Putain, Diop, il veut se barrer. Hein. Diop, il joue pas. De toute façon, c'est comme... Ah, ils ont perdu contre Marseille. Du coup, on en est où, là? Finale? Ah, c'est Nantes contre Marseille. Ouais, tu vois, c'est ce que je te disais. Hein. C'est que ça va être la merde si jamais Nantes gagne. C'est le 23. Ah, oh, en plus, la saison sera finie. C'est qui notre dernier match? C'est Nice. Ah, mais Nice, c'est pas bien non plus, je crois. Ah, Nice, ils vont vouloir... Non, Nice est sauvé, quoi qu'il arrive. Ah, faudrait assurer une victoire. Hein. Défaite imméritée. Antonetti prend la défense de Bizot. Merci. Mon petit Antonetti. Titou qui met un triplé, hein, pourtant. Triplou. Triplou. J'ai longtemps que je suis pas live, moi. Titou, il a faim, là. Le cop qui reste dans les tribunes de Saint-Symphorien. Ouais, ils ont décidé de faire 3-4 jours. 3-4 jours de plus. Guingamp joue contre qui? Guingamp joue Saint-Etienne à l'extérieur. Pas facile, hein, au Chaudron. Et Dijon? J'ai perdu quoi? Quatrième tour. Ouais, en coupe, on n'a pas été bon. Le meilleur buteur, c'est qui? C'est bon... Ouais, Dembélé, hein. Kun, hein, aussi. Hein. Kun, quatrième en but. Hein. 14. Hein. 14 buts, c'est pas mal, ça. Hein. Putain, Paname. 81 buts marqués, 19 encaissés. Je n'aurais même pas pris de match nul. Aïe, aïe, aïe. Ils ont fait match nul contre Metz. Putain, Metz. 23 points, mais des beaux points. Sixième, tu es même pas en poule, mais en barrage d'Europa. Nouveau contrat pour Jean-Charles Thor. C'est bien, mon Jean-Charles. Continue à bosser, toi. Toi, tu vas intégrer, là. Tu vas intégrer l'équipe. Hein. Ah, ils ont recruté Danilo? Ah non, ils avaient déjà Danilo, pardon. On peut être Danilo. PMB, meilleure moyenne. Ah, quand il se chauffe. Messieurs, dames, c'est la dernière semaine. C'est le dernier match contre Nice pour savoir comment va se finir cette première saison en Ligue 1. Off de Tubiz pour Fonqueux. Ah bah Fonqueux, on n'en veut pas spécialement. Hein. Titou. Bon squad d'Adélaïde à Lyon. Content. On a besoin d'une recrue, prometteur. Après, c'est cher, mais c'est le prix, quoi. De toute façon, maintenant, le marché, c'est un délire. Hein. Ah, c'est plus que c'était, hein. Pourquoi je trouve pas Azevedo dans mon... Bah, faut avoir une bonne database, je pense. Hein. La 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 la. Je veux pas aller voir les résultats Europa League. C'est l'AS Roma qui avait gagné. Finale. Bayern contre Arsenal. Bayern München. München. Ils ont qui eux là? Oh, il y a Harp maintenant qui est titulaire. Harp, il est tellement fort dans le jeu. Genre jeune, mais au bout d'un moment, quoi, il est pas titulaire longtemps quand même. Et Ligue des Champions, c'est qui? Non, j'ai tapé un truc chelou là. Real Madrid, ils doivent être dans le coin. Oh, Zizou, ce sourire. Ça met bien quand même. Un petit sourire de Zizou, c'est toujours un plaisir. Bah, ils sont en finale. Real Madrid, Atlético Madrid, en finale de la Ligue des Champions. Stylé. Liverpool qui a perdu, City aussi. Et encore, il y avait qui? L'Inter, et Porto, Benfica, putain. C'est bien. Lyon aurait dû mettre les 40 millions sur Lozano. Ouais, mais on a un EBITDA à respecter, mon pote. On construit le club. Quand j'étais petit, claquer 35 millions, c'était énorme. J'étais au lycée, quand Karim a été à 35 millions, j'étais choqué. Ah ouais, bah maintenant, mec, tu peux expliquer aux nouveaux venus, je comprends. R. Putain, Baxio, je t'avoue que t'arrives pas au meilleur moment. T'arrives après une session de 3h30, c'est compliqué de tout réexpliquer. Code très favorable. Maolida, tu m'étonnes. Ça a été conclu. C'est bien, s'il retrouve un petit club, c'est cool. Tubiz, c'est quoi Tubiz, ça? Proximus League. C'est quoi, c'est Belgique, ça?
Ah bon, bon vent, mon pote. Allez, les 100 euros. Allez, les 100 euros, là. Allez, on assure une victoire. Ça ferait plaisir que Guingamp fasse match nul ou Nelson Azevedo qui s'entraîne comme jamais. Tout ça, de toute façon, ça va virer, là, les ceux qui s'entraînent mal. Oh, Robaille, 6,7 millions, hein, estimé. Va nous falloir tellement de choses, il y a tellement de chances, il y a tellement de chantiers pour l'an prochain, là. T'es encore en Ligue 1, c'est le dernier match, les potes. C'est le dernier match de Ligue 1. Et pour l'instant, si vous venez d'arriver... On se refait exactement la même chanson, là, très bien. Tu bises aussi les 5 ans. Et on est aussi... on est à 58 points. 58 points, 58 pour Dijon. On pourrait se faire remonter là, mais en fait, c'est la 6ème place. Il faudrait assurer, quoi qu'il arrive, la 5ème et potentiellement aller gratter à Guingamp. Si Guingamp fait match nul ou perd et que nous, on gagne, on serait 4ème, ce qui fait qu'on aurait plus de sous, plus de tout. Donc plutôt bien. Lance une victoire contre Nice. On n'a jamais perdu contre Nice pour l'instant. Comment on va faire ça? Jean-Eudes qui est blessé. On va pas pouvoir jouer avec le bon Jean-Eudes des Fafa. Aïdara va jouer à la place de Koné. J'ai un meilleur feeling avec lui. C'était un peu léger comme ça, mais on va se mettre en soutien. On va se mettre en soutien et sans soutien aussi. Un peu plus haut. T'as vu qu'en termes de possession, t'es deuxième après le PSG. Ça joue au foot ici. Ça joue au foot ici, mon pote. Tonelli, on va le tège. Hein. Tonelli, on va pas activer la clause. J'ai 2-3. J'avais check un mec. Il est à Villarreal. Il était sur la liste des transferts. Quoi ? Débarre ? Grand espoir, Domingo ? Archi débarre ? 17 de courage, 16 d'équilibre. Trop bien. Elle part Bilbao et il a joué en Europa League en plus. Je fais le scout, hein. C'est juste mon prochain goal. Attendez, il y a peut-être d'autres Domingo. Nicolas Domingo. Oh ouais, mais moi, on l'aime moins, lui. Y'a pas un petit Domingo, un petit... petite pépite, là? Ah, mais c'est leur blaze. Parce que Bizot, il y a le goal. Achète-le. Coach Bizot. Bizati. Ça, c'est mon... C'est mon oncle turc, ça. Heureusement que t'es une meilleure tête. Brigito, merci pour le 4e mois, ouais. Et Firenze, 3e mois aussi. Et boum, le trimestre. Oh merde, ça go. Kuhn en pointe. Ok, on a ce qu'il nous faut. On a ce qu'il nous faut. Les derniers matchs, ça Bollard en plus, peut-être pour fêter la 4e place du Racing Club de Lens. Pelé dans les cages, Balanxar. Il y a une belle, équipe quand même. Il y a une belle équipe. Allez, on peut assurer la place là, les gars. Non, Kuhn, je te veux surmotiver là. C'est pas un moment où. Pas un moment où tu me fais une Kuhnerie là. Allez, les gars. Allez, c'est le moment. Contre Nice qui fait une sale saison. 17ème, c'est bien. Kuhn très motivé directement pour Azevedo. Ça va vite, ça va vite. Putain, ça va vite. Ça va vite, hein. Ça joue, hein, ici. Hein. Je veux voir full les mots de lance, s'il vous plaît, sur le chat. Oh, ça se faisait, ça. Une petite balle récupérée dans la surface, là. Il y a Marco Bizot. Ouais, il est bon. Il était au PSV, je crois. Ou je sais pas où, lui. Il est pas mauvais en gardien. Il est deuxième goal néerlandais, je crois. Oh, Kuhn en 4 temps. Rivero en 5 temps. C'est bien ouvert ça. C'est bien ouvert. 6 mètres. Guingamp qui vient de marquer. Guingamp qui vient de marquer contre Saint-Etienne au Chaudron. À la 4e minute. Putain, ils abusent là, les Stéphanois. Ils sont fumés sur la fin de saison. Ils sont 11e. Allez, les gars, là. Je peux pour vous quand même. Allez, Kuhn. Bordeaux aussi qui mène. Hein. Va falloir faire gaffe quand même. Hein. Pas falloir faire n'importe dans ce match. Oui. 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 C'est bien ça. Ça, c'est Nelson pour Kuhn. Ah, putain, c'est les deux petits refs. Mon petit belge pour mon petit bulgare. Regarde ça un peu, regarde ça un peu. Diarra au dernier moment qui a bien fixé. Oh là là, ça s'est trouvé. Hein. Lui, c'est une danseuse là. Il a fait un geste. Ah, Guingamp qui gratte là. Un match nul, faut que Stéphanois revienne au moins là. C'est le minimum, t'as vu Rivero. Mais Rivero, il amène toujours trop bien le ballon. C'est bien Kuhn, cette agressivité là. Oui, Nelson. Oui, mon Nelson, tu te bats. Mais Nelson, il se bat de ouf. Hein. Deuxième partie de saison, je sais pas ce qu'il a eu, mais... 37% de possession, mais on a 5 tirs.
Ah ouais, en fait, ils ont de la possession chez eux, quoi. Ils gardent la balle. Gilberto, merci pour le sub. Bienvenue. Allez, les Guingampais. Oh non, blessure de Rivero. Possible blessure au pied. Oh, le bon 8 mois, là. Il avait déjà pris 3 mois en début de saison. Non, me faites pas des dingueries. C'est bien, Farinhez. Farinhez, il capte les ballons, maintenant. Non, mais c'est incroyable. Hein. Guingampais. Ah ouais, on a déjà eu ce débat, je crois. Je croyais que c'était Guingampais, c'est pas Guingampais, c'est un autre truc. C'est Neymar, lui. Il a le même niveau. Ah, ça, on va en prendre un, ça. On le sentait. Hein. Si, c'est ça. Oh, ok, d'accord. Kilxal. Merci pour le 6e mois. Putain. Hein, on le sentait bien que Issa Nissa. Ouais, on le sentait. Dijon qui est en train de perdre. Je crois. Ah, Cyprien, il est chaud. Hein. Cyprien, il est bien chaud. Hein. Mais bougez dans les tribunes, là. Vous bougez pas, là. Vous avez pris votre abonnement avec, avec Twitch Prime et derrière, vous venez et vous chantez même pas. Vous. On veut de l'envie, hein. C'est bien, Diarra. Ça joue vite, là. J'aime bien, ça. Allez, Koun. Oh, le poteau, putain. Koun est chaud. Hein. Koun est chaud. Hein. Ça pue quand il n'y a plus à Olu. Ah, bah, il manque quelque chose, ouais. C'est clair qu'il manque quelque chose, hein. Obinho. Obinho qui a pris aussi son abonnement à Bollaert. Bordeaux 3-0. 3-0 pour Bordeaux, ça donne quoi contre Guingamp? Oh, 2-0, ils ont marqué juste avant, avant la pause, pardon, c'était difficile à dire. Allez les gars, on est meilleurs qu'eux, putain. Tu peux faire beaucoup mieux, toi. Robaye, tu peux faire beaucoup mieux aussi, lui, ça le fait gagner en confiance. Et toi aussi là, Aïdara, putain, allez gros. Ah, faut se bouger un peu les mecs là. Un seul à Oulu vous manque, tout est dépeuplé. Il manque Jean-Eudes hein, quand même. Hein. Heureusement qu'il s'est pas plus blessé parce qu'on sent que c'est pas la même. Hein. Est-ce que sur ce. Ah, il fait beaucoup d'erreurs. Allez Thiago. Ouf. Est-ce que sinon je rentre Koné hein. Quoi. C'est un butin. Oh, c'est un poteau extérieur. Quelle somme. Vas-y, on va rentrer Koné. De toute façon, ça ne change pas grand-chose de gagner si derrière, ils font pas... S'ils font pas de match nul, Guingamp. Moi, je passerai à 61 et à 61 aussi. Ok, c'est ça. J'avais peur d'avoir mal calculé. Et en plus, il y a 2-0, mais jamais de la vie. Ils vont 104 points pour les autres, là. Ils sont au Guingamp. Je vois pas Guingamp. Je vois jamais les équipes importantes. Je prends jamais rien, moi. Ah, c'est là. Ah, 2-0, ça va être dur. Hein. 2-0, ça va être compliqué. Hein. Thiago Mendes. Thiago Mendes, lui, on va activer sa clause, par contre. Hein. Il nous a fait une saison. 3 millions, l'achat. Ce qu'on appelle un cadeau, hein, de la part de Lyon. Lyon, dans le jeu, c'est toujours quelque chose. Ils ont un centre de formation de port. Ils font toujours des trucs... Nimp. Oui, moi, Azevedo. Oui. Oh, ça aurait été vraiment... Nelson et Koun, quoi. Les aventures à la plage. Oh non, c'est mal donné, ça. C'est mal donné, gros. Il y a du monde à faire rentrer ou pas? Il y a un Tony Mauricio. Allez, à la place de Robaye. Il nous fait pas le match de sa vie. Koné encore une fois pour Thiago Mendes, qui change d'aile. C'est bien vu, ça. Oh, la vache. Guingamp 3-0. C'est terminé pour la 4e place, les potes. C'est terminé pour... Oh, ça parle en niçois sur le chat. J'aime bien les patois, moi. Allez, pour la beauté. 5-0 Bordeaux, mais à Toulouse. Pour la beauté. Allez, au bout, les gars. Une dernière victoire à Bollaert. Oh, c'est Vedo, on aurait aimé. Allez, demandez-en plus, toujours plus. Ça arrive les 0-0. Ouf, il y en a beaucoup, hein. T'as un camp, ils sont pas loin, dommage en différentiel là. Le Corse, le supérieur au niçois. Le Corse, c'est bien stylé quand même. Oui, Koun. Oh la vache, mais Azevedo, il donne des caviars. Hein. Azevedo, il donne des caviars. Hein. Kenny Tété. Les dernières actions de cette saison de Ligue 1. On a connu des... Oui. Oh, hors jeu. Oh non, nous faites...
Vous allez nous mettre une clim comme ça sur la fin? À la 86e minute, vous allez même pas nous laisser espérer comme ça et kiffer? Culé, arbitre. Oh, regarde, Saint-Etienne qui remonte. 3-1. Rien n'est joué. Ah ouais, quand même. Non, ah, Fortes hors jeu. Merde. On perd pas. Hein. Ça serait cool qu'on perde pas quand même, hein, du coup. Parce que j'avoue que là, on s'est chauffé, mais... Oh là là. Oh non, c'est bon, c'est de la main. Quoi qu'il arrive, on est devant Dijon. Et Caen a pas fait grand-chose. Donne-la, donne-la, donne-la ta balle. Allez, dernier corner de cette saison de Ligue 1. La dernière clim de la Ligue 1. Diarra, Diarra à la baguette. Diarra. Il fallait tenter. Honnêtement, c'est ce qu'on a vu toute cette saison. Le coup de sifflet final qui retentit. L'an prochain, Lens sera européen. Oh là là, on va jouer l'Europa League. On va... Attends, on s'est fait dominer, mais on va jouer l'Europa League. On va jouer l'Europa League, putain, on finit cinquième. Oh, quelle saison de porc. Vous avez manqué de réussite aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'aurais dû lui dire... J'aurais dû être content. J'aurais dû être content. Pourquoi j'ai pas été content? Yobinho, merci pour le prime. Merci, mon pote. Et on finit cinquième. Eh, c'est quand même une très très belle saison. Rivero blessé, 4 semaines, ça va. Un nul suffit à l'OGC Nice. Conférence de presse, on va assister quand même à la dernière. Quelle a été l'importance de votre belle série en novembre dans votre qualification en UEFA Europa League? C'était un tournant de la saison. Ça nous a permis de bien nous placer. Ce match c'était le dernier de votre campagne en Ligue 1. Quel regard portez-vous? Je crois que nous pouvons être fiers de nous. Nous avons obtenu de beaux résultats. Quel impact de votre causerie sur ce résultat? Ah bah c'est crucial, hein. C'est moi qui parle. Les arbitres ont-ils lu sur le déroulement? Il me semble que parfois les arbitres veulent se montrer. Bah ouais, ils nous ont même pas laissé kiffer. Nous avons fait un bon match. Je vais rien dire sur l'arbitrage. Que pensez-vous du loss qui se répare de Rémi Garde? Ah bah Rémi, hein. Rémi. Prime de Ligue 1. Steve Spooner a reçu une prime de... Ah oui, putain, j'ai mis full prime de qualification en Europa League. Qualification du RC. Oh là 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 là, on va en Europa League. C'est trop stylé, putain, quand même. Eh, c'est en vrai, c'est ouf. Hein. Parce que déjà, j'aurais fait milieu de tableau, ça aurait été cool. Parce que milieu de tableau, on a fait... Oh, c'est quand même ouf. Hein. On a fait Ligue 2 champion, et là, on fait Europa League. C'est quand même... Et ouais, voilà, la 6ème place, c'est pas qualifié. Hein. Si Nantes... Si... Ça serait ouf que Nantes batte. Hein. Tu vas avoir les barrages. Ah ouais. Ah, c'est vrai que les barrages, ça va être technique. Hein. 9 millions pour le Racing Club de Lens. Ah, là, par contre, c'est tellement peu par rapport à la Première Ligue ou quoi. Mais ça va nous mettre bien. Ça nous met bien. Eh, c'est quand même héroïque. Hein. Honnêtement, je vous le dis, jamais j'aurais pensé qu'on serait qualifié en Europa League. Parce qu'on a fait Ligue 2, du coup, champion. Et ensuite, Ligue 1, on fait 5e dès la première année. Barrage si Nantes gagne ou poule si Marseille gagne. Ah bah on va espérer que Marseille gagne alors. Un tournant pour la qualification. Un but refusé controversé, c'est pas grave, on va tourner la page. Kuhn qui obtient une petite prime de but, 35 000 euros. C'est bien. Ils ont fixé un budget salarial initial à 1,8 million et un budget transfert à 12 millions. Alors ça c'est pour l'instant. Parce que du coup, on a encore beaucoup de choses. On a encore beaucoup de choses, mais 12 millions c'est déjà bien. 1,8 million, sachant qu'on va avoir quasiment 500 000 euros de masse salariale. Et on va avoir pas mal de joueurs qui vont être vendus. Et on va avoir l'Europa League, donc honnêtement, ça paye les droits TV en Première Ligue. Non, parce que ce que je voulais regarder, c'est que j'avais vu un joueur qui était un moment en liste des transferts. Lui. Liste des transferts pour 6 millions. Vous en pensez quoi de Ramiro? 1m86, 29 ans, 16 en tac, 17 en tête, 15 en marquage, bonne qualité de passe, de contrôle de balle. On va l'observer. 11 en placement, c'est moyen. 11 en placement et anticipation, c'est les deux seules choses qu'on peut lui coûter. Mais après, ça va coûter cher. Ça va coûter cher, mais juste, j'avais vu ça. J'avais vu ça passer quand j'avais fait les trucs. Oh là là, oh, on est quand même bien. Bon, il y a un énorme chantier à faire parce qu'en Europa League, va falloir assurer. Hein. Va falloir assurer. Attendez, du calme là, les champs. Mais en même temps, ils sont contents. Active Mendes. Non, Mendes, on va l'activer, ouais. On va l'activer, Mendes. On va avoir une.
Rembaille les bombailles. Oh putain, cette saison. Ah, ça fait plaisir. L'an prochain, ça va être... Parce que tu vois, honnêtement, on aurait refait juste de la Ligue 1 sans Coupe Europe. Ça aurait été moins kiffant à être dedans. Fitzpatrick. Qu'est-ce qu'il me veut, Fitzpatrick? Ah, c'est bien, merci Fitzpatrick. Faites taire ces gros buveurs de bière. Ah, ils ont mérité la bière. Jean-Kévin Duverne blessé. Bon, bah, on va le vendre, lui, je pense. Ah, il a perdu 1,5 million de valeur. Parce que son contrat, tu vois, celui, il a un an de contrat, donc on pourra pas le vendre de ouf. 23 ans... Bon, en gros, pour moi, les chantiers qu'on va avoir, ça va être recruter un 8 offensif. On va prendre Adélaïde. Dans le jeu, je vais le mettre pas trop vite. Mais un 8 offensif... Et de les lier, hein. Un attaquant très solide, un défenseur solide. Oh là là, il y a dire. On a Tété en prêt, donc il va nous... Oh là là, il nous faut tellement de trucs. Thiago Mendes nous a fait une grosse saison. Hein. Thiago Mendes, honnêtement... C'est quand que je peux activer jusqu'à quand, ça? Bon, déjà, on a 3 millions qui vont partir dans Thiago Mendes. Parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut le prolonger. Je pense que c'est quelque chose qui vous va. Moi, c'est quelque chose qui me va aussi. Jusqu'à la fin du prêt. Ok, jusqu'à la fin de son prêt, si tu peux. Kenny Tété blessé. Dans 4 jours, il y a la fin de 30 juin max pour Thiago. Ok, bon, ça va, on est en mai. Adama Traoré. Des Wolves? Ouais, après, il est ailier, lui, il cavale. Moi, je cherche plus de l'attaquant intérieur qui repique, tu vois. On va voir. De toute façon, on va avoir beaucoup de chantiers. On va faire le mercato demain. Là, on va juste avancer un peu pour voir. Un peu ce qu'il y a. De toute façon, il y a peut-être des joueurs aussi. Budget de recherche pas suffisant. Ah ben? Ah ben? Mais ça, c'est... Ça, c'est solide, ça. Hein. 16 de technique, 15 de contrôle de balle. Lui, il est bon, là, le emballo, là. Il a pas une... Il va coûter tellement cher. Parce qu'ils voudront le lâcher pour rien. Il y a l'Inter qui est dessus. Je pense que c'est hors de prix, ouais. Il y a du Diop, hein. Diop en milieu box-to-box, c'est pas trop 8, mais... On va y avoir du gros chantier. Julian Baumgartlinger quitte le club en fin de contrat. Il nous compterait combien? 100 000 oh, c'est cher, ça. Milieu de terrain, lui, on veut pas. Lui, on veut pas. Ah mais là on a checké en Chine là, j'ai tous mes gars qui regardent la Chine là en mode milieu offensif. C'est qui lui? Ah, Abdulrahman, il avait joué lui, non? Ah, 75 sélections. Les Émirats Arabes Unis. 20 déter. Déterman là. Bon, attendez, on va continuer jusqu'à voir pour Nantes. De toute façon, je pense qu'on se fera le mercato demain. Demain après-midi, tranquillou. Je vais réfléchir un peu dans la nuit, comme ça. Réfléchissez aussi à ce qu'on a besoin. Tu vois, mes adjoints, achète un gros joueur. Ben, ça va être compliqué de mettre tout dans un gars, quoi. Mais je pense qu'il y a des gars potentiellement intéressants en fin de joueur ajouté au 11 de légende. Thiago Mendes a été ajouté parmi les 6. C'est beau. Farinhez, Azevedo, 11 de légende. Oh, c'est beau. Récompense de fin de saison. Recrue de l'année, c'était Farinhez. Joueur de la saison des supporters, c'est Robaye. Aoulou, 3e. Bilan de saison. Des liens forts existent. Fortes, Robaye, Cahuzac. Bon, bah, c'est bien. Fortes et Robaye, je pense qu'on va les garder. Cahuzac, je pense qu'il va partir. De toute façon, il est en fin de contrat, non? Ah, il lui reste un an. Ah, bon, bah, il va aller en réserve. Hein. Discuter de la saison prochaine. Bon, qu'est-ce qu'on leur dit, les gars?
Nous allons... bon, on va leur dire qu'on se qualifie pour l'Europa League. Bah, moi, j'aurais dit LDC, mais à chaque fois, l'an dernier, ils m'avaient fait chier. Je vais leur dire Europa League. C'est exactement le niveau d'ambition que j'attends de mon entraîneur. On va se qualifier pour l'Europa League. Très bien, comme ça, ils partent tous en vacances contents. Nous, entre nous, les dirigeants estiment que vous faites un travail absolument fabuleux, que vous êtes une bénédiction pour les supporters. Puisse cet état de grâce durer encore longtemps. Mais j'ai jamais eu ça de ma vie sur FM, hein, je crois. Puisse cet état de grâce durer encore longtemps. C'est... Ouais, ils me mettent bien, là. Il nous faut un patron en défense, ouais. Dieu Domingo. Béni sois-tu. Ah, Marseille qui a gagné. Oh, prolongation en plus, hein. À 10 contre 11, les pauvres Nantais. Du coup, ça veut dire qu'on est en... Ça veut dire qu'on est en Europa League en poule, direct ? Eh, mais il est chaud, Domingo, en plus. Il a un gros potentiel. Belle tronche, hein, le Domingo. 3,5 millions de clauses libératoires. Ah ouais. Si, déjà, on a signé un gars en fin de contrat qui est Kenneth Omerio. Qui est déjà un bon défenseur. Qui pourrait être une doublure, qui pourrait être beaucoup de choses. Mais quoi qu'il arrive, il y a... Bah, je vois aussi... Il y a... Comment ça s'appelle ? Duverne va partir, Tard va partir. Donc là, on aura Joao Silva, Omerio et Fortes. Et je pense qu'il faudra signer un solide défenseur central. Un top tier. Recrute-le. Ouais, mais si je mets 3 millions... Euro, les listes dévoilées. Un joueur appelé pour la Copa América. C'est bien, prends de la valeur, prends de l'XP, toi. C'est un crack. Incroyable. Garde ta rate. Non, il est en fin de contrat... Cette musique horrible. Regarde les équipes reléguées pour les piliers. Azevedo souhaite discuter de l'avenir. Ah, ça renégo comme ça, toi. En même temps, il gagne 13 000 par mois. Je comprends qu'il veuille un peu mieux. Allez, je vais bientôt te re-signer un contrat. Il va me vouloir beaucoup ou pas, Nelson? 42 000. Oh, Nelson, mollo, on va en discuter un peu plus tard. Hein. En 8, Savanier est pas mal. Je vais regarder ça. Faut que tu lâches 3-4 millions pour un joueur au moins gros. Ouais, non, mais il est plus mécontent. De toute façon, il va partir. De toute façon, on va avoir beaucoup de liberté, là. C'est entre Angers et Strasbourg pour la montée. Ce sera 10K pour toi. 1-1. 1-1 entre les deux. Je pense que tu peux viser un bon gros Champions Project, encore plus gros que celui de Paname. Non, mais déjà, l'aventure en Europa League, tu risques de te faire piller tes joueurs. C'est possible qu'il y en ait quelques-uns qui partent, ouais. Mais après, ça sera cher, hein. Honnêtement, ça sera cher du coup. Hein. Parce qu'on est en Europa League, les joueurs vont vouloir rester. Hein. Lance Champions Project. Donne-moi mes 42K. Mais non, Azevedo sur le chat. 42K, c'est trop. Par contre, belle fin de saison, hein, Nelson. Nelson, t'as été chaud là, le petit pied gauche. La petite position à droite où tu repiques à l'intérieur. Solide, hein, frérot. Franck Caissier, il est abusé. Ouais, mais il coûte 50 millions, quoi. On pourrait assister à une véritable saga autour de l'avancante de Sassuolo, Babacar. Ah bah non, je veux pas Babacar, moi. Ah, c'est gentil, mais je veux pas Babacar. Il préfère toujours être sur l'aile droite, ok. Réunion recrutement. Bon, attendez, on va garder ça. On va juste passer aux deux. Comme ça, ce sera parfait. Et on sera prêt pour demain. S'attendre... Ah putain, moi, je vais lui proposer maintenant. Je vais le proposer maintenant, mais c'est vrai que... Nelson, je vais te vendre, hein, si tu demandes trop. Hein. Augmentation annuelle. Je te mets 35 000. C'est même enseigne pour tous. Hein. Ah ouais, tu vas me faire chier en plus, toi. Toi, je te sens en embrouille de thunes, là. Ah ouais, je te sens difficile à négo. Hein. Ah, je te sens très difficile à négo, toi. Ah ouais. Nelson. Bon, augmentation, mais du coup, je te mets à 37. Tu me fais chier, Nelson, là. Allez, bon. Il m'a baisé, quand même. Ah ouais, Nelson. Tu m'étonnes, là, que t'es pas encore signé dans le nouveau club, là. Ça bosse la négo, là, j'ai l'impression. Angers qui monte. Enfin, non, qui reste, pardon. Doublé d'Adélaïde. Mais il a été incroyable. 11 buts. Ah ouais, quand même, hein. Quand même. C'est quoi, ça? C'est du milieu offensif. Bon, on verra. Prime globale de 2 millions.
qui vont devoir se partager, ah, quand même, hein, putain. C'est pas rien. Et pour... Benacer ? Il pense à 3 millions ? Mais pourquoi j'ai pas pris Benacer depuis le début ? Mais 3 millions, c'est... Mais je peux grave mettre un Benacer... Attends, un Benacer, ça peut être solide, hein ? Parce que du coup, la clause a toujours pas sauté. Mais... Il est quand même très chaud, hein ? Il est quand même... Il doit demander méga cher en salaire. Ah ouais, tu penses ? Il peut intéresser quand même, hein ? Sa clause, parce qu'il vient d'être relégué. Eh, Benacer... on a trop de gens à check. On a trop... Oh là là, il y a trop de trucs à faire. Farinhez a été nommé étoile d'or. Allez, hop là. Meilleur gardien de la... meilleur gardien de Ligue 1. Celui qu'on appelait Farinhez. 35 apparitions, 40 buts pris. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, mon frérot. Azevedo satisfait de son nouveau contrat. C'est bien, on veut du positif. Thiago Mendes dans l'équipe des étoiles. Farinhez qui est dans l'étoile. Putain. Gaëtan Robaille, troisième meilleur passeur de la saison. Jean-Eudes Aoulou, troisième meilleur joueur africain. Lopez, gardien de la saison. Bien joué, Manto. Entraîneur de la saison. Coach Bizot. Oh non, mais ça va être Thomas Tourelle, là. Ah, vas-y, je sais même pas qui voter, là. Ah, je vote pas. Ah, je vote pas parce que je veux pas donner de points. Mais du coup, si je donne pas de points, c'est trop bien. Faut jamais voter. Parce que comme on peut pas voter pour soi, Thiago Mendes. Mais Thiago, on va activer tranquillement sa clause aussi. On va se mettre très bien. Fin de contrat, Mehdi Tarar, Souleymane Diarra. On n'en veut plus. Ça, c'est que des joueurs dont on veut plus. De toute façon, on avait vu un peu, on avait surveillé tout ça. T'es obligé de voter au bout d'un moment. Ah, ok. Cahuzac fixe la date de sa retraite. Oui. 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 Retraite dans 15 jours. Yannick. Oh, Yannick, qui va nous soulager un peu de salaire. Oh, le Yannou. Oh, comme ça, il finit en beauté, tu vois. Comme ça, il finit en beauté. On n'a pas d'embrouille où le mec, il est obligé de jouer à un moment ou à un autre. Oh, c'est parfait. Oh, c'est sublime, hein, ce qui nous arrive là. On a un enchaînement de belles choses, là. Le Toulon Tournament. On va aller scout le Toulon Tournament, nous. Super coupe. Moi, je scout tout, moi. Oh, c'est bon, ça. Ah, c'est quand même très, très bon. Ça, je vous le dis, mesdames et messieurs. On est au top. 15 millions de soldes général. Bon, on va sûrement avoir des meilleurs... Mais Victor, je le veux plus, là. C'est bon, il a fait son temps, lui. Hein, là. Laissez-le partir. Hein. Laissez-le en paix. Hein. Merci, Yannick, quel frère. Benacer, honnêtement, parce que là, on pourrait s'en sortir à 6 millions d'eux avec un milieu solide. Avec Mendes, Aoulou, enfin, Mendes et Benacer, mais du coup, qui nous permettrait d'avoir Mendes, Rivero, Aoulou et Benacer. C'est quand même quelque chose qui pourrait être pas mal, hein, je pense. Genre, je pense vraiment que... Rekis Braguia annonce la date de la fin de sa retraite, préparateur. C'est quand, toi ? 16 juin. Ah, vous partez avec Yannick, en fait. Anziaz. Et peut-être, c'est genre un autre mec, ou peut-être un gars du centre de formation qu'on fait monter, qu'on donne... Il faut des remplaçants solides. Benacer, on va faire attention parce qu'on peut se le faire voler là, je pense. Le Genoa, le Spal. 17ème en Serie A. Mais je pense Benacer, c'est très solide, non ? Dites-moi si je me trompe, mais là, 22 piges. Keane, prolonge Keane. Ouais, mais Keane, on pourra pas, je pense. Moïse, et puis. Je pense qu'on a fait notre temps avec Moïse. Je dois vous le dire. Voilà.